Salut à toutes et à tous et bienvenue pour les joueurs du dimanche. Aujourd'hui, on va se régler sur Magic the Gathering, sur du Commander, un format un petit peu particulier que connaît particulièrement Rofellos. Mais juste avant de parler de Rofellos, je vais vous présenter nos joueurs du jour, évidemment, puisqu'on est avec Jérémy de Play-In. Hop, on va passer sur lui directement. Il est très beau. Plus beau de près. C'est absolument magnifique. Jérémy, donc du coup, tu bosses chez Play-In, évidemment, boutique que vous connaissez bien, les amis, sur laquelle vous pouvez évidemment commander toutes vos cartes Magic, mais aussi vos jeux de société. On l'utilise d'ailleurs chez le stream, hein, avec le code le stream 2022 cette année. Les jeux qu'on joue en plateau sont accessibles à moins 10% s'ils sont dans votre panier. En fait, vous avez moins 10% sur votre panier s'il y a un des jeux qu'on a fait en plateau dans votre panier, au moins. On essaye de tenir ça à jour le Ça marche le pas plus sur les cartes possible. Magic. En fait, ça marche sur les jeux de société qu'il y a dans le panier. À partir du moment où il y a au moins un jeu de société de... en plateau. Et du coup, le dernier qu'on a fait, je crois qu'on n'a pas encore eu le temps de le mettre, mais c'est Dune, l'extension. Ouais, si, je l'ai rajouté. Et bah voilà. Je l'ai rajouté hier. Oh là là, le crack. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez ? On travaille qu'avec les meilleurs. Il est méga chaud. Parce que tu sais, t'es censé m'envoyer des SMS quand ça se fait. Écoute, moi j'ai fait un fichier, c'est déjà beaucoup. C'est vrai. C'est déjà beaucoup, effectivement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Jérémy ? Rien à ajouter. Rien à ajouter. Prêt on pour va la bagarre. Demander à Adi. Si je peux ajouter quelque chose vis-à-vis de Jérémy, on fait le malin, genre moi, mon commandeur, etc. Il faut savoir que Jérémy est un très bon joueur de Magic. Jérémy, ne rigole pas, ne te sous-value pas, dévalue pas. T'as bien gagné un petit quelque chose dans ta carrière. Tu t'as joué quand même. T'as joué au niveau compétitif. Et j'ai fait jour 2 de GP un jour. Eh ben, c'est bien jour 2 de GP déjà. Imagine, t'as 2000 man, il en reste 200 et il est dedans. 2000 mecs ? Ouais, les GP, des fois, c'était n'importe quoi. Mais pas en commandeur. Non. En Magic classique, ça n'a rien à voir. Magic Legacy, c'est Legacy, non ? Moderne. Gros joueur de moderne. Gros joueur de moderne, qui est un format à partir de la 8e édition. Il va étaler sa science pendant 2 heures et on est là pour ça, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, on va s'intéresser à Adi qui est avec nous aussi. Salut Adi. Bonjour tout le monde, très content d'être là. Moi, c'est mon dépucelage hein, puisque je n'ai jamais fait de commandeur ODH ou ce que vous voulez. Je découvre. On m'a dit que c'était très spécifique en plus de ça, que ça relevait plus de la diplomatie qu'autre chose. Et d'un autre côté, y a deux très bons joueurs, Max et moi, on est peut-être. On va découvrir. Mais par contre, tu nous as menti, t'es pas du tout champion de DH j'ai en fait. J'ai jamais dit que j'étais champion de DH. Bah pourquoi quand on le dit, tu laisses dire. Bah oui, quand les gens disent je suis en mode. En fait. Pardon, attendez, excusez-moi, on va bien regarder cette personne. Vous n'êtes pas champion. Alors, vous êtes une merde en fait. Le duel commander est donc. En fait, le DH. Pourquoi le DH ? Bon, parlons-en. Le DH à la base, c'est Elder Dragon Islander. Il y a d'ailleurs une vidéo. Je vais même faire un café là. Il y a d'ailleurs une vidéo de notre ami Jérémy chez les gars de Trick Track qui explique tout à fait les formats, notamment. Ah, ça me fait plaisir. Hop, un petit cadeau pour toi, je l'ai regardé et j'ai trouvé ça très très bien. Donc à la base, ce sont des arbitres américains qui se sont dit c'est sympa les formats qu'il y a en ce moment, mais nous on aimerait bien jouer des grosses cartes et on aimerait bien que nos parties durent très longtemps, on aimerait bien jouer à 4 ou 5, etc. Et donc ils ont créé le Elder Dragon Islander. Elder Dragon pour les anciens dragons de légende où il y avait Nicole Bolas, mais à l'époque, etc. Donc chacun avait son petit dragon. Et Islander, parce que du coup, le but c'était d'avoir 100 cartes dans son deck, mais chaque carte en un seul exemplaire. Il doit en rester qu'un, toi-même tu sais. Et donc ils faisaient comme ça des grosses parties. Et en fait, ils avaient donc du coup leur propre petite banliste et le format a eu beaucoup de succès. Et en France, quand c'est arrivé en France, très vite les gens se sont dit bah, c'est sympa comme format, mais nous on a envie de faire des duels, de pouvoir se goumer, pas juste d'être à 4 okay. quoi. Et donc est né le duel commander. J'ai fait partie du comité qui bannissait les cartes, qui... Oh monsieur etc. Ok. Et j'ai effectivement eu une bonne période de gains de gros tournois. Mais en fait, c'était quelque chose de non officiel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Wizard ne soutenait pas le commandeur. Mais maintenant, ça reste sur du multi, ça reste sur ce qu'on appelle du kitchen magic. Okay. Tu joues comme ça avec tes potes, quoi, mais c'est pas forcément... C'est pour te marrer, ouais. Bref. Et donc, effectivement, j'ai gagné beaucoup de tournois de commandeur. Et ça, c'était que l'introduction. Maintenant, je vais passer premier chapitre. Non, mais bref, donc je suis un ancien champion de commandeur, mais pas forcément champion de France, puisque ce qui était estampillé championnat de France, je n'ai malheureusement fait que 3e à l'époque. Tu es une merde. Ça me déçoit beaucoup. Et pourquoi est-ce que tu ne reviens pas sur le devant de la scène ? Tu pourrais aller laver des mecs comme mais ça. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire il y a maintenant un peu plus d'un an. Alors il se trouve que c'était au moment où il y avait le confinement. C'était compliqué, ouais. Mais j'ai quand même fait 3 tournois, dont 2 top 8.
Mais j'ai pas pu faire pour l'instant plus que du coup top 4. J'ai fait top 4. Mais en revenant à la Zob, c'est-à-dire que je connaissais pas le méta. Non, mais c'est bien pour quelqu'un de rouillé en vrai. J'y suis allé avec un deck mono blanc un petit peu fait brick and rock. Et en vrai, j'ai quand même réussi à faire quelques perfs, mais pas arriver à mon. Il se trouve que depuis, j'ai une femme, une fille, un boulot. Tout un tas d'excuses évidemment pour être à chier. Sur ce, on va expliquer un petit peu ce qui nous attend ici. Jérémy, on va jouer à quoi ? Le Commander. C'est un format de Magic. Dans lequel on a chacun un deck de 99 cartes, toutes différentes sauf les terrains de base. Okay. À la différence du Magic classique où c'est plutôt 60 cartes et on peut jouer jusqu'à 4 de chaque carte hors terrain de base. En plus de ces 99, on a chacun. Vas-y, tu peux la montrer. Un général, un commandant. Tiens, attends, on va la montrer. Regardez, hop, on passe en vitesse. Enfin, c'est propre. Et tu peux mettre tes cartes ici, comme ça on va pouvoir les expliquer. Allons-y, carte, zoom. Donc ça s'appelle le commandeur parce qu'on a tous un commandeur, un général, qui est une créature forcément légendaire et qui va être toujours accessible. Elle est toujours dans notre main, entre guillemets, parce qu'elle est dans une zone spéciale qui s'appelle la zone de commandement. Donc on va construire notre deck de 99 autour de cette créature-là et de ses synergies, de ses combos possibles. C'est ça. Et il y a ce qu'on appelle l'identité du commandant, c'est-à-dire que lui, il est blanc et bleu. Tu ne peux pas avoir dans ton jeu une carte qui est autre chose que blanc et bleu. Ok. Voilà. À savoir que ça compte aussi sur le texte. Si par exemple ta carte elle était blanc et bleu et qu'elle avait un effet qui disait engagé, ajouter un mana vert, alors là tu aurais pu effectivement. Enfin, ton identité de commandant et ton identité de couleur était blanc, bleu, vert. D'accord, ok. Voilà, faut savoir. Mais ce qui a plu beaucoup dans ce format, c'est le fait que, bah, comme on est, comme disait Jérémy, on est passé de format classique à 60 cartes, 4 cartes maximum, à 100 cartes, une carte de chaque, et bien il y a eu du coup beaucoup d'anciennes rares qui étaient un peu laissées dans l'oubli parce qu'elles n'étaient pas aussi fortes que d'autres, que du coup on a dû récupérer des classeurs, etc. Et donc c'est là où c'est sympa, c'est qu'on va pouvoir, avec également le fait qu'on ait 40 points de vie chacun en multijoueur, faire des parties qui durent normalement beaucoup plus longtemps et donc s'étendre, mettre des bêtes qui normalement sont injouables dans les formats. On va dire, genre, t'as combien de tours, grosso modo, en moyenne ? 8 tours, 10 ça dépend, tours, 15 tours. Parce qu'en EDH compétitif, t'as des mecs qui gagnent tour 1. Oui, bien sûr. Enfin, tu peux aller vite. Et c'est pas marrant, du coup. Très drôle. Mais il y a des parties qui peuvent durer très longtemps. T'arrives jusqu'à 10 manas, tu fais des grosses spells, etc. Okay. Ça, vu que t'as des gens qui vont jouer des races terrain. Okay. Des races créatures, des machins. Il y a des moments où la partie Il y a des moments où tu crois que c'est bientôt fini en fait. Pas du tout. Oh bordel, casse-terrain. Là, on est parti, on va pas mentir aux gens. On est parti pour. Au moins deux, je pense. Je dirais un bon 2 heures. Hein. Ouais, parce qu'on va essayer d'aller doucement, d'expliquer bien les cartes. C'est ça, oui. Yes. En plus, oui. En plus, nous, on va y aller au rythme du fait que si jamais vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec Magic, on va quand même un petit peu reprendre les bases. Mais. On a fait un tournoi il n'y a pas longtemps. On va pas non plus sur ta chaîne. Tout expliquer en détail. Mais disons que ça va être accessible. On va vous dire qu'il faut jouer des manas pour jouer des cartes. Ouais. Hein, mais on va expliquer les cartes. Ça va être accessible. En tout cas, on va essayer de faire ça le plus cool possible. Et on n'est pas en 2v2, on est en free for all, chacun pour soi. Exactement. C'est un format ici sur lequel on va jouer en 40 points de vie. Donc on a mis en noir, c'est Jérémy, hein, c'est parce que c'était chiant de mettre blanc sur fond blanc, mais voilà, vous avez un petit peu le résumé ici des points de vie qu'on va avoir. De temps en temps je vous l'afficherai en grand comme ça pour que ce soit clair pour vous, mais globalement voilà, j'espère que vous pouvez à peu près lire ici. Et j'ajoute que dans ce format, il y a ce qu'on appelle les dégâts de commandant. En fait, quand on va mettre des blessures avec notre commandant, eh bien ça va tenir un compte spécial. Alors on va baisser les points de vie normalement, si par exemple là j'attaque avec ma petite 2-2, je sais pas, Jérémy coup, oui, il va très prendre 2, très bien, il va passer à 38, mais en plus, il y aura un petit compte qui dit que ce commandant-là lui a infligé 2 dégâts. Et en fait, dans ce format-là, si jamais un commandant t'inflige 21 dégâts ou plus, tu perds la partie. Okay. Donc du coup, ça, pour éviter que ce soit le bazar, j'ai juste pris une feuille et un crayon et je noterai, je vous dirai à peu près où on en est. Très bien, j'étais en train de faire 2-3 réglages, mais je crois qu'on est pas mal. Les amis, on va pouvoir y aller. Hein. Ouais, on va repasser. Dernière précision, là on n'a pas construit nous-mêmes nos decks, oui. On a utilisé les decks pré-construits qui sont disponibles dans les magasins. Donc ils ont tout fait autour de différents thèmes et différentes couleurs. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans nos decks, on va tous les découvrir en même temps. Alors je sais juste que moi je vais jouer rouge-vert, j'ai donc le deck vert, c'est pour ça que mon cadre est vert. Voilà. Toi tu vas jouer... Alors est-ce que du coup on n'en profiterait pas pour raconter au moins notre commandant ? Notre commandant ? Allez, vas-y. Ça me paraît être bon. Toi, tu joues Shishiro, la lame brisée. C'est un commandeur qui est donc sur la toute dernière édition. Lui, il est sorti il y a quelques jours. Ouais, Kamigawa qui est sorti il y a pas longtemps. Mais dans un format commandeur, on peut jouer toutes les cartes. Il y a quelques cartes qui sont bannies, mais tu peux jouer des cartes. Donc, tu vas peut-être retrouver des cartes des premières éditions. Ça régale. Sachant que c'est
on va quand même répondre aux questions avant qu'elles nous soient posées. Deux choses, ces commandeurs-là sont entre 30 et 50 euros, ça va dépendre un petit peu de leur popularité. Les sleeves qu'on utilise, c'est quand même beaucoup de questions qu'on nous pose dans les chats et compagnie, ce sont des sleeves Katana de la marque Ultimate Guard qui sont très bien, puisqu'en fait ils sont nouveaux et ils ne glissent quasiment pas. Et ils sont assez smooth. Bref, c'est un régal. Ceci étant dit, on est parti du coup sur le commandant de Max. Alors, il coûte 4, c'est une 4-4. Il est serpent et samouraï. Il a c'est un serpent qui a trouvé un katana par terre. À chaque fois qu'une aura ou qu'un équipement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 2-2 rouge esprit avec la menace. La menace, c'est quand il va attaquer, on ne pourra pas le bloquer avec une seule créature, il faudra contrôler plusieurs. Donc, on devine, rien qu'à la première que c'est relou, qu'il va y avoir dans le deck de Max des auras d'équipements. Donc les auras, c'est des enchantements qu'on met directement sur une créature, et les auras, c'est des artefacts qu'on va pouvoir. Je vais les booster, plus elles vont être boostées, plus elles vont en créer d'autres, etc. Et tu as une autre capacité qui dit au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature modifiée que vous contrôlez. Le terme modifié est apparu à Kamigawa et veut dire les équipements, les auras que vous contrôlez et les marqueurs. Sont des modifications. À partir du moment où elle n'est pas flat, la carte, c'est ça. Elle est modifiée. Alors, juste un petit détail quand même, ouais, c'est les auras que vous contrôlez. C'est-à-dire que si jamais je mets un pacifisme par exemple sur une de tes lettres, elle n'est pas modifiée. Elle devient faible. Elle est contrôlée. Très bien. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. C'est grave cool. C'est vrai, ça a l'air bien. Et c'est vraiment dans l'ambiance grulle du coup, qui casse bien la tête. Quoi. Le bus, il n'est pas là pour. On enchaîne avec Jérémy. Jérémy, pareil, deuxième deck de Kamigawa, cette fois-ci basé sur les. Véhicule. Ah, c'est Forza Horizon Magic Edition. Donc on va avoir beaucoup de véhicules dans mon deck qui sont des artefacts qu'il va falloir piloter pour les transformer en créatures. Ouais, peut-être 100 ans qu'on puisse déjà. Allez, je triche, je regarde l'ordre de mon deck. Non, mais tu vas faire le plaisir de mélanger tous les véhicules. Alors les véhicules que vous contrôlez ont pilotage 2. Non, mais ça c'est l'enfer, mec. Pilotage 2, c'est si faible. Regardez cette carte. Elle a une force et une endurance et pourtant ce n'est pas une créature. Vous voyez, la force et endurance sont un petit peu en gris, enfin, un peu plus foncé, puisque à la base, on va la poser en tant qu'artefact normal. Et si on veut le transformer en créature, il va falloir le piloter. Là, par exemple, c'est pilotage 2. Engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 2. Et là, il devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. C'est ça. Je vais utiliser mes bêtes pour piloter le véhicule et attaquer avec. Mais, comme il y a marqué que les véhicules que vous contrôlez ont eux-mêmes en pilotage 2, si jamais il y avait marqué, c'est compte à deux. J'ai pris pile le mauvais exemple. S'il y avait marqué pilotage 5, par exemple, elle aurait quand même pilotage 2. Elle aurait pilotage 2, du coup, elle est plus facile. Donc ça veut dire que tu peux piloter un vaisseau de guerre, une armada entière. Ce genre de petit bébé. Qui est assez, ouais. Parce que c'est connu, je la connais, elle. Ouais. Parce que Parallion 2, c'est un véhicule, c'est genre l'espèce de gros croiseur d'ange, tu vois. Donc c'est un peu chiant pour le piloter, mais donc là, du coup, tu pourrais le piloter avec ça, puisqu'il a 2 ici, et que du coup, il a ça. Ouais. Et au début du combat, pendant votre tour, une créature artefact ciblée que vous contrôlez acquiert le lien de vie et la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ce qui, donc, en plus, bon, là, elle a déjà la vigilance. Mais du coup, tu vas pouvoir filer, du coup, eh bien, des capacités à tes véhicules. Donc ça régale. Pas mal. Voilà. C'est claqué, c'est incroyable. Adzi. Bien sûr, bah moi c'est vampire parce que la dernière fois j'avais joué en draft un deck vampire, un deck esprit. C'est vrai. Et c'est vrai que le vampire c'est mon tribal préféré en fait. Bah ça régale. Donc le hasard a bien fait les choses. Donc moi j'ai encore une fois un vampire. Donc pour 4 c'est une 3-2 vol. Donc bon bah c'est tranquillou. Mais au début de mon étape de fin, je peux créer un jeton 100 pour chaque joueur qui a perdu des points de vie ce tour-ci. Ouais, tu dois l'avoir dans tes fils de marqueur avec ton verso. Hein, ce qui et sinon, tu as ça, voilà. Donc grosso modo, vu que c'est du multijoueur, imaginons que j'ai quelque chose qui fasse des blessures à tous les joueurs, eh bien, je pourrais mettre jusqu'à 3 jetons 100. Et la petite particularité de Stréphan, le pote, c'est qu'à chaque fois qu'il attaque, je peux sacrifier 2 jetons. Hop. Et si je fais ça, eh bien je peux mettre sur le champ de bataille engagé et attaquante une carte de vampire de ma main. Et si c'est pas suffisant, elle est indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc c'est plutôt sympatoche, mais je vous avoue que le petit pilotage 2, lui, il commence déjà à me stresser. Oui, un deck qui vient de l'avant-dernière, du coup, c'est ouais, ça Innistrad. Innistrad, Nos Écarlate. Nos Écarlate. Eh bien, moi, je viens d'encore avant, dans le passé, je viens de Strixhaven, qui était un petit peu magique à l'école des sorciers. Et j'ai un deck simique, enfin, en tout cas bleu et vert, avec une capacité un petit peu pénible. On va passer directement à celle-ci. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, deux fois ce nombre de jetons sont créés à la place. C'est un deck qui joue avec les maths. Vous allez voir que je vais parfois faire des copies de cartes. Ça va être un enfer. Je l'avais déjà testé en duel avec Tarsa. Et vraiment, c'était un jeu un peu particulier. À deux doigts du divorce.
Bah dis donc, heureusement qu'elle est sur ses chaînes parce que... Et j'ai quand même, comme je suis une faiblarde de 2 pour 4, j'ai quand même une petite capacité de protection qui est cool. Hein. Para 2, on aurait préféré la défense talismanique, mais ah oui, non, on n'a rien sans rien. A chaque fois que cette créature devient un cible d'assaut ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité, à moins que ce joueur ne paye 2. Il faudra faire attention, si vous voulez la cibler, il faudra payer un peu plus. Ouais, demain un Est-ce que tu vas faire l'heure? T'es sûr? T'es sûr que tu vas la cibler? On va jouer avec. Merci, merci. Un certain fair play, si jamais vous oubliez ça, je vous dirais. T'es un frère. T'es non. Bref, on va commencer avec cette carte chacun. Il faut savoir que celui qui, dans multijoueur, même celui qui commence, va piocher une carte au début de son tour. Ok. Voilà. Pour savoir, on va vraiment la jouer normalement. Je vous propose sur. Le plus grand commence. Le plus grand sur 2D. Oh, tu t'en mets un frère. Oh, excusez-moi d'être. Hop. C'est moi. Et ben voilà. juste, il avait tout prévu. Et voilà. Dans ce format-là, il y a un mulligan gratuit, c'est-à-dire que pour tout le monde, si votre main ne vous convient pas, vous pouvez la remélanger et repiocher cette carte sans malus. Si vous voulez refaire un mulligan après, il faudra à chaque fois, vous piochez toujours cette carte, mais il faudra retirer des cartes une fois que vous aurez votre main. Pour le plaisir, je vous montre une autre application. Prendre le temps de temps en temps. Je sais pas. Alors attends, faut que je me souvienne comment ça s'écrit. Elle choisit, c'est H-W-A-Z-I. Okay. En fait, avec choisit, je peux dire. C'est une OP ou... Non, faut que je vous montre. Faut que je parle d'une application que j'ai découvert. Donc là, je vais lui dire qu'on est. Je savais jamais comment déterminer le premier joueur. On est 4 joueurs. Et, alors et donc, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ça. Ça. Et tu mets ton doigt? Vous allez tous mettre un doigt sur le. Ouais, coin. C'est stylé ça. Voilà. Et. On lâche ou... Non. Normalement, c'est censé être en sélectionner. Normalement, ouais, il y en a un qui apparaît. Là, comme il est gentil, tout le monde commence. Je sais pas pourquoi. Attends, lâche. Bon, non, mais. Vas-y, refais. On va le refaire. Heureusement que c'est pas une OP. Hein. C'est un échec. Heureusement que c'est pas une OP. Ouais, merci, bon avis. Je suis très déçu. Est-ce qu'il attend pas qu'il y ait un autre man qui arrive? Non, 4. Non, 4, c'est un bug. C'est un bug. Normalement, à la fin, une fois que ça a fini de charger, il y en a un qui se met en grand et qui te dit, bah, du coup, c'est lui qui a gagné. Je suis très déçu. Je pensais vous montrer un truc un peu plus cool qu'un simple jet de dé. Bah, finalement, tu peux. On va rester sur le dé. Hein. Un petit jet de dé, c'est pas mal. Voilà. C'est... Ça sera pas mal. Effet bon avis. T'étais en mode avion. Bah, mais quand même. T'as pas... Ah oui, je suis en mode avion. Mais t'as pas besoin d'internet. Pourquoi on a besoin d'internet pour faire ça? C'est quand même. Pour que le serveur dise, ah, j'en choisis. Hein. C'est quand même honteux. C'est quand même bizarre. Mais ok. Je sais pas. Bref. Alors, est-ce que ta main te convient? Absolument pas. Eh bien, tu vas remélanger pendant. Mulligan gratuit? Mulligan gratuit, vas-y, mélange bien. C'est gardé. Jérém garde, est-ce que. Je vais garder aussi. Ouais, moi je me tâte. J'ai une main très lente, mais qui est. Comme on est à plusieurs. C'est moins grave en fait dans ce format-là. Alors attention. Il y a quand même, on va quand même un peu faire de respect à ceux qui jouent. Au commandeur multi avec leur propre deck, il peut y avoir des dingueries, il peut y avoir vraiment insane. Là, on est sur des formats, donc sur des préconstruits. Si vous avez rien à faire avant le tour 4, c'est pas dramatique. Ok, voilà, très bien. D'ailleurs, petite question pour les as de l'EDH. Est-ce que lors de ma phase d'attaque, je peux cibler plusieurs Tout personnes différentes? Très bien. Ça s'appelle pas cibler précisément, mais oui, tu peux dire avec ça, j'attaque machin, avec ça, j'attaque bidule. Et du coup, évidemment, toi, ça t'aide bien, puisque plus tu as fait des dégâts à des gens différents. Plus je ça va mieux. Eh bien, tu vas pouvoir commencer, mon cher Max. Tout le monde a regardé les hostilités. Ouais. Allez, c'est bon. C'est tu dois mettre un F sur l'appli et pas 4 F. Ah oui, bah, un F, c'est un seul qui commence. Genre, c'était un gagnant. Elle a 4 gagnants, mais 4. Parce que là, ça se trouve, c'est le développeur qui est dans le chat. J'avoue. Ça se trouve, le gars qui a sub, il a développé l'app. En fait, là, juste il pour savoir que c'était bien ça. Oui, en fait, il faut sélectionner un doigt. En fait, peu importe le nombre de doigts que tu mets dessus. Ah, bon, c'est encore moins. Non, mais là, ok. Là, ça vraiment... Et là, ça marche. Merci. Hein. Il a truqué jusqu'au bout. Quoi. Genre, c'est impressionnant. Bon, quand même. Je dis que j'allais commencer. Ah, d'accord, c'est... je commence. Personne ne peut me contredire exactement. Alors, bougez pas. Je fais ma sauce. Tac, tac, tac. Jolie carte. Ok. Quel enfoiré. T'as aucune race, toi. Je joue comme ça. Moi, mais tourne la tête. Ça commence bien. C'est un joueur compétitif, il va prendre tous les... Il va regarder les attention lunettes, au reflet dans les lunettes. Ouais, dès qu'il y a le moindre... Attention au reflet. Attends, je vais mettre un terrain au-dessus. On en est là. C'est dead. Très bien. Bref, fin de tour. Montango. Du coup, je pioche pas. Du coup, tu aurais dû piocher. Et en fait... Ah bah. Ah bah. Voilà, ça commence. Le rollback commence. Vas-y, go. En vrai, oui, c'est un terrain.
Vas-y. Qui arrive en jeu engagé, genre Ouais, bah, si tu veux, mais du coup, ta montagne était aussi bien. Ça change pas grand-chose. Lui, c'est un terrain. Oui, ça va rien changer. Ah, pardon, excuse-moi. C'est un petit terrain qui est sorti à l'époque d'Odyssée, je crois bien. Et qui, en fait, ne peut pas produire mana seul. Si jamais tu engages n'importe quel autre, enfin, si tu as n'importe quel autre mana, tu vas pouvoir produire à la fois du rouge et du vert. Donc là, évidemment, ça ne change pas grand-chose. Ça ne va pas changer grand-chose. L'idée était de garder ta montagne pour feindre la foudre, tu vois. Mais... peu importe. Vas-y. Allons-y. Il go. Merci. On est sur un joueur. Je vais essayer de suivre. Je vais mettre un terrain qui arrive en jeu engagé. Oui, paysage myriadaire qui te permettra plus tard d'aller en chercher. On ne va pas non plus rentrer dans tous les détails. Eh bien, moi, mes petits amis, je vais mettre en jeu. C'est vrai que t'as des belles cartes aussi. Hein. J'aime bien le vert. Alors, et le bleu, c'est plutôt joli. Voilà, aussi. Vous n'avez pas de faire. Parce qu'en fait, normalement, quand on joue avec des gens comme ça, on est en croisée. Comme pour les besoins de l'éditeur. Putain, il faut qu'on soit comme ça, là, c'est ça Non, vraiment, je te taquine. Bon, je te taquine. Je vais mettre un. Tiens, viens ici. Je vais mettre un temple du mystère qui va arriver en jeu engagé et qui va me faire regard 1. C'est-à-dire que je vais regarder la carte de ma bibliothèque et la mettre soit au-dessus, soit en dessous. Ce sera bon pour moi, mon cher Max. Des cartes très engagées. Personne n'a joué là pour l'instant. Personne n'a joué, effectivement. Tranquille. Je vais donc piocher une carte. Je vais poser. Ah ! Surprise, une montagne. Mais pas la même que tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il joue le Maxildan à 2 ? Maxildan va passer la main à Jérémy. Oui, on est sur de la partie dynamique, explosive. Hein. C'est normal. Ça va partir vite. Mais là on charge le flingue et vous allez voir, ça va partir. Oh là. Non, mais on là, charge le tromblon, là. Là, déjà, quand ça parle comme ça, ça me stresse. Alors, on fait chauffer le diesel. Hop, Ponty Marais. Et du coup, je vais payer 2. De toute façon, on dit que le premier qui joue quelque chose, c'est focus. Alors, je paye 2 et je vais jouer un artefact qui permet de mettre un mana de la couleur de mon commandant. Donc, soit rouge, soit noir. Ouais, maintenant, il y en a un dans chaque. Enfin, je ne crois pas dire conneries en disant que. Ouais, pas loin. Un dans chaque deck préconstruit de DH, de commandeur, puisque ça permet. Enfin, c'est vraiment lié à ce format-là. Là, tu peux utiliser n'importe quel. Tu peux récupérer n'importe quel mana. Et donc, comme. C'est un artefact, pas une créature. Et qu'il arrive en jeu dégagé, si tu pouvais. Exactement. Eh bien, jouer un truc à 1. Mais la réponse est non. À ton tour, Rof. Très bien. Hop, ça reste engagé. Eh bien, de mon côté, je pense qu'on va mettre un petit Lanowar revenu à la vie, qui est un petit land, je vais vous l'expliquer rapidement. Il va avoir un petit marqueur dessus. Et quand je vais mettre une créature, je vais pouvoir décider, ou pas, de mettre ce marqueur sur ma créature qui arrive. Vas-y, Max. On enchaîne du coup avec une petite pioche et je vais jouer une forêt. Pour 3 mana. Lui, il joue vraiment. Parce que c'est vrai que toi, t'as un peu mis un truc. Ça sert à rien. Ça rampe, mais doucement. Un caillou, comme on l'appelle. Exactement. Pour 3 mana. Plutôt celle-là. mais ta race c'est horrible. J'aime beaucoup parce qu'il pose ses cartes, elles sont là, tu vois. C'est-à-dire que lui, tu peux pas les voir. Il prend que quand il joue, après il pose, tu vois. Nous, avec Max, on regarde le. Mais ouais, moi je regarde le truc. C'est déjà que je fais la réelle. Si en plus, faut que je m'occupe des tricheurs. Bon, alors après, c'est Jérémy qui nous a ramené les decks. Donc on peut malheureusement pas. Ah, on peut rien dire. Voilà. Non, on peut pas trop faire chez Max parce que c'est chez lui. On peut pas trop faire chez Jérémy parce que c'est ses decks. On peut pas trop faire chez moi parce que je suis le boss. Dit, tu vas donner. Ah, moi je dois passer sous la table pour le coup. Par élimination. D'ailleurs, quelqu'un qui demande si c'est les decks sans modification. Oui, ouais, ils sont c'est les decks sortis du carton. C'est vraiment ce que vous aurez si vous je vais donc jouer cette carte-là. Oui, bien sûr, c'est une bonne carte. Championne de Lambolt. 1-1 pour 3. Les créatures dont la force est inférieure à celle de la championne de Lambolt ne peuvent pas bloquer les créatures que vous contrôlez. Donc, même quand elle attaque pas. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur elle-même. Et donc, elle deviendra modifiée. Et toi-même, tu sais que tu vas pouvoir t'amuser. Ça passera donc des petites choses. En tout cas, pour le moment, elle est là. Elle m'a coûté 3. Oui. Grâce à ton petit. Oui, en fait, je dépense 1 pour en avoir 2. Plus 1 fait 3. Ah, bah si tu dépenses 1 avec c'est ça mal pour en avoir 2, tu ne peux pas la jouer. C'est le rouge que tu utilises pour faire un rouge et un vert. Pour pouvoir faire ça, il te reste rouge, rouge, vert. Ok, relou. Ok, connard. Ok, relou. Vas-y. Si tu pars. Attends, tu jouais comme ça en tournoi, t'étais en mode. Ah bah non. Alors non, en tournoi, ça aurait été arbitre. Non, il a utilisé je crois qu'il a fait. Il prenait une autre voie. Si, il a utilisé la verte. C'est mort. D'autant plus en commandeur.
il y a eu vraiment ce côté où c'était beaucoup moins shark, c'était beaucoup moins, il y a beaucoup moins de filou que dans les formats, on va dire, classiques, et c'est beaucoup plus permissif, même si bon, à haut niveau, tu fais quand même attention. Si je joue Jérém, hein, parce qu'il va jamais s'arrêter. Non, mais c'était bien de préciser qu'en effet, le commander, c'est un peu plus relax. C'est quand même plus relax. On peut autoriser les rollbacks, les ah pardon, je voulais pas faire ça. Ah, mais là, là, mes sorts d'artefacts vont maintenant coûter un de moins. Il aurait pu jouer son commandant, il a décidé de jouer à la place l'inspecteur de la fonderie qui dit que les sorts d'artefacts que vous lancez coûtent un de moins. Comme j'ai beaucoup d'artefacts dans le deck, ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal, effectivement, l'inspecteur de la fonderie qui est là chez Jérém et qui est une 3-2. On sent que les hostilités commencent à arriver. Hop, les je pioche, je vais poser une montagne. Et puis écoute, moi je vais y aller, hein. Je vais mettre mon commandeur en jeu en fait. Hein. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc tu cherches le focus. Bon, je me dis, il est là, voilà, il va prendre. Quelque part, j'ouvre la voie pour que vous soyez beaucoup plus tranquille. Ok, à toi, Rof. À moi. Eh bien, moi, je vais continuer à rien faire et mettre ce petit campus de Quandrix. Qui, pareil, il arrive engagé et il va me faire... Non, pardon, c'est pas celui-là. Il fait regard quand je paye. Il arrive juste pour l'instant en jeu engagé. C'est tout pour moi. Hop là. Tac, tac, tac. Du petit mana. Lui, il est toujours là. Oh ! Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là, c'est le moment max où tu peux jouer, si tu veux, ton commandant, qui, je le rappelle, est dans la zone de commandement, qui est... Comme si t'étais un peu dans ta main, si tu veux, et après... Sauf qu'en fait, pour... Bah non, parce qu'il me coûte 4. Ah oui, mais j'imaginais que dans la main, tu avais un... Oh non, on va revenir un petit peu sur cette carte. Oh, l'anneau solaire, putain. C'est vrai, il y a une carte qui était sortie en 1993, à l'époque où Richard Garfield faisait des cartes avec son cul. Ah non, mais il fumait du crack, mec. Et direct, donc, il s'est dit, tiens, c'est un artefact qui ajoute 2 mana... incolore, donc quand même c'est chiant parce que tu peux pas jouer n'importe quoi avec. C'est une carte qui évidemment est instantanément bannie en duel commander parce que c'est beaucoup beaucoup trop fort. C'est clair. Il se trouve qu'il y en a pareil un dans chaque deck de commander multi puisque c'est autorisé. Voilà, c'est cheaté puisqu'il arrive en plus dégagé et là il avait 3 mana, il joue son anneau solaire et là il va pouvoir engager pour avoir ses 4 mana comme il le faut. Et jouer son commandant, on l'a dit tout à l'heure, on va pas le redire. Attends juste, est-ce qu'il y a un intérêt du coup? Donc c'est quand une aura ou un enchantement, voilà. Et en fait, donc là, par contre, passe... à chaque fois qu'une autre créature, et c'est le cas, arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur la championne. Ça devient donc une 2-2, et toute créature qui a moins de 2 d'attaque... pas bloquée. Pas bloquée. Voilà. Et donc si tu arrives à la faire résister jusqu'à la fin de ton tour, eh bien tu pourras aussi appliquer cet effet-là. Jusqu'à la fin de mon tour? Ouais, parce que c'est ouais, au début de ton étape de fin. Ah, la question c'est est-ce que j'attaque? C'est la force, c'est ça? Sachant qu'il y en a un qui a pas de def ici, hein, donc si j'attaque Herophilos... Après, tu peux aussi décider de garder tes créatures pour défendre. Ouais, viens voir, viens voir. Attends. Mais jamais tu vas aller chercher. Lui, il me bloque et je meurs, mais lui aussi, c'est nul. Après, il y a pareil, aucun qui a envie de te bloquer. Mais viens, viens dans mon jardin. Il y en a aucun qui a envie de me bloquer? Non. Enfin. Ouais, ils perdent tous les deux leur créature. Alors à moins que Jérémy soit en full. Enfin, il y a plein de terres en main et encore, non, t'as pas envie de. Il dit rien, c'est-à-dire c'est poker face quoi. Moi je te le dis honnêtement. Non, mais il essaie de faire une exception pour Moi je te le dis, je défends pas lui, je pense que c'est. J'ai dit viens voir. En fait, je t'explique, je n'aime pas attaquer quelqu'un qui est sans défense. Ça ne m'intéresse pas. Ma défense est dans ma main. Mais on a Magic. Mais... Il va trouver ta créature et tout, t'inquiète. Écoute, je le regretterai peut-être, mais en vrai, je vais plutôt aller attaquer Adi. Eh ben, je laisse passer. Ok, je me doutais que tu laisserais passer. Ah bah, tout le monde laisse... Il a raison en disant que tout le monde laisse passer. Je me suis dit, il va pas sacrifier son lui, putain de. Peut-être que Jérém aurait pu dire ce truc là est un peu moins bien que ça. Je vais être honnête, j'aurais bloqué. Parce que ça peut être très relou très vite. Ouais. Moi, voilà. Si j'avais un conseil pour vous, ce serait de tuer cette créature. Vous faites ce que vous voulez. Bien sûr. C'est la fin du coup de mon tour. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature modifiée que vous contrôlez. Donc, ça tourne. D'ailleurs, on a expliqué que quand le commandeur décédait, il retournait dans sa zone, mais il coûtait 2 de plus. Enfin, oui, je crois qu'on l'a rapidement dit au départ, mais on va le redire quand ça arrivera. Ça marche. Jérém, c'est à toi. N'hésitez pas à me dire dans le chat, j'essaie de vous regarder régulièrement. Si à un moment, un truc n'est pas clair, que vous n'avez pas compris, que vous ne savez pas à combien de points de vie on est, etc., nanana, vous me dites, je vous montre, là par exemple, voilà où on en est sur les points de vie. Allons-y, Jérém. C'est la fin de mon tour. Ah non, je vais quand même mettre 3 dans la gueule de Rof. Ah bah lui, il a lui, beaucoup il moins pas, de...
aucune beaucoup moins de race. Et donc, Jérémy, tu ne fais rien à ton tour alors que tu as une créature potentiellement commandant que tu pourrais manquer. Faites gaffe à votre cul, les gars. Je... Adi. Petit terrain. Et je vais payer 2 noirs. Check. Via l'artefact, via un marais de base. Pour jouer le condamné. Et du coup, c'est une 2-2. Bon, je vais la mettre là. Vas-y, on va la montrer. C'est une 2-2. Si je me défausse d'une carte, les vampires que je contrôle gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour, mais je ne peux jouer cette capacité qu'une seule fois par tour. Voilà. C'est pas mal. Voilà, c'est pépère, c'est tranquille. Et puis, je vais attaquer Olivier Rofellos avec une 3-2. Attends, tu voles, gros, attaque max. Non, mais il a pas fait exprès, il savait pas. Je laisse le bénéfice du doute sur mon attaque. Surtout, j'ai attaqué le seul dont j'étais sûr qu'il allait pas. Mais non, mais c'est ça tourne. C'est toi, après ça sera lui, après ça sera lui. Ça tourne. Ça tourne pour tout le monde. C'est toi parce que c'est le. Au moins, je suis sûr de t'infliger. Mais après, lui aussi, il est full tap, il a pas de vol. T'as vraiment aucune créature. Donc, juste 3 pépouses. Mais voilà. Je prends 3. Je suis à 34. Oui, c'est et le prochain tour, c'est pas et toi. Et je prends donc, du coup, alors je vais le noter, puisque c'est la première fois que ça arrive. Et je vais prendre 3, 2, comment il s'appelle? Il s'appelle Stéphane. Tu appelles le Stéphane. C'est Stréphan, mais son vrai nom, c'est Stéphane. Stréphan m'a mis 3. Non, mais alors je le note parce que c'est des dégâts de commandant. Donc, du coup, c'est si vrai tu arrives à mettre 21. 21 avec ça, tu c'est vrai. Du coup, c'est la fin de. Au début de notre étape de fin, je mets un marqueur jeton. Enfin, je crée du un, sang, quoi. Un jeton sang pour chaque joueur qui a perdu des points de vie ce tour-ci. Donc, il n'y a qu'Olivier Rofellos qui a perdu des points de vie. Donc, je mets un seul jeton sang. Puis voilà, c'est ton tour. Enfin. Et j'ai 2 manas rouges de détape. 2 manas rouges et un incolore de détape au passage. C'est-à-dire que je peux peut-être jouer des trucs aussi. À la bonne heure. Je pioche. Je vais jouer une petite île. Et je vais tenter d'invoquer. Pour ton premier sort de la partie. Pour mon premier sort de la partie. Adrix et Nel. 2 contre sort. Est-ce que ils sont là? Attends. Jérémy. C'est arrivé. Voilà. ça se joue là, match. Parce que là, t'étais en mode je vais dépenser 4 mana pour tuer ta créature. Au revoir. Et du coup, comme ils sont arrivés, eh bien, je vais pouvoir mettre ce petit marqueur là sur eux de façon à ce qu'ils soient un peu plus costauds. Ils sont 3-3. Ta capacité va sur la pile? Non. C'est bon. C'est la partie. Là, je fais un enfer. Ne soyez pas cette personne là. Ne faites pas ça. Quel enfer, envie de canner quoi! À chaque carte que le mec joue, il y a des mecs qui là. Sont là. En blanc. Alors, ta capacité va sur la pile. Alors, il a un jeu. Et elle ça s'applique. C'est bon. À mon avis, vu son jeu, enfin, vu le mien, ouais. Nous on joue tous les deux bleus avec Jérém. Mais lui, il est plutôt basé artefact créature et moi plutôt copie. Donc, je pense qu'on va peut-être avoir quelques contres dans notre jeu, mais pas non plus. On n'a pas un ça jeu pas qui être est spécialisé comme ça. À mon vas-y, tour. Max Hildan. Je veux pas de dégager avant de piocher, même si ce n'est pas très grave. Ouais, qu'on s'en fout. Hop. Je regardais le chat. T'inquiète pas, tes cartes sont enculées. Alors, papa la papa. Donc là, on a pas mal de mana quand même, parce qu'on a 5. On peut commencer à réguler. J'aime pas celle-là, c'est chiant. Tu vas dépenser 1 pour avoir 2, c'est naze. Sauf que. En fait, si ça transforme un mana en. Si tu l'avais pas eu, t'aurais pas pu jouer elle. Donc respecte-la. Ouais, mais surtout qu'en gros avec ça t'es yambe. D'ailleurs je viens d'y penser mais cette vallée exceptionnellement il y a une erreur dans le produit, t'en as 2 dans le deck. Ah oui, voilà, ils ont pas fait exprès. Ah merde. Alors, même en anglais, enfin toutes les ouais. Toutes les ils sont plantés. Bah, GG parce que c'est pas le meilleur des bilans mais ouais, c'est sympa en vrai. C'est gravissime. Ah, le fait de pas pouvoir ajouter du mana dès le départ, c'est un peu chiant. Enfin, quand tu joues en complètement. C'est vrai. Alors, du coup, je peux mettre un truc à 5. Il y a un monde où je vous en mets plein la gueule quand même. T'aurais dû attendre qu'il joue le deuxième. Et là, on aurait hurlé à la triche. Quoi? Mais Max. Ok. J'ai réfléchi à un truc. Franchement, ça fait plaisir de voir un setup aussi quali sur du Magic. Eh bien, merci à toi. Et de ouf. Hein. Elfondor, effectivement. On remercie Max et on remercie quand même Yellow, qui est un éditeur de société qui a fourni un petit peu de thunes pour que ce setup soit faisable. Ce qu'on disait avant le live, c'est aussi bien, voire peut-être plus sympa qu'en plateau. Quoi. Donc, c'est quand même un sacré délire. En plateau, donc, l'émission, le stream est sympa parce qu'on n'a pas à gérer justement la réal et le son. Mais il y a moins de cam. Enfin, comme ce plateau n'est pas utilisé que pour un plateau,
Et bien du coup, c'est un peu plus. Voilà, quand on est deux, parfait, quand on est quatre, on doit être. Oh, j'ai comme des ça, cartes. Quand, enfin, bref, c'est pas forcément. Va falloir que je les lise, quoi. Je sais pas si tu te rends compte. Et bien, n'hésite pas à faire ça pendant le tour de tes adversaires. Ouais, je suis un... Sauf que pendant le tour des adversaires, je fais la réal. Il a okay. un argument. Et ouais. De toute façon, ça va être deux contre sort. Mais est-ce qu'on peut pas prendre la tête, hein. Est-ce qu'on peut pas faire je vais, la réal Je vais essayer deux. De jouer un peu vite. Bah. Si je fais ça. Tu peux. Vas-y, essaye. Essaye. Je fais pas de conneries. J'ai une certaine pression là. J'ai une certaine pression. C'est marrant ça. Alors, donc la même personne nous dit « Eh oui, en effet, le land est x2, mais c'est parce qu'au dernier moment, ils ont retiré un Planeswalker jugé trop fort pour le deck et ils ont oublié qu'ils avaient mis un terrain en double. » Oh, il a la même explication, c'est magnifique. Et Ludum qui dit « Ça me donne tellement envie de rejouer à Magic. » Évidemment, je suis désolé, j'ai besoin d'une info, parce là. Que je ne sais vas-y, pas vas-y. Comment ouais, ça se joue. Donne-la moi et je vais... Est-ce que tu vas comprendre ce qui me pose souci? Ce qui te pose souci. Il est là haute voix au pire. C'est qu'elle est, elle est oui, double. C'est ça. C'est fait partie comment du, je la joue? Ça fait partie donc du nouveau set d'avoir ça. Tu la joues normalement ouais. et t'auras ça. Et ensuite, si jamais tu payes ça, alors tu vas pouvoir faire ça. C'est le fameux reconfiguration. Ah, la reconfiguration. Ah. Okay. Et de base, c'est une créature. Ok, et si je l'attache, du coup, ça fait quoi? Souvent, ça c'est plus une créature. Les trucs qu'il a. À la créature. Exactement. Souvent, c'est ça. À la créature équipée, oui, d'accord. C'est, donc c'est normal clair. Que ce soit un peu déroutant au départ, mais en vrai, c'est pas très compliqué. C'est ouf, ouais. Ils ont mais du coup, si je la booste, oui. est-ce qu'après, c'est boost aussi si, je la, si elle devient, si alors, elle est boostée puis qu'elle devient un équipement, elle perd ses boosts. Non. Si, donc, mais donc, tu la joues, qu'elle a marqueur +1/+1 pour X raison. Tu vas pouvoir l'équiper sous une créature, elle va garder ce marqueur +1/+1. Mais il va pas ça ne servira pas à la créature qui est en dessous. C'est juste si un joueur elle est déséquipée, elle l'aura toujours. Ok, je vais c'est... jouer lui. Du coup, non. Du coup, ouais. ça va être décevant, je vous préviens. C'est pas l'extension avec le plus de texte qu'Amigawa, de ce ouais. que je peux comprendre. Elles sont costauds, les cartes. Ouais. Elles ont beaucoup de texte. Je vais faire ça maintenant. Let's go, Max. Qu'est-ce que tu fais de beau? Oh, bah évidemment. Oh, je joue à l'époque. Un vieux copain, ça. Sorti en fléau. C'était une carte qui était créée par des voilà. joueurs. Et là Ancien immémoré, oui. Ouais. Ah pardon. Ouais. Tu peux être un peu sur le coup. C'est juste pour te montrer que ça c'est pas tout ça. Je suis bien le premier à te. Et bien vu pas mal du c'est tout. C'est une carte que tu veux jouer très vite. Pourquoi? Parce que c'est 0-3 pour 4. À chaque fois qu'un joueur, n'importe qui, que ce soit Max ou n'importe quelqu'un entre nous, lancera un sort, on va mettre un petit marqueur +1/+1 dessus. Et au début de ton entretien, vous pouvez déplacer n'importe quel nombre de marqueurs +1/+1 de l'ancien immémoré sur d'autres créatures. Ça. Du coup, deux contre sort parce que là, sachant qu'au moment où il arrive, il prend un +1 parce que. Au moment où il arrive, il prend non. C'est pas un aura, c'est pas un équipement. Non, elle, pardon. Mais elle, elle va prendre son marqueur. Elle est top. Voilà. Donc tu l'as mis, tu l'as boosté elle. Tu as maintenant 2-4-4. Est-ce que tu veux venir visiter tes adversaires? Bien sûr. Je vais venir. Attends, lui, il a beaucoup de mana. Lui, il a beaucoup de mana. J'ai beaucoup de talent. Mais peu de mana, il y a pas. Et toutes tes créatures ne peuvent pas être bloquées par les créatures qui ont 4 ou qui ont 3 ou moins de force. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc, oui, oui, mais bah, tu passes, porte ouverte. Tu l'entends? Genre, viens m'attaquer pour que j'aille te jouer un si truc. Si d'aventure tu venais t'empaler en attaquant quelqu'un à cette table, il se trouve que j'ai 4 mana, ça serait moi. Voilà. Voilà. Ou alors il a 4 mana parce qu'il a rien du tout. Je pense qu'il a, il a forcément un effet parce que s'il aurait joué son et pourquoi il le joue pas par tout à l'heure? Ça peut être juste une bête en flash tout simplement. Il dit j'ai une 3-3 vol flash, bon, autant attendre de la jouer. Ça peut être. Attends, que la chaîne, enfin la scène c'est une 4-4 en ça fait. Ça peut être une carte de pioche, ça peut être pour 4 mana, fait aux fictions. Je comprends. Moi je n'aurais pas peur de Jérémy à ta place. Je comprends. J'ai peur de Jérémy, c'est un truc de ouf. Je t'assure. Tout va bien. Il a l'air comme ça, un petit peu fourbe, parce qu'il a deux manas bleues dégagées. Mais maintenant que t'as joué ton ancien, tu risques pas. Bon, allez, vas-y. J'attaque Jérémy. Parce qu'il a trop de points de vie en fait. C'est pas contre toi, mais j'attaque avec elle. Okay. Et c'est une 4-4. Donc tu peux pas défendre si ta créature a pas 4 elle en force. Elle reste en défense. Ah, j'ai pas envie de la reposer 15 fois. Pourquoi la reposer? Parce que j'ai peur qu'il me la tue en fait. Arrête! Putain, vas-y. Oh là 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 là. Je fais quoi maintenant? On peut passer à... On joue en 2-2. Tu fais quoi contre mon armée? T'es comme ça. T'avais trop de points de vie. Eh bien, avant les bloqueurs, je vais rien faire. Voilà. On va passer à l'étape de déclaration des bloqueurs. Ouais. Je vais rien faire. J'ai pas de bloqueur. On va passer à l'étape des blessures et tu vas prendre 8. J'ai pris 8. Mais c'est indécent. Putain, il est bon, le bâtard. Moi, j'étais en train putain, de trembler là. Je croyais que t'avais un contre-sort, un truc comme ça. Oh bordel. J'étais persuadé. Attends, il a 4 mana. Mais bien sûr. Je l'attaque. Mais n'importe quoi. Jérémy, comment s'appelle ton petit Chichiro? J'ai pris 4 Chichiro.
Shiro, t'as mis 4. Chichi, Shuro. Alors là, il va se passer des trucs, par contre. Je t'attaquerai pas, Jérém. Merci. C'est là, c'est pas bon. C'est parce que... La pitié est aussi un mécanisme important. Hein, comment là. Il va se passer que fin de tour, du coup, elle remonte. Oh là là, c'est oui. Attends, on est au début de ton étape de fin, là. Non, c'est à lui, ouais. D'accord. Je vais payer. Ah, il fait un truc quand même. Flash. Et ben vol, voilà. Une 3-3 vol avec le flash. Oh. Exactement. On les connaît, les gens de Magic. Quel enfoiré. C'est trop fort, celui-ci. Ok, donc ça c'est quand une créature a eu son champ de bataille, je l'ai déjà fait, et ça c'est à la fin +1/+1, c'est bon. Donc en gros, actuellement c'est une 5-5, tout ce qui a moins de 5 d'attaque ne peut pas bloquer. Tout à fait. Mes attaques. Oui. Tes créatures, oui. Tout est gratuit. Donc c'est tout, et elle a rien de spécial. En fait, elle. À chaque fois qu'une aura ou un équipement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, ah c'est pour ça quand je mets des créatures équipements, elles ont ce bonus, ça crée des jetons en fait. Ok, au début de votre étape de fin, nanana. Ok, c'est bon. Vas-y. J'ai joué un sort, ça fait que tu peux mettre un marqueur sur ton ancien. Exactement, on va te le rappeler. T'es pas obligé parce que... Ouais, il est pas obligé, mais on va lui rappeler. Des frères. Ou alors on lui rappelle que pour. C'est mété ou c'est vous pouvez ? C'est vous pouvez. Vous pouvez, très bien. Ouais, c'est bien. Ça devrait être obligé de rappeler. Ça va, c'est trop mignon. En fait, ça devrait être comme obligé. C'est dit. Si ça avait été mété à marqueur, on était obligé de te rappeler. Ouais, mais là c'est vous pouvez. Vraiment, faut qu'il pense. Si tu le dis pas, ça veut dire que t'as choisi de pas le faire. Comme tu fais à la réal et que tu es. Que tu es sous mon commandement, je te le rappellerai. Comme tu es mon ami, que je n'attaquerai jamais. Voilà, la carte de Jérém était effectivement une 3-3 balle flash vol, je la connaissais pas, mais ça ressemblait à ça. À chaque fois qu'une créature artefact que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte ou le petit saligo. C'est très propre, elle est elle-même créature artefact. C'est très sympathique. On va peut-être retirer ça, et du coup, il va pouvoir s'égaler. Donc c'était. J'ai pioché. Alors attends, parce... Ouais, on sait elle flodeur, mais on s'est dit que ça allait être chiant à gérer de changer les points de vie et tout, donc. Oui non t'inquiète, je prends le compte et puis je viendrai si jamais c'est important. Ah au fait il te reste Il y a des grandes chances que ça serve pas quoi. Normalement ça servira pas. Jérém. Ouais. Ces points de commandant sont faits en multijoueur pour pouvoir éviter les mecs qui seraient en points de vie infinis, des combos qui donnent des fois des points de vie infinis. Ou que les parties durent parfois trop longtemps. Ça va être plus longtemps. La 3-2 sur Ruff et la 3-3 sur Max, elle a le vol. Qu'elle passe au-dessus de ton ancien. Donc, Max, il te reste un mana vert. Est-ce que pour un mana vert, tu as un truc qui met par exemple +1/+1 et la portée, ce serait tellement fort ? Non. donc, tu vas prendre ça dans ton fort, droit. +1/+1 portée. Et moi, j'ai le choix entre bloquer pour éviter qu'il pioche, mais j'aime quand même, comme j'ai vraiment rien foutu de la game, garder ça. Est-ce qu'on accepte qu'il pioche deux ? Ça fait vraiment chier, mais. Eh ben, vous perdez tous les deux 3 points de vie. J'ai 2 créatures artefacts qui ont tapé. Je pioche 2 cartes. Et je peux vous dire, c'est pas de la crappe. Et tu joues toujours rien. C'est vrai qu'il n'y avait pas mal cette carte. Du coup, j'aime beaucoup le hit. Ça, c'est nul. Ok, cool. Je lise mes cartes. Je vais jouer un Tortank. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette horreur. Il a toujours pas joué son commandant. Canonnier Kappa. C'est marrant ça, trop mignon sur Twitch. 4-4 improvisation. Vos artefacts peuvent aider à lancer ce sort, c'est pas ce qu'il a fait, mais il aurait pu le faire coûter un peu moins cher. C'est l'évoque. C'est pas ça. Attends, dans quel monde t'as 6 mana? Dans le monde où mes sorts d'artefacts coûtent 1 moins joué. C'est bon. Parade 4, donc c'est comme moi, c'est-à-dire qu'il peut pas, si on veut le cibler, c'est chiant. Et à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, okay, mettez un marqueur +1/+1 sur le canonnier Kappa et il ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Voilà. Ça marche avec lui, non? Pardon? Ouais, il se compte, ouais. Bah écoute, toi plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Allez. Donc direct une 5-5, ouais, pour une 5-5 ouais, finalement. Direct. Bah vas-y, ça regarde. Ça fonctionne avec lui puisqu'il n'y a pas marqué autre. C'est bizarre d'ailleurs. C'est la fin de mon tour. C'est bizarre. Mais allez, let's go. Ils sont sympas à voter. Ok. Hop les, ça va piocher un petit terrain. Hop les. Et mon cher Maxillan, comme il a joué un sort, eh bien du coup tu as. Là ça va vite partir en cacahuète. Ah oui, vite. Mais tout va vite partir en cacahuète, j'ai l'impression. Attends, je vais payer 5. Tac tac. Et je vais jouer. Anobon le sage. Il est rigolo lui. Ah. Lui il est rigolo. Alors parce déjà, que il est rigolo mais sauf pour nous. Et ça c'est juste ça s'appelle déterrer l'âge de guerre. Au début quoi de l'entretien, chaque joueur sacrifie une créature non vampire. Attends mais quel âge de guerre? T'as vu les tons qu'ils ont? Là il a rejoué une carte, hein, d'accord. Ouais. Oui, bien Max. Bien. Donc si jamais parfait.
En fait, je sais pas forcément contre toi, mais contre cette bête. Si jamais en fait il arrive à la garder jusqu'au début de son entretien, on va devoir sacrifier chacun une créature. Voilà. Et ça, tout ce qui est parade, etc. Ça veut pas dire qu'on va te tuer, ça veut dire mais qu'on va la tuer. Voilà. Mais non, mais faut laisser ça, les gars. Non, il est gentil. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque. Enfin, voilà. Toi, ça va peut-être faire. Tu vas dégager une merde que tu vas jouer, tu vas payer un, tu vas mettre une connerie. Par contre, lui, ça sera compliqué. Tu vois, c'est pour le bien de tous, cette ça carte. Ça ne sert à rien de bonimenter, tu vas attaquer qui ? J'ai envie de te réattaquer la gueule, du coup. Non, mais je t'ai dit attaquer, je t'ai dit non. Bah écoute, dans l'ordre, je vais attaquer juste Max Hildan avec une. Qu'est-ce que tu me mets ? Une 3-2 vol, voilà, avec mon commandant. 3-2 vol. Max vole toujours pas, a priori. Je vole toujours pas, donc je la prends. Hein. Max prend 3. 1, 2, 3. Tu vas pouvoir créer ton petit jeton sang, oui, mon cher Adi. Et je note que le père Max s'est pris encore du stréphan dans la gueule. Pardon, c'est la première fois. Du coup, ce qui se passe, c'est que la prochaine fois, si j'attaque avec elle, je pourrais les défausser les deux, tu vois, les sacrifier, entre guillemets. Et puis, si j'ai un vampire dans ma main, et là, je pourrais le jouer attaquant et indestructible. Voilà, c'est fort. Pour 200, hein, c'est tout. Et tu pourras le jouer, peu importe, même fauter le mana. Le coup de mana. Non, c'est, il même arrive, un vampire à 12. Ouais. Un vampire, ça joue. Ouais. C'est fort. Est-ce que c'est à moi de jouer, c'est effectivement à toi de jouer. Parfait. D'accord, c'est très fort. Ça me semble même. Shitax. Et c'est pour ça, tu vois, quand je disais les decks commandeurs sont souvent bâtis autour de la capacité. Bah ouais, t'as forcément eu des vampires qui coûtent blindax pour pouvoir les tricher en jeu comme ça. Jouer à un pont de Fangemousse. C'est un petit terrain qui arrive engagé. T'as une tête à jouer à un pont de Fangemousse. Et en fait, vous pouvez jouer. En fait, donc, alors, la capacité qui achète, c'est je prends 1, 2, 3, merci, 4 cartes dessus ma bibliothèque. Je vais en mettre une en dessous. Ça va être celle-ci. Hop là. Ça va en dessous, j'imagine. Peu importe. Tac. Et si jamais j'arrive un jour à avoir une force totale de mes créatures qui est supérieure à égale à 10, je pourrais payer un verre et l'engager le pont de Fangemousse pour pouvoir jouer le truc en dessous. Pour le moment, ça ne sert à rien. Et c'est la fin de mon tour. Bon, moi aussi, je peux faire des cartes en... Tintintin. Ces joueurs de bleu, sans déconner. Hein. Ça va, vraiment. Attends, on se fait rouler. Enfin, moi, tiens. Ça, on est tous au-dessus de 30. Moi, je sais que je vais manger chaud après. Ah, là, ça va aller, les gars. Max, il est bien remonté. Papa, la papa. Si vous savez ce qu'il en a. Quel enfoiré. Bonjour. Dites, j'en profite qu'il y a Magic ici. Est-ce qu'il y aura un expert de MTG Arena dans le chat ? C'est quoi ta question ? Peut-être pose directement la question, on verra bien. Donc on pourra la relayer à l'oral aussi. J'aime pas les gens, je crois que Max est encore pire que moi à ce niveau-là, qui disent est-ce que je peux te poser une question ? Parce que tu as déjà posé une question en fait en faisant ça. Oh non, mais arrête, Si. Quand tu as envie de poser une question, tu poses une question. Sois pas comme ça, Olivier. Tu dis sois pas comme ça. Est-ce que je peux emprunter ta femme ? Tu n'as joué aucun sort. J'ai pas joué de sort. Tu n'as joué aucun sort et je... Si je fais ça... Ouais. Est-ce que je peux poser une question après ma question ? Bien joué. Ça peut être fort de fou, quoi. Je peux faire ça. Alors que Max. Attends, excuse-moi. Full réflexe sur les trucs. Insane. Ça va partir. Ma combo est prête. Dommage que Rof ait le contre-sort. Je peux faire ça. Mais tu m'as fait un bel œil du Millennium quand même tout à l'heure. C'est quoi ? La 3-3 vol là. Ah oui, oui. Mais il voit mes cartes. Si je la connaissais pas. Il voit mes cartes. Aussi. Ok. Dis-nous tout, Max. Je tente un truc. Alors. Je vais mettre sur. J'aime pas mettre tous mes œufs en même panier comme ça. La championne. Ok, qui est déjà une belle 5-5. Je déjà ici, d'accord. On va l'afficher. Ok. Sur cette championne, je vais jouer. Je les fasse dans le bon ordre. Pour 4. Est-ce que je peux faire ça ? T'as 5. Oui, dans 2 verts, c'est bon. Ombre voilà. Oh, qu'on apprécie cette carte. Créature enchantée gagne.
+2/+2. Ah. Et à chaque fois que cette créature attaque, dégagez tous les terrains que vous contrôlez. Et en plus, ça a l'air totémique. On va se faire bolos. Ça fait que si jamais cette bête devait mourir, à la place, en vrai, tu butes l'ombre d'ours. Donc, clac, je la joue. C'est dessus, ça trigger du ton coup, truc. Attends, on va... 4. Mmh. Et du coup... Non, c'est quand tu vas attaquer. Quand tu vas attaquer. Oh, ouais. Est-ce que, Maxiden, on considère que on est plutôt amis ou pas? Non, contre. Parce qu'en fait, cette carte-là n'est toujours pas arrivée en jeu. C'est vrai. Mec, je considère que je suis plutôt allié avec ceux qui ont le plus faible compte de vie. C'est une bonne réponse. Ça veut dire que ça va évoluer au cours de la partie. Mais non, mais mec, t'as vu le... Ah, mais rien que le fait qu'elle soit indestructible... Là, actuellement, survie, mon ennemi, mec, c'est plutôt Adi. Je n'ai rien à jouer. Oh là là. J'ai peut-être rien à jouer. Tu laisses passer. La fatigue, la fatigue. Vous avez du bleu, vous contrôlez rien, les gars. Mais on n'a pas forcément de contre. Ok. Ça arrive, ça fait ton truc. Donc du coup, elle a 6. Non. Alors non, elle a 4. Les marqueurs sont là et elle a son petit plus. Et ça fait l'effet de Shishiro. Parce que c'est un aura. Il y a un aura qui vient d'arriver. Aura, nanana. Ok, j'ai du coup un truc qui va venir en plus. Excusez-moi, les gens ne voient rien. C'est ça. Voilà. Et ça fait une autre créature qui arrive sur le champ de bataille. Donc là, tu peux mettre un marqueur. Synergie, quand tu nous tiens. Donc là... C'est une 8-8. C'est une 8-8. C'est une 8-8, pas mal. Elle, c'est une 2-2 pour le moment, c'est tout. Sur chaque créature modifiée, elle n'est pas modifiée pour le moment, donc 0. T'as une 4-7 là-bas. Elle est modifiée, effectivement, donc elle va... D'ailleurs, à la fin de mon tour, elle aurait dû monter, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Non, parce qu'elle n'avait pas de... Non, elle n'a pas de... Genre, elle a pris ça en un tour, là. Ouais. Ah bah oui, on est ouais. 4 à jouer, là. Ok. Par contre, ce que tu aurais pu faire. J'ai lancé un sort. Mais que tu n'as pas fait. Mais je l'ai déjà monté. Ouais, c'est bon. Ouais. Et ce que j'aurais pu faire, mais je ne l'ai pas fait. C'est le fait de pouvoir répartir ses marqueurs au début du tour. Au début du tour, vous pouvez déplacer n'importe quel nombre de marqueurs +1/+1. Ok, bah après, c'est au début. Donc là, j'ai envie d'en mettre là-dessus, mais. Tout à l'heure. Non, tu aurais pu peut-être en mettre une. Par exemple, un petit +1/+1 dessus. C'est vrai. Je sais pas si ça marche sur les autres. J'avoue que je ne savais pas. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature modifiée que vous contrôlez. Oui, ça, ça marche sur lui-même. Bonne idée de le faire. Écoute, je ne le savais pas. J'avais qu'à le savoir. Du coup, je vais attaquer. Je vais attaquer avec cette carte. Alors, qu'est-ce que vous avez? Toi, t'as. Pour faire simple, on peut pas te bloquer. Défendre. Personne ne peut bloquer. Tout passe. Tranquille. Ah oui, toi t'as aucun bloqué. Mais non, mais ça, même ça, ton truc là. Ah, aucune c'est, des c'est une 20 000. Elle est 8-8, c'est ça? Elle est 8-8. Il faut quand avoir on a pas 8 de force. Suite, on peut bloquer aucune de tes. Je peux répartir mes attaques. Oui, comme tu bien veux. Sûr. Donc là, je peux en mettre un peu à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde peut manger chaud. Ça vient d'arriver, mais effectivement, tu peux. Et ben, je vais mettre le plus gros à Adi. Merci. Du coup, je redresse mon mana. Ok, mettons, finis tes attaques, mais oui. Ok. Je vais mettre le 4 et 4. Bah, chacun vous prenez 4. Allez. Voilà. Bah, c'était sympa. Voilà, hein. J'ai attaqué un petit peu tout le monde, c'est bien. maintenant que tout le monde est bien épuisé. Par contre, ton anneau solaire n'est pas un terrain. Oh, bien joué. Si tu pouvais t'es triché, ça m'arrangerait beaucoup. C'est moins bien du coup, parce que du coup, j'ai plus que 3. Et du coup, c'est rien. Et quoi. Du coup, il me fallait 4. Mmh. C'est un peu relou. J'avais un petit truc à mettre. Ok, vous voulez faire ça, on va faire ça. Je vais donc jouer quand même. Pourquoi ceci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Armure de soie. Pardon. X. C'est bien jusqu'à X créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Les auras, les équipements, les créatures que vous modifiez, que vous contrôlez, qui a la défense et l'hispanique. Ok. C'est vrai qu'on était... Bah alors, tu peux le faire maintenant. C'est, je pense, le pire moment. Ouais, du là, je pense qu'il te juge très fort. Très, très mais c'est pas pourquoi parce que t'as l'éphémère. Ouais. Bon, tu peux le faire à tout moment. Oui. Tu as fini d'attaquer la défense et en fait, il y a marqué les auras, les équipements, les créatures modifiées que vous contrôlez, acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est un truc à jouer en réponse. Quand un mec essaye de le tuer. Ok. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est déjà que je me suis curvé au maximum et surtout que là, ça, ils vont tous grossir. Okay. Non, mais ok. Bah, j'entends ton argument et c'est probablement le bon. Mais ce que je voulais dire, c'était que mon play avait un sens. Je veux faire mon mais truc. Vraiment, je m'en bats les pieds. Je l'ai pas fait au pif. Tu l'as pas fait au pif. Tu vas engager ton mana et tu vas effectivement pouvoir, à la fin du tour, avoir des marqueurs un peu partout. Exactement. Et donc, c'est la fin de mon tour.
Fête et tu as joué un spell d'ailleurs, donc tu as un marqueur en plus sur ton tour. 5. Et là maintenant ils prennent tous plus 1, c'est ça ? Oui. Donc lui il passe à 6, lui il passe à 2, lui il passe à 2 et lui il passe à 6. Voilà. On commence à être pas mal. Enlever lui son... vraiment pas mal. Mais attends, j'attends le mec qui va sortir un jeu des toits toute la. En fait, ce qui est bien, c'est que tu es pas mal et full tap. Oui, donc là vous pouvez me casser. On va te turbo focus. C'est ça qui va se passer. Bah, mettez-moi 34 dans la gueule. 34, c'est compliqué. Par pitié, on va au moins essayer de équipement de t'empêcher de nuire. Qui l'empêche de mourir. Virer le truc. Alors, ça là, l'armure totémique, ça ah, faut le virer ça. Ça faut vraiment le virer. Pourquoi ça m'empêche de mourir? Parce qu'en fait, si on tue ta créature, c'est ça qu'on sacrifie. Devait être détruite à la place, retirez lui toutes les. Et en plus, ça garde ses marqueurs et tout de mémoire. Donc ça, faut le virer ça. Ah ouais. Sinon, c'est la merde. Si tu détruis toutes les créatures, et ben il va rester quand même ça. Fort. Pour 3 mana, j'invoque mon commandant qui était dans sa zone de commandement. Oui, le commandant est là. Le commandant est là. Au début du combat pendant mon tour, une créature artefact ciblée que je contrôle acquiert le lien de vie et la vigilance. Je vais attaquer Maxildan avec ma volante et mon canonnier qui a maintenant le lien de vie et la vigilance. Ok, c'est quand tu joues un Arthos, c'est ça qu'il est boosté. Ouais. Ouais. Max, est-ce que tu prends sans broncher 8 points de dégâts? Je prends. Sachant que t'as quand même une 4-4. Ta 4-4 peut bloquer ma 5-5, ouais, ça va mal se passer pour elle, et elle, elle vole. Et elle, elle vole, donc ça va mal se passer, je vais prendre dans ma gueule. Je prends dans la bouche 8. Et moi je gagne 5 parce que mon Tortank il a le lien de vie. Okay. À chaque fois qu'il inflige des dégâts, je gagne autant. Ça va vite là, hein. Ça commence à tomber fort. Et je suis du coup celui qui a le moins de PV actuellement. Deux cartes, j'ai pioché 2 cartes. Ça risque de continuer en plus. Ça a été fait. Attends. Je monte les PV. Attends, il peut lander. C'est vrai qu'il a pioché comme un goré. 5, 1, 2, 3. Ah non, il a déjà landé, pardon. C'est sympa ça. C'est sympa, mais c'est pas pour tout de suite. Question, est-ce qu'il y a le replay sur YouTube? Oui, mercredi à 16h. Yare, salut. Oui, effectivement, j'aurais pu le faire. En plein, de toute façon, c'est avec qui a écrit éphémère, tu penses dernier moment. Flash, machin. 3 mana, un véhicule. Mais je suis content. Un véhicule 8-8. Ah trucs. Tiens. Pour, qui coûte 2 à piloter. Attends, en plus. Il est gris et tout. Oui. Vas-y, Max, viens sur moi. Il s'appelle Shurikai. Voilà, c'est une 8-8 qui coûte d'habitude 8 à piloter. Et là, mais là, que 2. Donc, ouais, c'est une 8-8. Okay. Pour 1, piochez 2 cartes. Puis défaussez-vous d'une carte, créez un jeton de créature. 1-1, color pilote avec cette créature. Peut piloter. Il crée son propre pilote, il est sympa. Pilotage 8, ça peut être pénible. Mais donc, toi. Ça fait pilotage 2 pour l'instant. Pilotage 2, parce qu'ils ont tous pilotage 2. Et donc, il peut être votre commandant, c'est pas le cas. Donc en fait, c'est une 8-8 flate un peu. Enfin, c'est une 8-8. Elle est pas... Pour l'instant, ça va surtout être une 8-8. Ce qu'on appelle une arme de dissuasion, finalement. Notre le pour l'instant. Le pour l'instant est là. Une arme de dissuasion. Adibou. Ça dissuade qui? Va peut-être moi, en tout cas. Nous poser la plus grosse vampire du monde. C'est vrai que t'as quand même une petite armée. Hein. Peut-être bien. C'est bien possible, Ned. J'avais compris les règles FFA où 3 gars peuvent s'occuper sur le même gars sans qu'ils puissent se défendre. Ah oui, c'est un mode qui n'a aucun sens. Alors, il pouvait quand même se défendre si par exemple il avait une. Je sais pas. Mettons qu'il a une 8-8 vol. Et ben, il peut bloquer le truc de Jérémy. Et en fait, quand on bloque à Magic, certains débutants l'oublient, mais on reste dégagé. Donc, du coup, il aurait pu aussi bloquer le truc d'Adi et bloquer. Donc ça évite quand même un ça peu peut être intéressant d'avoir une 20-20 qui n'attaque jamais un gros truc mais au moins il reste en défense. C'est le début de l'entretien, chaque adversaire sacrifie une créature non vampire, enfin chaque joueur pardon sacrifie une créature non vampire. On l'avait presque oublié cette connerie. Voilà, sacrifier une créature non vampire s'il vous plaît. Ouais. Et ben je suis incroyablement content d'avoir ici un token. Ouais. Je vais piloter mon gars, donc j'ai une 8-8 et puis j'utilise la créature qu'il a pilotée pour sacrifier. Ouais, bah écoute, je vais perdre ma bête flat. J'ai vraiment été une tepu sur cette game. Et donc, elle a. Je lui mets un petit marqueur. Je vais la mettre un peu loin pour pas qu'on. Qui dit que ça va te coûter 2 de plus. Qui dit que ça me coûtera 2 de plus. Ouais, c'est la première fois que du coup, elle revient à cette zone de commandement. Adi. Je vais. Ça va aller là. Je vais payer 4. Pour piocher 3 cartes et perdre 3 points de vie. Ok. Propre. Tu as pris tes 3. 1, 2, 3. Et tu vas piocher 3 cartes. Cette passion voilà. Pour l'antique. Le savoir exige un sacrifice. Exactement. Oh, pelé.
Tac. Ensuite. C'est qui a récupéré le plus gros vampire du monde. J'ai des trucs cool. J'espère que ça sera. Tiens, on le rappelle, à chaque fois que ton commandant attaque, eh ben, tu peux sacrifier du sang pour poser un vampire gratuit. Tout à fait. Je vais donc. Ça va être le moment d'attaquer en plus de ça. Mais non. Et oui. Qui attaque qui? Personne n'a le vol chez. Non. Ah non, non. Moi, je suis tatoué. Personne n'a vol et Rof n'a aucune créature. Okay. On est tous. Et à poil. Là, tu peux nous ouvrir le cul, pas de problème. Donc, déjà, ça, c'est pour toi, Jérém, c'est avec le vol. Toi, t'as tout tap, donc tu vas te manger lui. Refais l'eau, tu vas te manger lui. Mais je vais quand même défausser une carte et tous les vampires que je contrôle vont gagner plus 1, plus 1. Est-ce que c'est. Ok. Ouais, t'es KT. T'as une capa qui va en pile, en fait. Alors. Du coup, je voulais, je peux la faire après. C'est ça. Ouais. Bah, non. Ah, je vais la faire maintenant. Alors, t'as raison. Tu dois la faire maintenant et après tu feras ça. Ce qui donc, est plus logique, je vais virer mes jetons sang et je vais mettre sur le bord d'attaque la régente. De la pardon. Excusez-moi, je vais la mettre là tant qu'à faire. C'était donc excusez-moi. La plus grosse carte a priori de ta main. 6-5 vols à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat. Autant de marqueurs. Joueur, mettez autant de marqueurs plus 1 sur elle. Ça, tu m'attaques avec quoi bouches, toi? Moi je t'attaque avec la 2-2. D'accord. J'ai un effet. Vas-y. Hein. Ça fait mal, ça picote. J'ai une réponse. C'est toi plaisir. Si quelqu'un a un wipe. J'ai une réponse. Quand tu. La régente est dans la pile. Mm-hmm. La régente elle n'est pas dans la pile. Elle est arrivée là. Elle est déjà là. Ok, donc en fait c'était en réponse à la capa. On va me l'accorder parce que. Bien sûr, évidemment, parce qu'on joue vite, on joue vite. En réponse sûr. À la capa, donc je peux pas la contrer, parce que de toute façon. Donc, c'est, à, donc c'est avant qu'il ait sacrifié ses sangs. En réponse à, je sacrifie mes trucs sans. Donc t'attends de voir ce qu'il fait pour décider ouais, si tu l'envoies. De toute façon, je l'aurais fait. Sac. D'accord. Attends. Énorme. Quand il dit je vais jouer une créature, ouais. Tu vois la créature qui joue avant de la contrer. Non, mais là, en fait là, c'est la capacité. Et comme une fois que la capacité est lancée, c'est-à-dire une fois que t'as dit ok, vas-y, fais ton truc, et qu'il dit bah je sacrifie, ça fait rentrer elle en jeu, tu peux plus rien faire. T'as pas le temps. Ah ouais, donc du coup. En fait. Du dans coup, l'idée... à partir du moment où t'as vu sa créa. Non, mais il gruge, il est en train de tricher, c'est ça qu'il est en train de faire. Oh, mais c'est pas grave. Dans l'idée, c'est quelque chose auquel je n'ai pas encore pu répondre, puisqu'il a juste fait je mets mes sangs, je les dégage. C'est il met la capa en pile, je fais ça. Est-ce que tu l'aurais vraiment fait? Oui, oui. Si t'avais pas vu que c'était une créa de ouf. Depuis tout à l'heure, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir avoir une bonne bête. Donc, duplication théorique dit que, à chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire ce tour-ci, crée un jeton qui est une copie de cette créature. Donc, je vais mettre. Merci quand même de m'accorder cette faveur. Bien sûr, cette carte-là. Fair play. Très bien. En fait, elle est là, ta merguez. Hop là. Voilà. Sauf que du coup, moi, j'ai aussi ta merguez. Et tu choisis qui elle attaque. Alors, du coup, c'est vrai que celle-ci, elle attaque quelqu'un de plus. Eh ben, donc attends, ça va donc sur ça, moi. C'est pour toi. Ça, c'est pour... ça, c'est pour... Ouais. Max Hildan. Ça, c'est pour okay. Jérém. Et ouais. La 6-5 vol, elle va être pour... Bah pour Jérém en fait aussi je pense qu'il y a le plus, eh ben merci, c'est plus une régale. Question de nombre de points de vie qu'autre chose pour être honnête. Mmh. Voilà. C'est assez équilibré. Ouais. Moi je vais bloquer du coup ton condamné de Stormkirk. Puisque avec ta 6-5. J'ai une 6-5. Très bien. Alors sachant que est-ce que j'ai eu le temps de défausser une carte de ma main tu peux le faire. Tu peux le faire à tout moment. Bah je vais le faire. Je vais le faire. Tu peux le faire autant toi qui veux. Non, une seule fois par tour. C'est une combien la tienne? C'est une 5. Ah popi peu plou. Très bien, après genre, ça fait plus de dégâts pour tout le monde, donc oui, je vais me défausser d'une carte de ma main. Attends peut-être d'abord voir si tout le monde bloque. Ah oui, t'as raison. Jérém, est-ce que tu bloques? Je vais d'abord faire une bonne action. Et donner les marqueurs à la bête. C'est gentil, pourquoi les marqueurs? Ah, il a joué deux cartes. Il y a eu c'est un scandale. Il y a eu qu'un seul spell. Un seul spell. Donc, un. Tu t'en souviendras au moment de choisir les joueurs que tu attaques. Donc il y avait ça, et moi j'avais pas de bloqueur. De toute façon, ça vole. Ah voilà, donc tu peux te mettre dans la gueule. Donc cette fois-ci, je vais me défausser effectivement de celui-ci. C'est une carte, l'héritier lancier. Bon, donc tous les vampires gagnent +1/+1. Donc toi, ça change rien finalement, puisque ça devient qu'une 3-3. Par contre, Maxildan prend 5. Moi, je prends 9. Toi, tu prends plus même. C'est tous les vampires. Ah, tu l'as fait. Ah, ouais. Pardon. 11. J'ai pris 11. 11. Du coup, je vais mettre des marqueurs +1/+1 sur tout. Enfin, c'est ça. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs sur elle. Donc, ça fait 7 marqueurs. Hop. Et elle est indestructible parce qu'à la fin du tour. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Personne ne t'embêtera. Et par contre, ça meurt. Oui. Exactement. Hop, ça dégage.
Tac, et lui. Quelle elle a pris, attends, elle a pris 7 marques. 6 marqueurs 7. 7, parce que du coup, elle avait plus en plus. Ah oui, elle avait plus en plus. Ah oui. Et lui, 5. Et. Ah oui, 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 oui. Je vais faire une dernière, un dernier move. Je vais payer un rouge. Et je vais clean le board. Non. Avec un acte blasphématoire. 13 blessures à chaque créature. Et elle ne coûte que 1 parce que c'est un incolore de moins par rapport à chaque créature qui est présent. Et je pense qu'il y a au moins 8 créatures larges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 11. Donc je paye juste mon petit rouge. Sachant que j'ai encore 2 mana présents. Et j'inflige 13 blessures à toutes les créatures sauf celle-ci qui est indestructible. Celle-ci est la seule à survivre. Et cette merde. J'ai pas de mana. Que, voilà. Mais on n'a pas de mana non plus. On peut pas t'aider. Est-ce qu'elle résiste? Non, elle a 7, non, elle a 10. Non, non, tout le monde meurt. Elle, elle meurt aussi. Non, non, d'accord. Non, elle, elle meurt. Elle meurt. Ça meurt. C'est la seule qui va rester là. Donc ça, ça s'en va pas. J'ai dit. Toi, tout le monde. Tout le monde, même moi d'ailleurs, au passage. Hein. Ouais, mon commandant, toi, tout ma cousine, ça dégage. Elle est morte. On n'a pas fait dans les sentiments. Casse les couilles, lui. Hein. Donc moi, j'ai un petit marqueur sur mon truc. On va laisser un tour de plus, vous étiez mort. Excuse-moi. Je t'en prie. De toute façon, il y a beaucoup de. C'est un des trucs qui fait que les parties commandeurs, certes, ça peut déséquilibrer. Mais en fait, il y a souvent des gars qui disent allez, remets-toi à zéro. C'est pas vous étiez mort, c'est. Il me reste 2 manas d'étape. J'ai 3 cartes dans ma main. À ton tour. Ok. Et j'ai une. C'est une combien ça ? C'est une 13. Elle vaut... C'est une 13-12. Encore, faut la tuer. Hein. ça a l'air d'être malin. C'est un ref. Je vais jouer... C'est que tu joues devant toi, Rof, mais... Ouais, pardon, pardon. J'ai joué la petite sœur de l'ancien Immemoré. Oui, c'est pas mal, ça. Ouais, avec ça... C'est le Pietos, en plus. Avec ça et avec ça. C'est une petite 1, à chaque fois qu'un joueur lance un sort, mais t'as marqué en plus 1 sur elle-même. Donc je peux pas avoir le bail de rediriger, mais au moins, ça me fait un petit, une petite défense. C'est bon ? C'est à toi. Il joue rien, ça me fait... Oh, j'ai joué une hydre. Rien, ça me fait. Alors, je suis un peu déçu parce que j'allais faire des trucs et que clairement le jeu m'a chié à la gueule. Donc, c'est pas grave, on va faire autre chose. Déjà, je suis pas très content de ce que j'ai. Donc, on va faire un anneau et ça. Pour un anneau et ça, on va jouer un petit enchantement sur cette créature qui dit. Encore ? La créature enchantée gagne +1/+1 et à chaque fois que cette créature inflige des blessures à un adversaire, vous pouvez piocher une carte. Mm-hmm. Et j'ai armure totémique. Et tu as encore une armure totémique, c'est ça ? Voilà. Ouais. Et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, c'est pas le cas. Du coup, je vais attaquer. Qui puis-je attaquer ? Je mets ta marqueur. Moi, Jérém et moi, on n'a pas de créature, mais... Écoute, tu viens de tout me péter. Que tu vas prendre dans ta manche. C'est Coubertin. Ce qui me fait piocher une carte. Tout à fait. Et moi je prends 7. Et toi 7. Tu prends. Oula, non. 8. Tu prends 6, 7. 8, je crois, ouais. 8. Il y a un petit marqueur. Il y a un petit 7 en plus. Et du coup, je pioche une carte. 19, oui. Dis donc. Je vais donc lander. Ok, très bien. Et pour, du coup, 3 manas. C'était 11 de serpent. Pour 3 manas, je vais jouer. Cette créature. Ah. Il l'avait montré il y a longtemps. Armure de combat commune. Donc voilà, ça c'est un nouveau truc qui vient de Kamigawa, la nouvelle. C'est une 2-2 menace et qui en plus peut se reconfigurer. Donc il pourra payer 4 pour la mettre quelque part. Et donc là, ce sera un équipement puisqu'il va filer +2/+2 et la menace à la créature équipée. Et ça me paraît donner +2/+2 menace à une créature pour 4 manas, oui. Il me semble. Hors de prix. C'est hors de prix, mais ouais, de base. Mais il y a une capa plutôt. T'as une 2-2 menace pour 3 qui dit qu'à chaque fois que des blessures de combat. Non, à chaque fois que elle ou la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, inciter chaque créature que ce joueur contrôle, inciter étant forcer l'autre à t'attaquer, à attaquer quelqu'un d'autre que toi au prochain tour. C'est foutre la merde comme capacité. Ouais, c'est ça le principe. Et donc du coup, tu peux dire, ok, j'ai mis une petite 2-2 menace, je peux attaquer avec, etc. Mm-hmm. Ou au bout d'un moment dans la partie, dire, bah tiens, je vais l'équiper à ça. Effectivement, ça coûte plus cher que l'effet, mais ça peut être salvateur. Okay, pas mal. Et surtout, si la bête meurt, ça redevient une créature, ton équipement. Oui. C'est warfit. Si on a un combat, Ounana inflige des blessures de combat à un joueur. Faut que je touche un joueur. C'est la fin de ton tour. Ainsi que s'achève. Ouais, t'as payé 3 tours. Ouais, j'ai tout payé, je suis encore full tap. Enfin, j'ai une créa. Ah, par contre. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille. Allez. Il y a pensé.
Ouais, et moi j'ai aussi pensé à mon petit marqueur. Juste Jérém, pourquoi il est mort ton véhicule tout à l'heure? Parce que je me suis dit, ah, il va me faire sacrifier une bête. Moi je suis très intelligent, j'ai un gros cerveau. Je vais activer pour avoir ma 8-8. Mais donc, quand tu l'actives. Bah, c'est devenu une créature jusqu'à la fin du tour. Ah, il s'est fait baiser. J'avais revoyons ça. L'action ouais, au ralenti. Ralenti. J'étais là. Il y a eu sa trigger de début de tour qui dit il faut sacrifier une bête. Okay. Et bah avant de la sacrifier, je l'utilise pour piloter lui. Maintenant c'est une créature. D'accord. Et après 13 dégâts quoi. Ouais. Parce que je pensais que t'avais fait cette capa là. Je me disais t'avais pas besoin d'être une créature pour faire cette capa. Non, t'as dit j'ai une bête en plus pour bloquer. Voilà. Et après j'ai une bête en plus qui est morte. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Ok. J'ai un peu honte de ce play finalement. Non, mais tu pouvais pas savoir. Hein. C'est quoi le sort qui a clean? Ouais, alors le sort qui a clean, on peut le remontrer. Bien sûr. On l'a mis un peu vite, on a tous été. Bon, en fait, je l'ai laissé là un petit moment. C'est l'acte blasphématoire. Ça a coûté un de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. Il y avait 12 ou 13 créatures. Donc ça a coûté un rouge. Il y avait beaucoup de créatures. Ce genre de sort qui est vraiment en mode. Allez, on reset. Allez. Ça, c'est clairement quand même multi. Oui. Ce genre de petites choses arrive assez souvent. Alors, on a. C'est la fin de mon tour. Le père Jérém qui a mis quand même en soum-soum. Oui, en soum-soum, c'est exactement ça. Unité d'assistance impériale, si tu peux venir. Donc on l'a montré vite fait tout à l'heure, mais bon, on l'a pas trop lu. Une 3-4, donc pilotage à chaque fois qu'elle attaque envoyée dans votre main une carte de créature de véhicule ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Ok. On n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, non, mais c'est... ça peut quand même aider. Tu mets pas ton commandant, tu ne peux plus taper de mana, il te reste 4 mana. C'est fini. Ok. Hadi. Merci. Hadi, avec ton horreur de régente de la nécropole, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai qu'il est bien sale. Eh bien, je du vais... Du coup, t'as mis un spell. On a vite fait d'oublier quand même. Déjà... Du coup, non, j'ai plus cette carte. Je vais payer 2 mana, un marais... un incolore pour jouer un petit rituel, je pioche 2 cartes et je perds 2 points de vie. Ok, voilà. Attends. À la cool, juste histoire de repiocher un petit peu, tu vois, hop. Donc je, vas-y, okay. Vas-y. Hop, je passe à 17, mais je pioche 2. Ai-je landé? Non, je n'ai pas landé, parce que je n'avais pas de terrain. Donc, cette fois-ci, je lande. Je vais payer... que je peux faire ça. Allez, je tente. Je vais jouer pour 4. Tac. En attendant un contre-sort, parce qu'il n'y en a pas eu encore, donc ça va... Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que ça pourrait arriver. Une kétose de sanctuaire. Chaque fois qu'il y a un vampire qui vous contrôle l'attaque, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez. C'est très sale, ça. Voilà. Okay. C'est très très sale. C'est fort. Hein, et ça peut terminer à n'importe quel moment, bien évidemment. Il me reste 2 mana. Je ne vais pas les utiliser pour le moment et je vais attaquer ou pas tiens avec ma 13-12. Ouais, tu passes en phase d'attaque, j'ai un effet. Ah, très bien. Je vais réveiller la bête qui est dans cette régente, mon cher Max. Détruisez un permanent ciblé, son contrôleur peut créer un jeton de créature 3-3 verte bête. Ta régente se transforme donc en 3-3. C'est terrible ce que tu fais hein, parce que Max est bien plus vénère. Mais bon, c'est toi qui vois. Je connais mes alliés. C'est toi qui vois. Je choisis ça en fonction. Le fait de, si tu as attaqué, on se prenait tous des points de vie, c'était un peu pénible. Ouais, on a quand même un énorme truc vol. En fait, je dis pas que Max est pas bien. Je dis non, juste mais que c'est ton copain. T'as le token. Le token, ouais. Tiens, vire-le parce qu'on sait que c'est comme ça, on saura que c'est pas une. Que ce n'est pas un vampire. Très bien. Et c'est une 3-3, c'est pas une 4-4 par contre. Pardon. Alors attends, c'est bizarre. Merde, j'étais à. Attends. J'ai pas une bête 3-3 quand même, c'est bizarre. Non. Oh, parfait, fais ça bien. J'ai juste deux bêtes différentes. Ouais, donc d'accord, j'avais 0 truc. Max a joué 2, 3, 4. Du coup, vu que t'as éclaté ma créature, est-ce que cette bête a le mal dans l'invocation? Non, du coup, c'est ça. Elle a le mal dans l'invocation. Bah, c'est super, j'allais me faire foutre en fait. Attends. Littéralement. C'est génial. Ouais, t'as plus que 2 mana. Ok. Ça va bientôt être la fin de ton tour, je crois. Bah, on est à 2 doigts en fait. Tu sais qui attaquer la prochaine fois? Bah, évidemment. Évidemment. Akadok? Ouais, de toute façon, il a le plus de points de vie également, donc voilà. Allez, à ton taille, pas de mine, il joue pas beaucoup de spells, mais. J'avoue, j'ai l'impression qu'il a pas joué depuis le début. J'ai quasiment pas joué, non. Mais non, mais il laisse les autres s'entretuer, puis à un moment, il va arriver et il va tuer tout le monde. Pas joué. GG. Ne dévoile pas la strat aux autres, s'il te plaît. Les PV. Je vais. Rof n'a pas sleeve ses tokens, je suis déçu.
1. Le diable se cache dans les détails, Olivier. 2. Le diable se cache dans les détails. 4. 5. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Un. Arashi, le ciel déchiré. C'est une petite 5-5 qui, je peux payer X et 1 vert et à distance infliger X blessure à une créature avec le vol ciblé. J'aurais pu la transférer, c'est-à-dire depuis ma main, mettre des blessures au bête avec le vol, ce qui n'a pas été mon cas. Très très belle cette carte. Oui. Il n'y a pas l'artiste. Si, du tout en principe, si. J'avais pas eu. Du coup, elle passe à 6. Je pourrais attaquer Jérém, mais j'ai vraiment envie de me défendre, donc je vais dire que c'est une fin de tour. C'est à mon tour. Maxildan a vraiment envie d'attaquer, tu vois. C'est ça la grande différence, c'est qu'il va te faire manger tes chicots, frère. Ça picote, là. Oh, avec son alors, armure attends, ça fait quoi, ça nanana, c'est vrai que l'armure de menace, t'es tranquille. Hein. Mais en vrai, vu que les créatures peuvent pas te défendre, sauf s'ils ont... En fait, ils... Ça passe tout le temps ça en fait. Passe. Ça passe ou ça passe. Voilà. C'est les deux possibilités. Tout simplement. Wow. Il te faut un truc avec la vigilance et là t'es vraiment au max. Oh, ça peut être fort de fou ça. Vas-y, let's go Max, régale-toi. Passe sur moi s'il te plaît. Je vais vous poser la question parce que j'ai besoin de le savoir. Donne-moi à moi. Non, je, tout le monde. Vous allez me dire combien vous avez de créatures dans vos cimetières. Ah. J'en ai 1, 2, 3 et 4. Je copie, j'en ai 4. 4, 4, 0. 0. J'en ai une. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours, il se passe plein de trucs. C'est pas plus la plus grosse dinguerie de France. 4, 3. Ouais, parce que 1. Comment, il compte pas ton. T'en as 8 en tout, Max. Il en a que 3, pas 4. Ok. C'est ok. C'est anecdotique, quoi. Qu'est-ce qui peut nous faire de beau, ce cher Max Hildan? C'est ok, mais je réfléchis. Ah ouais, non, ça c'est bien. Je vais plutôt faire ça. Pour 6. Gars, il est au buffet à volontaire. C'est ça, ouais. Non, ça, c'est mieux. Je vais plutôt faire ça, c'est quand même beaucoup mieux. En espérant qu'il n'y ait pas des contresorts de fils de pute, évidemment. Pour 6. On n'en a pas vu depuis le début, ça serait quand même sale qu'il n'y en ait pas là. Je vais jouer. Ah oui, c'est bien ça. Expertise de riche carte. Attends, tu vas piocher 10 cartes, toi ? Piocher un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez, en l'occurrence effectivement 1 milliard. Vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5 depuis votre main sans payer son coût de mana. Donc, 7, 8, 9. C'est ça ? Mais oui, quel est le rapport avec le 7, 8, 9 ouais. Tu pioches 9 cartes et tu vas. C'est, je le pratique une fois souvent, que tu auras pioché, tu pourras jouer un sort à 5 ou moins, gratos. 7, 8, 9. Je vais vous demander quelques secondes. Je suis désolé, mais je vous invite. C'est quoi ? On va avoir une petite discussion entre vous. Merci beaucoup. Voilà. J'ai quand même l'impression que sans contrôle, c'est quand les decks sont plus ou moins équilibrés, tu galères quoi. Genre, moi j'ai l'impression que là, on vous laisse vivre et puis à un moment, vous attaquez avec des gigatons et game over quoi. Ça peut être ça, effectivement. En fait, ce qu'il faut dans cette configuration là, c'est se dire, et c'est un peu malheureux. C'est pour ça que je préfère le compétitif. C'est qu'en fait, je préfère jouer. Bon, je préfère optimiser un maximum mon deck. Ouais. Puis jouer vraiment le mieux possible contre un mec qui va faire autant. Et juste se dire que bah, ça va se jouer justement entre nous deux. Là, on l'a bien vu, j'ai fait un départ catastrophique, j'avais vraiment rien à jouer. Et, c'est pas un, et là, du coup, je peux revenir parce que quelqu'un a clean. Il y a beaucoup de RNG. Ouais. C'est pas parce que t'as fait la meilleure sortie, que t'as le meilleur deck, que t'as fait les meilleurs choix, etc. que tu vas forcément gagner ou survivre. Et le pire, c'est qu'au contraire, si tu fais ça, tu peux peut-être te faire peut-être un peu te faire focus. Tu veux dire, c'est pour ça que je n'ai que 17 points de vie. Là, alors, tu l'as cherché, t'as perdu quand même 5 points du tout seul déjà. C'est pas faux, c'est pas faux. Déjà. Faut quand même faire ça. Mais pour l'équilibrage des decks, il y a des. En fait, c'est très. C'est autodiscipline. T'as des communautés françaises ou américaines qui ont mis en place des listes de ton deck. S'il peut gagner tour 1 ou 2, c'est qu'il est power oui, level 9 ou machin, ouais, et ça va de 1 à 10. Et donc les gens, quand tu vas à des événements commandeurs, pour pas te retrouver avec des gars qui vont faire combo tour 1, etc., avant de commencer, bon, c'est quoi à peu près vos niveaux? Ah, moi j'ai un deck 7, un deck 6, machin, et on s'arrange pour que ce soit pas trop disproportionné et que tu te fasses pas juste rouler dessus parce quoi. Que vraiment un deck force 2 face à un force 9, il y a zéro chance impossible. Qu'il gagne, okay. Moins que, mais la plupart du temps, ça va mal se passer. Et quel est le fun de gagner tour 1 en commandeur? Ça s'appelle le CEDH, le EDH compétitif. Il y a des gens qui aiment ça.
Sachant que il ne juge pas. Chacun trouve son fun là où il est, mais j'ai du mal à comprendre. Un jeu qui tue tour 1 ne va pas tuer tour 1 100% du temps, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Très sensible à un contre qui sera un contre gratuit, enfin, sauf les choses comme ça. C'est... Normalement, ils font en sorte de bannir suffisamment de cartes pour éviter que ce soit. Ce genre de scénario, ouais. Mais effectivement, ça peut aller vite. Ok, très bien. J'arrive, hein. Non, mais prends ton temps. J'irai vous les redire un truc. Bah, en plus, tu peux jouer une carte gratos. Bon, déjà, je vais jouer un mana parce que j'ai pas l'envie. Ah oui, ça coûte rien. Ça coûte pas plus cher d'aller manger. Je joue une carte qui coûte donc 5 ou moins. Elle coûte 6 maintenant. Hein. Mais de toute façon, tu peux pas la jouer de ta main. Ouais. Ok, bon, bah. Du coup, je vais jouer ça. Ouais. Du coup, je vais jouer ceci. Récoltos. Ah oui, le bon vieux Récoltos. Ah, mais ça marche pas, c'est une créature. Ça date, Récoltos. C'est un sort. C'est un sort. Lance que tu veux. Alors, bougez pas. Ouais, je vais te chercher ta petite germe. Ah, bonjour. Récoltos. Ça nous rajeunit pas, Récoltos. Là, ouais, ça nous rajeunit pas. Effectivement, nouvelle Phyrexia, je crois. J'ai 16 000 cartes, frère. Tu vas devoir défausser en plus. Hein. C'était un peu l'ancêtre. Ah ouais, c'est vrai, merde. Ouais. Non, c'était un peu l'ancêtre de ce genre de truc. Là, ils ont dit, on a à la fois une créature et un équipement, c'est pas chier. À l'époque, ils disaient, non, mais attends, un équipement, ça reste un équipement. Par contre, on peut lui dire que quand il arrive en jeu, il va être directement sur ce truc-là. Donc, c'était un petit peu l'ancêtre de ce truc-là. Les créatures équipées gagnent plus X dans le nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Ah, c'est pour ça qu'ils avaient demandé tout à l'heure. Très bien. On était à 8. Ouais, on est à 8, ouais. Donc, c'est une 8-8. Oh, c'est pas mal. Oh, ça me fatigue. Ça, c'est là. Ça, c'est au cimetière. Et comme elle arrive sur j'ai le terrain, un marqueur en plus. Elle. Oh là là. Il faut changer la scène, s'il vous plaît, messieurs. Oui, excusez-moi. Oui, merci. Du coup, j'étais là, pardon. Donc, elle vient d'arriver, c'est une 8-8. Elle, parce qu'elle est arrivée, elle a gagné plus 1, donc désormais c'est une 8, 9, 10. Exactement. C'est une 10-10, et voilà, c'est tout. Elle n'est pas sur le terrain, il faudrait que je la joue. Pour le moment, je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Est-ce qu'on peut mettre des guillemets à que ça en fait, genre incroyable cette histoire. Il y a une question. Est-ce que Sol Ring en EDH c'est trop fort? Mais Sol Ring c'est trop fort. Alors, c'est fort court, en fait. Mais ils le mettent systématiquement dans tous les préconstruits. Ouais. Ça fait partie du fun du commandeur, enfin de l'esprit du commandeur d'avoir cette possibilité de sortir ton Sol Ring. Ok. Mais c'est à vos risques et périls. On est d'accord. Que... De toute façon, t'en as un. Donc c'est une chance sur 100 aussi. Il faut avoir la. Comme on dit chez nous, chez les pros, hein, c'est la chatte à Mireille. Je peux attaquer. Et oui, c'est le terme technique. C'est pas une chance sur 100 du coup. Que tu pioches une sur 99. Cartes. Et après, tu renlèves les 7 quoi. Mais après, tu pioches 7 cartes. Oui, mais au in fine, t'as... Tu vois ce que je veux dire? Il a les couilles vides, lui, hein. Quoi, pardon? Mec, tu me tabasses, hein, c'est genre. Pareil, c'est pas ça, c'est pas sur 100. Attends. Alors, excuse-moi, mais t'as dit t'attaquais pas les gens qui étaient le plus bas. C'est vrai. Donc. Félos. Merci, Max Hilden. T'as de la défense, mais je lui roule dessus, hein. Tu me roules dessus. Il peut pas te bloquer. Oui. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai. C'est un sacré. Personne peut me bloquer. Un vrai gruyère. Ouais. Personne peut me bloquer. Ah non, t'as pas assez de mana. Est-ce que j'ai assez pour le tuer? 8 ah, plus 10 quand même, quand même. Ça fait 18. Ah oui, pardon, il vient d'arriver. Non, tu peux pas, tu peux pas. Bon, je peux mettre 12 à quelqu'un. Et tout le monde regarde ses cartes. Tu peux aussi mettre 10 et 2, en vrai. Tu me mets 10 à moi parce que je les mérite. celui que tu vas toucher avec ça, à son tour, il sera obligé d'attaquer un autre joueur que toi. Et il sera obligé d'attaquer. C'est vrai que c'est pas mal. Et il sera obligé d'attaquer à son tour. Ouais. Très bien. Il sera incité. Je vais donc attaquer Rofelos avec ça et je vais t'attaquer toi avec ça. Je t'aime pas. Qu'est-ce que je te dise Toi, tu peux. En fait, tu vas poser des trucs, mais tu pourras pas attaquer ce tour-là, donc c'est naze. Bah, j'ai pris. C'est le seul qui a des trucs. J'ai pris 10. Tu peux pas la kill. C'est ça qui s'est passé. J'ai pris. Les créatures dont la force est inférieure à celle d'elle ne peuvent pas bloquer les créatures. En fait, t'attaques Rofelos avec celle-ci, avec le ton. Non, regarde. Les créatures dont la force est inférieure à elle ne peuvent pas bloquer les créatures que vous contrôlez. Ah, putain, ça s'applique à toutes les créatures. Tu peux rien bloquer tant que t'as pas un truc qui a 10-10. Ma bad là-dessus. C'est mort. Toutes tes cartes passent. Je bad, prends 2 et je devrais attaquer au tour d'après quelqu'un avec mes d'autre bêtes, que moi. J'ai pas pu. T'es déjà mis. T'es déjà mis, y'a pas de problème. C'est donc la fin de mon tour puisqu'il me reste un de mana. La fin de ton tour. Il y a moyen que je me fasse défoncer. Je vais jouer un éphémère. Adi, je vais te demander d'exiler ton cimetière. Et je vais, pendant que vous jouez, hein, je vais dégager des cartes parce que j'en ai trop. Tu vas exiler ton cimetière et ça va permettre de poser 4 petits esprits. Pourquoi on n'est pas sur la. J'irai. Tac, tac. Non, je voulais être sur moi. Ah.
Et bien, il faut être sur carte. Pardon, carte. Donc je peux le jouer à la fin du tour parce que c'est un éphémère. Essaimer la mémoire, qu'est-ce que veut dire essaimer? Exiler le cimetière d'un adversaire ciblé pour chaque carte de créature exilée de cette manière, créer un jeton de créature 1-1 color esprit. Alors là, il va y avoir un effet qui se coule, puisque donc toi tu vas avoir des. J'ai 4 petits esprits. Cool. Et lui, du coup, lui il perd 4 de force. Ok, il me faut 7 cartes max dans la main. Oui. D'accord. Ouais. Et lui, il perd 4 de force. Ouais. Parce qu'il a exilé tout mon cimetière et il y avait 4 créatures dans mon cimetière. Estaras. Et les vampires, ils aiment bien récupérer des trucs du cimetière et tout, donc petite police assurance comme ça. Bah okay. Écoute, pas là. Écoute, franchement, pas là pour le coup. Ok. C'est pas ton réanimateur. T'es à 7, hein. T'es pas encore à 7. Il faut que j'enlève. De toute façon, t'as pas de mana. Je vis 4 cartes. Je vis ma vie. Ah, fais ta vie. Allez. Ouais, du coup, ou celle-là, c'est bien. Celle-là, c'est une très bien. Tu t'en sors bien, Rof, quand même. T'as pris que 2 quand même. Y'a pas de justice. Non, franchement ouais. Après je dois forcément attaquer autour d'après, ça m'arrange pas vraiment. Bon. Voilà. C'est nul ça, c'est bien. J'ai des pauvres 1-1. N12-12. C'est de la crap tout ça, une grosse crap. Ça marche pas. Rof, tu me prêtes de la mana ou pas pour ce tour-ci? Bah, j'aurais bien aimé, mais... Ah, ça marche pas dans les règles. Merde. Pour l'instant, faut pas oublier la partie. Si possible, la règle. Les créatures du joueur incité doivent attaquer si elles le peuvent. Si oui. Elles attaquent un autre joueur que celui qui a incité, si possible. Donc en duel, ça n'épargne pas de se faire attaquer par exemple. Oui, tout à fait. Mais là, comme je peux attaquer quelqu'un d'autre, je vais... Et tu peux t'arranger pour engager tes créatures, oui. Par exemple, Arashi d'ailleurs. Exactement. Tu peux l'arracher. Les cartes qui, évidemment, ont le mal d'invocation. Voilà. Eh bien, avec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que tu as été malin? Est-ce que tu as mis des créatures pour pouvoir booster ta merguez? Non, j'ai été idiot. J'ai mis justement full. Mais en vrai, c'est pas. Alors, il y a quand même une créature. Bon. C'est déjà ça. Non, mais mec, t'as cette mais carte en non, main. Non, j'ai jeté des trucs qui me serviront à rien. C'est magnifique cette carte en main. J'ai donc 8 mana disponibles. Et c'est la fin de mon tour. Bah, c'était sympa. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai jeté 4 créatures. C'était un gars. Mais bon. Allez, on pioche. Alors, on pioche. Donc, toi, t'as rien. Je vous remonte les points de vie pour le moment pour que vous vous rendiez compte un petit peu où on en est. C'est assez serré puisque pour le moment, nous sommes assez urbains. Oui, il n'y a pas trop de focus. Enfin, mais ouais. Après, on arrive sur à le un nombre de points de vie. Un certain déséquilibre quand même. On arrive à un nombre de points de vie où ça peut one-shot très vite des gens. Surtout des tailles de bestiaux là. T'as combien en tout, Max, au fait là? En points de vie, 21. Non. En dégâts, ouais, j'ai largement 17, si c'est ta question. J'aimerais précisément savoir combien t'as. J'ai 10. Attends, ça dépend, vous avez joué des sorts? Ah non, c'est pas ça. À chaque autre créature, donc c'est bon. Ah non, c'était une autre carte. Donc j'ai 10, 11, 12. Pile 17. 5. Si jamais. Pile 17. On peut recompter vite fait les bêtes dans le grève. Moi j'en ai 0 toujours. J'ai toujours 3. 3 bêtes t'en as pas, donc ça fait. Moi j'en ai toujours 2 a priori. Moi je suis censé en avoir 2. 1, 2, 2. Donc on a dit quoi? 2 plus 3, ça fait 5, 8. Le compte est bon, donc il y a 17 piles. Ok. Ça veut pas dire que je vais te tuer. Oui. Ouais, non mais je te fais confiance. Je vais clairement plutôt attaquer Rof car je l'ai attaqué avec ça, n'oublie pas. Ce qui fait qu'il va être obligé d'attaquer quelqu'un d'autre que moi à son tour. Ouais. Donc ces créatures vont être d'étape. Adibou. Ouais, mais je vais. Oui. À moi de parler. C'est pas parce que il peut te mettre 17 en un tour qu'il va te tuer, qu'il aurait quelconque intérêt à te tuer. Là, effectivement, au vu du board, c'est lui l'ennemi. Donc fais pas chier et. Bah, alors attends, ok. Qui voudrait là, dans l'idée, prendre la place de Max Hildan? Voilà. Je t'avoue que. Voilà, c'est la question qui faut pourtant, se poser. J'ai tellement mal joué, je suis sûr. C'est la question qu'il faut se poser. Imagine, t'aurais eu mon deck dans les mains. T'aurais fait des dingueries. Le mec aime pas le commandeur pour les côtés politiques et il sort des meetings comme ça. Notre projet, c'est d'attaquer Max Hildan. Je vais quand même payer 2. Et je vais aller taquiner ce bon vieux Olivier Ophelos avec Nourrir les Saints. Je détruis une créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. Et je perds un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce permanent. T'es sûr de pas vouloir péter ça? Je pense honnêtement que si je fais ça, il me ruine la gueule et j'ai envie de jouer un tout petit peu encore. Donc je préfère tuer tranquillement la bête d'Olivier Ophelos pour 3 et perdre 3 points de vie. C'est ça que tu ciblais? Ouais. Réponse. La princesse aux longs cheveux.
pas mal. Réponse. Comme j'ai actuellement pas mal de force, eh bien je vais pouvoir faire mon pont de Fangemousse. Donc je répète, c'est un truc que j'avais caché sous la carte. Et comme eh bien, j'ai donc, avant que tu me la tues, je fais maintenant. Bien sûr. Au moins 10 de force. Et eh bien du coup, je vais pouvoir jouer gratuitement la Reine des Frelons. Aïe, où ça pique ça. Très propre. Ta-na-na-na. Elle est que de 2 pour 7. Elle est vraiment nulle. Mais elle arrive avec toute une armée. Puisque vol contact mortel, bataille, c'est chiant. C'est très bien. Elle met elle a 4, 4 créatures 1-1. Très content de l'avoir forcé à attaquer quelqu'un d'autre que moi. Oui, et en fait c'est pour ça que je voulais le faire à mon tour et pas maintenant, puisque du coup ça va devoir attaquer quelqu'un d'autre. Donc tu m'as tué ça. Exactement. Donc on résout. Tu m'as tué ça, tu perds 3. La bête de Max passe à 6, puisqu'il m'a tué une bête. Et du coup moi j'arrive avec. C'est ça. Et tes 4 frelons. Tes 4 frelons. Ouais. C'est dommage que tu sois obligé d'attaquer avec, tu pourras pas les garder en mais je suis très déçu. Est-ce qu'il y a 4 frelons? Non, on va faire ça. Il y a un petit 4. C'est à... Oh, est-ce que tu attaques? Bah, j'ai pas fini, petit bonhomme, évidemment. Dis donc. Tant qu'à faire. Dites-en, dites-en. Quitte à mourir, autant mourir avec panache. Hein. Je vais payer 6 pour rejouer mon commandeur. Ok. Tadam. Non, je lui laisse son petit truc. Hop les, il arrive, il est content. Et j'aimerais bien attaquer avec ma quêteuse. Ce serait pas mal. La question c'est qui? Ouais, là, c'est très compliqué que... en fait. Parce qu'elle va mourir. Ouais, mais au pire, il va bloquer avec ses 4 esprits. Là, mon truc meurt et tout. Mais au moins, tout le monde perd un point de vie. Je mets 3 jetons sang. Je gagne 3 points de vie. En fait, juste pour faire des trucs, tu vois, pour qu'il y ait une interaction, je me dis ça peut être rigolo de faire ça. Pour me sentir vivant. Ouais, exactement. Pour sentir un truc en moi, quoi. Genre, c'est exactement ce que je vais faire. Jérémy, je t'attaque avec une 3-4. Alors, donc du coup. Trigger. Trigger. Chaque adversaire perd un point de vie. Poum, poum. Et toi, tu gagnes 3. Ah, c'est pas la. 3. Non, justement. Et vous gagnez un point de vie. Non, donc tu ne gagnes que 1. C'est pas celui qui triste. Ouais, ouais, c'est pas celui qui fait. Ah, ma balle là-dessus. Ma balle. Bien vu. Je vais. Engager 2 esprits pour piloter mon bestiau. Goldorak. Et je vais double bloquer. Très bien. Et bah du coup, moi ma créature va mourir et puis je ne peux tuer finalement que... Que l'esprit. Que l'esprit. Tac. Putain. Est-ce que cette souffrance était... Oui. D'accord. C'est mon étape de fin et je mets et on a 3 Max qui jetons. Sans. Hop les... En vrai, le problème là, c'est que... Ma 3-4, elle sert à rien. Elle peut pas bloquer. Si j'attaque, elle est morte tout le temps. Et autant mettre des jetons tant que ça soit panache. Là, tu te dis, si je vis encore un tour, je peux reposer une dinguerie. Voilà, au enfin, tour. Si j'ai une dinguerie, c'est pas forcément de le cas. Tu vois. Je du coup, voilà, tu vois. Je me dis, why not. C'est ok. Ah, voilà. 4 créatures tour. De Jerem n'ont pas d'impact sur les créatures en jeu. C'est des 1-1 qui font rien. Voilà. Le Rophelos, qui est à côté et qui. Je t'embête. Hein, mais... Attends, vas-y, pardon. On a une question, il y a quelles extensions dans le Commander? Toutes. Toutes. Toutes les éditions de Magic. Il y a une ban list, il y a des cartes qui sont trop fortes pour le Commander qui sont interdites. Mais sinon, toutes alors... les cartes sont ok. Tu sais ce que j'ai très très envie de faire. Pendant que tu réfléchis. J'ai envie... de péter tout le mur qui est là, le mur qui est derrière là-bas. J'ai envie de changer cette table et de prendre un truc en bois bien lourd. Parce que là, regardez, chaque fois qu'on touche à la table... Peu, ouais. Alors attends, là tu vois pas parce que... Voilà, mais quand on zoome sur une carte par exemple, là, dès qu'on touche à la table, ça tremble et ça fait de la merde et machin, tu vois. Ça reste ok, hein. Là, franchement, tu voudrais un truc en chaîne, quoi. Ouais, une table que tu fais ça, il n'y a rien qui. T'as mal en fait, c'est toi qui as mal quand tu tapes. Exactement. Comment tu l'amènes une vraie table. Ah bah ça. Ah là, mec, j'avoue. Au pire, je trouve un ébéniste, il me l'a construit ici. Tu fais un live et tout, le mec. T'as pas vu comment ça s'appelle Kaamelott? Ah non, oui, c'est mort, je suis colimaçon. Non, je me fais pas ça, c'est mort. Mais j'aimerais bien faire ça, et du coup, j'aurais plus de recul, ce qui veut dire que les lumières seraient un peu plus éloignées. Et donc, tout ça pour vous dire pourquoi je pense à ça. Ça m'éviterait d'avoir, présentement, ce problème. J'ai un reflet.
Ça va. Franchement, t'es mieux que genre 99% des streams de cartes. Et le gars, il dit attention, j'ai un reflet sur, les, oui, sur la colonne bon, des terrains. En plus. J'ai un reflet le mec, parce relou, que moi. La lumière a pas assez de recul là-bas. Tu vois, devrait être ouais, plus. Mais ou alors, en vrai, il y a un monde où il faut juste que je la descende. Je peux peut-être faire ça. Attends, il a raison. Ok, avant d'attaquer. Je vais creuser. Je vais, parce que du coup, on rappelle que je dois attaquer quelqu'un d'autre que Max. C'est vrai. Astral. Tout à fait. Je vais faire mon Arashi le ciel déchiré, qui va mettre deux blessures sur Stréphan. C'est pas ça. Mais c'est ça où je peux pas attaquer. Enfin, bref, si, mais bref. T'inquiète pas à faire de la merde. Oui, bien sûr. ensuite, je vais. Ouais. Brécan et fils. Oui, Brécan et fils. Ah, Brécan et fils, d'accord, c'est le nom c'est du. Je vais payer 4. Je vais offrir mon cul à à qui le veut, hein, mais bon. Faut bien jouer des choses. Et je vais jouer une façonneuse de curiosité qu'on va mettre là, avec un petit zoom, si tu le veux bien, mon cher Max. Il n'y a pas limite au nombre de cartes de votre main. C'est une 3-3 vol. Et à chaque fois qu'un jeton de créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Ah, c'est bien ça. C'est très cool. Jérôme, tu m'arrêtes si tu peux m'arrêter. Je t'arrête pas. Et du coup, je vais attaquer... Hop, t'as posé une créature. Mais non, rien à voir. Rien à voir. Toujours pas. C'est la carte du début, elle m'a trigger le cerveau. Celle-ci, elle ne peut pas attaquer. Par contre, je vais attaquer avec tout le reste. Je vais en mettre un peu sur tout le monde. Alors attends, du coup, toi, t'es à 11, Jérém. Oui. Et toi, t'es à 15. Oui. Répartissons ça de façon, en gros, pour vous montrer que c'est pas moi le problème. On va en mettre. C'est de nous dire que c'est pas personnel. Voilà. Je vais mettre. Quelle phrase. Du coup, deux insectes sur Jérém. Et la reine et les deux autres insectes sur. Toi, mon cher Adi. Ben, je prends, hein. J'ai rien. Voilà. Donc, je perds 4, c'est ça ? Tu perds 4, ouais. Est-ce que Jérém, tu prends 2 ? Oui, écoute. Si ça te fait plaisir. Ce soir, moi, je pioche 4 cartes. C'est à mon tour ? 3, 4, et du coup. J'ai plus de jouer. Ah, bien, alors. Bon. Là, on va arriver dans la phase de. Promis, si tu me tues pas. Je t'en supplie. Alors, on va commencer t'as par. T'as pioché ? J'ai pas pioché. Ouais, je crois que t'as pas pioché. Il a assez pioché comme ça. Je t'avoue que j'ai déjà tellement de cartes. Ah bah. Bah, tu vois, il a top card. On rappelle que. Il a juste top card. Piocher et dégager ses terrains est une action obligatoire. Même si vous oubliez, vous devez le faire. Donc, les petits malins qui s'amusaient à dire aux enfants qu'ils jouaient à l'époque. T'as pioché, t'as pas dégagé. Ouais, bah oui, je me souviens, j'ai des vilains tricheurs. Ça fonctionne pas. Mais en tournoi, tu peux oh, rigolo, prendre ça. Des warnings si tu. Trop souvent, ouais. Si tu fais jamais ce que tu t'es demandé de faire. Je comprends. C'est un peu nul. Ça aurait pu être drôle, mais non. Il y a un combo par contre. Le choix du riche. De ouf. Il y a un combo. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Malheureusement, avec mes deux perdus, je ne vois pas. Non, non. Je vais commencer par poser un land, déjà, qui arrive engagé, sauf si vous avez deux mana random. C'est le cas, donc on est bon. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien vu. Maintenant que j'ai 8 mana. Le compte est bon. La comptesse n'est pas mal. Faire des trucs. Est-ce que je vous laisse vivre un tour de plus ? Regardez-moi ce méchant de shonen qui va faire non, je ne comprends pas pourquoi ils sont tous liés contre moi. Putain. Combien de créatures sur le champ de bataille ? Beaucoup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 créatures sur le champ de bataille. On parle dans le méchant de shonen, rire démoniaque. Non mais oui, il a tout. Tu es tombé dans mon piège, Yugi. Je vous possède actuellement. Et nous on est là, non, comment on va faire pour s'en sortir ? Ça c'est de la merde, j'ai rien à foutre. Ça c'est au cas où vous me faites chier. Et ça c'est une petite question. Donc sa créature, elle devrait plus avoir son armure totémique, non ? Non, non, il en a remis une autre. Mais quel enfer ! Ouais, c'est pas la même. J'en ai remis une autre. Pourquoi fallait détruire son truc ? Il est infâme. Il est infâme. Toi, t'as pas des bones, non ? T'as pas un petit unsubble, là ? Mais c'est un délire, vous jouez bleu, personne n'a rien. Bah, en fait, c'est le un bleu scandale. N'est pas que du contre. Oui, mais t'en as toujours un petit peu, gros. Moi, j'ai joué une petite bête flash. Même Azorius, tu vois, genre, je suis surpris. Je crois que j'ai joué mon commander.
Il joue dans Commander pour 6 mana, qui on le rappelle peut booster à la fin, tout ça. Putain, t'as rien à jouer avec ta main, mec, je suis surpris. Ça coûte 6 mana. Ouais, ça coûte 6 mana. Voilà, il va revenir là. Je ne vais pas la jouer. Mais mec, t'as 7 cartes en main, tu dois faire des dingueries, mec, c'est pas possible. C'est vrai, mais en même temps, je me prépare aussi à la mort. Alors, est-ce qu'il y a un moment où je vous tue ? Je pense qu'avec ça. Il n'y a pas un monde où tu, tu peux tuer une personne. Je crois que tu peux tuer n'importe qui. Tu peux tuer une fois une personne. Tu peux, ouais. Pas tuer 1000 personnes une fois. Mais tu peux rendre quelqu'un vraiment genre unijambiste, facile. Ok. Donc en fait, je peux te tuer toi. Attends, ça, 6. Merci, DTE. Merci, Dito. Gracias. J'ai combien de dégâts en tout? J'ai 10, 11, 12. Ça, c'est beau. Le sub pour la fin d'un joueur. Est-ce que vu qu'il vient de sub, il a le droit de choisir qui tu tues? Ça me ferait beaucoup rire. On devrait faire voter les gens. On devrait faire voter les gens. 19, ça fait... Je vais t'attaquer avec ça. Ouais. Comme ça, tu m'attaques toujours pas. Si, avec elle, si t'attaques soit Adi, soit moi, on est mort. Est-ce que tu veux pas laisser ton chat voter? Si j'attaque Adi, il meurt pas. T'as combien là? 8, 9, ah t'es à 10. T'es pas loin. Pour vous montrer que ce n'est pas contre vous, je vais attaquer Adi avec ça. Très je bien. Je vais t'attaquer toi, du coup, avec ça. Attends, t'as beaucoup de mana, toi. J'en ai rien. Je vais rien en faire. Vas-y, je t'attaque, toi. Donc, du coup, tu prends 6, 7. Et toi, tu prends 10. Bah, si tu as 1, c'est plutôt pas mal. 1. C'est mieux que 0, écoute. Hein. Voilà. Et toi, tu prends 2. Et t'es encore incité pour le prochain tour. Ça me fait chier, hein, parce que j'aurais bien aimé. Ouais, t'es frelon, ils sont bien. Et c'est. La fin de mon tour. Okay. À la fin de ton tour, je vais invoquer la puissante Raph Capachen. Flash, vol. Ah, c'est un gars. Raph. C'est l'ancêtre de. Enfin, c'est l'ancêtre, c'est l'aïeul. De Gérard. Gérard. Qu'on salue. Non, aïeul et ancêtre, c'est pareil en fait. Comment on dit ? Descendant. Oui. Ouais. Dans la Star 2. Ouais. Tout ça, tout ça. C'est bon ? Vas-y. Ouais, bah, je voulais juste qu'on check en gros plan la carte si c'est possible. C'est quoi ton message ? Si on suit la juste de match, c'est Rof qui va prendre. Ah bah j'ai pris. Hein. Tu peux zoomer sur la carte juste deux secondes. Oui, bien sûr, pour bien sûr. Voit. Je crois qu'il suffit de faire ça et ça. Ouais, dans l'autre sens, ça aurait été. C'est vrai que ça aurait plus été pro. Bon, je le saurais. Oui, il est Rof qui a passé l'image du navire et les 3-3 flash. Donc c'est pour ça qu'il a pu le jouer à la fin du tour de max. Vol. Il peut lancer les sorts historiques comme s'ils avaient le flash. Les sorts historiques, c'est les artefacts légendaires et les sagas. Les sagas, c'est les enchantements un peu chelous. Donc tu peux changer de plan. Merci beaucoup, Olivier Rofelos. Je pioche. Et d'ailleurs, du coup, c'est à. Ok. Je. On va la tenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mana. Putain, alors attends, parce que là. Détruisez toutes les créatures non artefacts. Voilà ce qui devait arriver, arriva. Extinction organique, on a fait un board sweeper, on en a un deuxième. Détruisez toutes les créatures non artefacts. Vous remarquerez que si j'avais été intelligent, j'aurais tué Adi d'abord. En réponse. J'aurais d'abord attaqué. Mais t'es un frère. Attendez. Y a en une réponse. T'es un frère. Mais tu vas pas me faire un counter spell. Et deux counters, what? En réponse, pour 3. Vas-y, on va garder ce plan. Je vais enchanter mon Récoltos. Parce que lui, il ne meurt pas. Et mon Récoltos, lui, va mourir. C'est un enchantement qui a le flash. Ok, à chaque fois que la créature enchantée ou qu'une créature modifiée que vous contrôlez meurt, crée X jetons de créature 1-1-1 color esprit. X étant la force de cette créature. Tu essaies d'enchanter ton Récoltos, c'est ça? Il enchante la gemme. On est bon ? Tu enchantes la gemme. Du coup... Je t'ai connu plus vil que ça. Oui, hein. Ça va. Quel bâtard. Du coup, il va. Vas-y, tu peux enlever. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a. Quelqu'un de réponse ? Je te rends ton jeton. Mais tous mes menaces sont engagés. Hein, on détruit toutes les créatures non artefacts. Sauf lui, parce que j'avais ça armure dessus. J'avais armure totémique. Lui, il meurt pas parce que c'est un artefact. D'accord, et lui il meurt, mais à la place du coup je fais 8 jetons. Alors ça fait quoi? 8 jetons 1-1, un color esprit. Je peux voir un truc? Fais ta vie. Donc c'est le moment, Rof, après pour toi faire un truc pour raser le board. Tu tues toutes les créatures, artefacts, voilà comme ça, voilà. C'est. Tout le monde n'a non, plus mais rien. Non, mais t'as fait 8 esprits là? Ouais. Ouais, c'est dur. Ouais. Ça picote. Tu peux pas savoir à quel point ça picote. J'ai gardé tout mon mana en mode non les amis, ça n'arrivera pas. Vous ne me baiserez pas. J'ai un petit doute là. J'ai un petit doute, l'explique. Ah par contre. Ah ouais, c'est un peu nul ça ce monde. Je commençais à me poser la question, est-ce que son Récoltos profite des bêtes qu'on a mis au cimetière en même temps?
Je dirais que non. Et en fait, je me dis, mais attends, si le Recoltos, c'est l'équipement, quand le Phyrexian va au cimetière, il n'est pas juste 0-0, ce que mal à ce petit canard. Alors, il me semble qu'il y en a un de nous deux qui est arbitre officiel de Magic et que c'est toi. Oui, alors moi, je l'ai été, je ne le suis officiellement plus. Dernière information connue, c'est pas cette histoire-là ? Bah, dernière information connue... Des arbitres dans le chat ? Des arbitres. Ouais, j'avoue. Savoir si le germe est considéré comme une 0-0 au cimetière ou s'il bénéficie du +6/+6 de Recoltos. Je crois qu'au moment où il meurt, il est effectivement XX. Enfin, Max va gagner des jetons. Mais pourquoi il gagnerait pas les jetons? Pourquoi j'en gagne 8 et pas beaucoup plus, en fait? C'est vrai, généralement, quand tout le monde meurt, c'est une créature qui dit à chaque fois qu'une bête meurt, gagne un point de vie, et que t'as deux créatures qui meurent, dont elle, elle voit l'autre mourir en même temps. Et du coup, tu gagnes 2 points de vie. Ça, c'est sûr. Là, c'est un peu particulier parce que c'est pas sur le Phyrexian. Il y a marqué je suis XX machin. C'est sur le Recoltos. Au moment mais où... une fois qu'il est équipé sur le Phyrexian, il lui donne tous ses effets, non? Oui, mais là, ce qui va se passer, c'est que le Phyrexian va aller au cimetière et pas le Recoltos. Ah. On va regarder l'état de la carte au moment où on résout le sort. S'il n'y a que ça qui te fait mal au cœur, non, je peux équiper le Recoltos. Tu vois, il y a équipement 2, je peux... Non, ça ne change rien. Là, on va faire une solution qui est peut-être pas précisément la bonne. Et si c'est pas le cas, je m'en excuse. Là, j'aurais plutôt tendance à dire toutes les bêtes meurent en même temps. Si on regarde combien était le Phyrexian au moment où il meurt, je pense qu'il a il récupère tout le monde. J'ai l'impression. Je pense qu'il les a pas, mais il les a pas. Je pense qu'il les a pas. La créature gagne +6/+6 sur le nombre de cartes de créatures en tous les cimetières. Et de toute façon, moi je lui donnerais que des esprits incolores. Pas plus. On est d'accord. Ça change pas. Ça change un truc pour moi. Attends, pardon. Ça change un truc pour moi parce qu'en fait, dans mon play, j'étais en mode je vais créer 600 créatures et je vais faire un play où ils vont être en mode oh. Et en fait, ça marche pas parce qu'il faut que ce soit rouge ou vert. Donc je suis un peu déçu. Techniquement, la créature part au cimetière dans un état précis. C'est cet état qui est compté pour l'enchantement de mort. Donc le Recoltos n'est pas boosté par la mort du germe. Bon, écoute, ouais. On va prendre ce truc là. Désolé si c'est pas exactement ça. Garde tes 8 et t'en as. Ça me va. T'en as pas 0, t'en as pas 15. Quoi. On est sur un petit juste milieu. Ça me va. Mais donc, ça se barre. Le Recoltos s'y reste. Ça reste. Ça meurt. Et voilà. Toutes les bêtes de Rof, bye bye. Oui, c'est vrai que j'ai essayé de délai. On peut continuer là-bas. Yes. Et du coup, c'est la fin de mon tour. C'est une capacité. Je peux jouer 2 pour mettre l'équipement. Tu peux le faire qu'à ton tour au moment où tu pourrais lancer un rituel. Ça marche pas. Autant pour moi. Ah, mon et du coup, là, je vais avoir beaucoup de créatures dans les cimetières. Tu vas. Là, oui, là, on va recompter au moment où tu rééquipes. Mais oui, bien sûr, tu vas. Elle va avoir 8 marqueurs supplémentaires. Elle va avoir 8 marqueurs supplémentaires. Je me permets de piocher une carte. Faites comme si je jouais pas. D'accord. On est sur du bon bestiaux. Putain. Donc elle a 8 et 8. Donc elle va avoir 16. Je vais faire des marqueurs de 10. Hein. Quand les D6 ne suffisent plus, c'est bon signe. Voilà, 16. C'est bon. Du coup, c'est à qui de jouer ? J'ai pioché. Voilà, j'ai pioché, je vais jouer, je vais payer un avec celui-là, engager mon jeton sang, me défausser d'une carte et piocher une carte. Et je vais me défausser de ceci, le jugement selon Avacyn que je vais jouer pour son coup de folie. Voilà. Ouh, d'ailleurs, est-ce que je pioche ma carte avant? Alors, parce que, regarde, tu peux me répéter ce donc, que je paye un. J'engage mon jeton sang. Donc tu te du coup, je me défausse d'une carte qui a un coup de folie. Qui est celle-ci. Donc, regarde, ce qui se passe, c'est que tu te défausses d'une carte. Attends, on va mettre le zoom pour expliquer ça. Excusez-moi. Aux gens. Quel est le bon ordre? Donc, tu fais ça. Exactement. Tu l'engages, tu te défausses. Et il y a une capacité qui va dans la pile qui dit piocher une carte. D'accord? Donc, la capacité, on va dire qu'elle est là. C'est une chauve-souris. Et du coup, eh bien, tu es en train de défausser ce truc-là. Exactement. Quand tu défausses ce truc-là, je décide de jouer. Comme elle a la folie, elle part dans l'exil, tu payes le coup de folie, donc tu as payé combien? 6! T'as payé X égale 6. 1 plus 6, ouais. 1 plus 6. Okay. Donc, il va infliger X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs. Tu peux donc. Tu peux me tuer. Tu sais ce que je vais faire. Très bien. Il va le tuer, il va se suicider. Ouais, personne ne me tue ici. Hein. Je m'en occupe moi-même. Donc, je vais effectivement donner 2 très gentiment à Jérém. Pan pan. Ok. Je vais filer 2 à ce petit bonhomme.
Attends, d'abord tu fixes tes trucs et après tu pourras répondre. Donc ça fait donc il y a deux là. 4, ouais, il en reste 2. 2. Tu deux esprits. Et je vais tuer effectivement deux esprits. Est-ce que Max Ilan, tu as des réponses à ça? Mais j'aurais pu me suicider, c'est quand même assez pas mal. Non, c'est bon. Mais t'es pas encore mort. Deux esprits. Ouais. C'est un peu tout peut arriver. Ça va au grève. Tout peut arriver. Exactement. Et là, alors, je peux piocher. Je ne vérifie sur Gazora. Même si les jetons de créatures passent par le cimetière avant de cesser d'exister, elle n'augmente pas le bonus du récoltos, même brièvement. Ah, oui, les jetons, c'était sûr. Les jetons, c'était sûr. Pour c'est les cartes de créatures. Bref, c'est pas grave. Donc, t'as fait ça, c'est très bien. Donc, maintenant, je peux piocher une carte. Et tu peux piocher une carte, parce que du coup, tu as résolu ton effet de sang. Oh eh. Pas beau celui-ci? Un petit marais? Est-ce que je refais la même chose? Non, ah, non, si, non, oui, non, si, non, si, non, si. Non, allez. À moi de jouer? À ton tour. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Alors, je vais faire un play un peu rigolo. Pardon. Ah putain. Désolé. Désolé. Je vais faire un play un peu rigolo. J'étais en train de réfléchir. À quelqu'un qui dit que tu as fait un play illégal. Ah ouais? Si le coup de folie. Inflige 2 blessures réparties entre n'importe quel nombre. Si le coup de folie de ce sort a été payé, il inflige X blessures réparties comme vous désirez entre ses permanents et aux joueurs. N'importe quel nombre de cibles. Non, j'ai pas fait de. Non, il peut répartir. C'est pas, c'est... Dans la... Tout dans la légalité. Hein. Attention, ici on ne blague pas avec ça. La cible des deux premières blessures. Ouais, monsieur l'arbitre. Tiens, check. Parce que c'est ses cibles, donc peut-être qu'il n'a le droit qu'à deux cibles. Il inflige 2 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. Si le coup de folie de ce sort a été payé, il inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre ses permanents. Il n'a peut-être le droit d'avoir que deux cibles. Place. Ah. Je vais gazerer. Mais à mon avis. Alors quelle est la différence? C'est intéressant pour le coup. Je pense qu'il a raison. Alors. Dites-moi la différence. Donc, il inflige des blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. Jusque-là, tout va bien. Tu n'as pas le droit de dire je prends trois cibles, il y en a une à 0, une à 1, une à 1. Ça, c'est dans les règles, je le sais. Si le coup de folie de ses sorts a été payé, il inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre ses permanents. Sauf que. Quelle est l'illégalité de son play? J'avoue, j'ai pas capté. En fait, je pense honnête. Que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça change? Ça change que soit il avait que deux targets et il doit mettre X à ces deux targets. D'accord. Donc ça veut dire qu'il aurait pas. Je sais pas. S'il essayait de tuer Jerem, ben, il y avait deux esprits qui restaient. Ok. Ou alors il tuait deux bêtes à toi. Bref. On veut savoir là si il peut y avoir plus que deux cibles. D'accord. J'ai l'impression. C'est 12 targets, donc je pense que non. Je pense que c'est 0, 1, enfin que c'est 0, 1 ou 2 targets, pas plus. Each chosen target must receive at least one damage. Ouais, c'est ça. Attends. Parce que là, en fait, on est en train de remplacer le 2 blessures par X blessures. C'est ça. Donc, du coup, si X égale 6, je peux prendre 6 targets. Non. Je pense pas. Ah, du coup, c'est beaucoup moins fort que ce que je moi, pensais, alors... J'ai l'impression que ah, ça, t'as peut-être ça raison. Marche. Ça dit, ça coûte que 2. Non, ouais, mais je ne ferais pas que ce soit à chier. Pour le 2 blessures, je trouve ça ok. Par contre, si tu payes son coup de folie, donc 1 plus... Non, je pense que j'ai raison. Et le chat est en train de valider ça. On dit ça passe. Tes blessures deviennent X, donc 6. Et du coup, alors, parce qu'en fait, par exemple, si mes blessures étaient 2, je peux cibler que 2 permanents. Et si c'est 3, 3 permanents. C'est ça, grosso merdo. Oui, ça. Dire... Okay. Plus il y a de blessures, plus ça rajoute un permanent ciblé. D'accord, ok. En vrai, moi ça me va très bien de perdre deux esprits. Certes. Non, mais en tout cas, c'était intéressant. On est en train de se poser la question de si je perds deux esprits. C'était intéressant. Bon. Alors, encore une fois, on va le résoudre comme ça. À la fin, je gagne. Peut-être que, d'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si on a fait des petits trucs en disant bah voilà, à ce moment-là, il aurait pu y avoir ça, ici et ça. Alors que vous êtes, si vous êtes sûr, hein, parce que y a des petits malins après qui vont dire. Je comprends pas, il a pas attaqué, il vient de poser sa créature. Mais effectivement, sur ces deux questions-là, c'est intéressant. Reprends ton truc, ça s'est résolu comme ça. Est-ce que c'est à moi de jouer? Oui, j'ai purgé mon terrain. C'était un temple de la fausse divinité, j'allais faire un truc un peu sympathique. Max, tu as plein de cartes en main. Oh oui. Pourquoi tu tiens cette carte comme ça? Parce que... Vas-y, joue. Vas-y, Yugi. Il pose une carte face cachée. Que j'ai un play sympa à faire, mais il peut me défoncer. On va le faire, pour le beau jeu. Et puis, ma foi, si tu veux... Pour le beau jeu, on te regarde et mets tes putains de cartes ici. Ok. Je vais commencer par dire. Allez. X blessure. Tiens, bien sûr, moi. Coupe bourse astucieuse. C'est une de deux flashs. Mais je la joue en rituel. Quand elle arrive sur le champ de bataille,
Chaque jeton qui devrait être créé sous le contrôle d'un adversaire ce tour-ci est créé sous votre contrôle à la place. D'accord. Donc, je vais payer 4. 1, 2, 3. Alors, attends, ça me met 2. Donc, je crois que c'est légal si je fais ça. Voilà. Astucieux, cette coupe-bourse. Coupe-bourse qui, du coup, dit si je crée des jetons chez quelqu'un, ils viennent chez moi. Ok, ok. C'est très clair. Jusque-là, il n'y a pas de bon. Et je vais... Est-ce que Max, tu aimes le cochon ? J'adore. Eh bien, je vais essayer de transformer tes créatures en cochon. En cochon. Alors, je paye X égale 4. Exiler X créatures ciblées. Pour chaque créature exilée de cette manière, son contrôleur crée un jeton de créatures de 2 vert sanglier. Et tu ne pouvais pas faire ça avant ? Non, je viens de le piocher. Alors, exiler. Exiler, envie c'est. Envie de canner. Vas-y, vas-y, redis la. Exiler X créatures. Donc pour chaque créature exilée de cette manière, son contrôleur crée un jeton de créature de 2 vert sanglier. En plus, tu veux lui voler ses cochons. J'ai fait X égale 4. Donc il y a 4 créatures. Je vais cibler 4 de tes créatures. Que tu choisis. Que je choisis. Je vais choisir évidemment 4 esprits. Alors ça, c'est pas une créature. La blague, c'était qu'évidemment, je choisis elle et 3 esprits. Et 3 esprits, d'accord. Voilà. Qui vont donc être transformés en cochons, qui deviennent des cochons 1-1. 2-2. C'est mieux déjà. Et tu vois, c'est mieux que t'es un. Sauf que ces cochons vont chez toi. Oh merde. Donc elle disparaît. Oui. Si je ne fais rien. Et j'ai tout mis. Oh le cochon, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh le cochon. Qu'est-ce qu'il y a sur le champ de bataille ? Tu peux enlever le zoom. On est d'accord que les enchantements, je peux les jouer qu'en rituel. Exactement. Donc ce sort-là, il est lancé. Il est lancé. Les cibles sont annoncées. Tu sais quoi ? Maxidan a-t-il une réponse ? Aucun problème. Sa réponse, c'est son dédain. Visiblement. Aucun problème. Donc, prends donc tes petits cochons. J'ai viré ça, j'ai viré 3 esprits et je vais récupérer 4 cochons. Est-ce qu'il y a des tokens cochons ? Est-ce que j'ai des tokens cochons ? J'en ai vu un. J'en ai un. Enfin, c'est des sangliers. Il est trop cool. Sangliers. On dit cochon, mais ce sont des sangliers. C'est vraiment, il a une vraie tête de cochon. Mais c'est un cochon spartiate ou quoi là ? C'est un cochon. Bah en fait, non. C'était à la base. C'est malédiction. Regarde. C'était un soldat. Vu. Et il s'est fait pourcer. Il s'est fait cochoniser. Bien moche, vu, celui-ci. Voilà. Mais bien vu. Voilà. Évidemment. Il était en armure. Il y a une histoire qui est racontée. Il y a une histoire qui est racontée dans cette histoire. Malédiction du pont. Et du coup, il a une armure. Mais oui, voilà. Bien vu l'aveugle. Donc j'en ai 4 de ces trucs-là. Donc du coup, je vais mettre 4 marqueurs. Et c'est à toi de jouer, mon cher Maxildon. It's time. Alors pour ceux qui se posent la question, j'ai été incité au tour d'avant. Mais comme je vais piocher. Max reste quand même extrêmement confiant. Beaucoup plus confiant que ce qu'il devrait être. Face à 4 cochons de 2. Il est transpiré. Franchement, ça devrait bien se passer. Ok. Possible de relire le sort. Exiler X créatures ciblées pour chaque créature exilée. J'ai perdu. Mais les morts ne parlent pas. Créer un jeton de créatures de 2 vert sanglier. Tellement de choses que je peux faire. Je vais piquer puisque j'avais la. Vas-y, éclate-toi. Éclate-toi, là, c'est le moment de faire des trucs un peu rigolos. Le commandeur, ça sert à ça. Faire des trucs débiles. Oui, c'est pour ça. J'ai dit, s'il me compte, bah oui, ça fait pchit, mais bon. Comment aurait. Ok. Il aurait pu te contrer. S'il donnait par exemple la défense talismanique. Bien vu. Ça merde là. Comme tout à l'heure, mais qu'il a utilisé pour. Ça, s'il avait bien joué sa carte. C'est con parce qu'en plus, je l'ai pioché maintenant. Mais en vrai, comme ça exilait. Ah, ça fait 1000 ans que t'aurais dû la jouer. Sa défense. Ouais. Je serais passé sous ça. Tu pouvais pas mieux piocher. Ouais, je suis l'enfer. Contrôle ta RNG mieux que ça, Rof. Il y a des gens qui le regardent. Je fais vraiment ce que je peux. Bon, moi, de toute façon, je vous dis bye bye dans pas longtemps. Ça, on est d'accord. C'est. Ça s'applique au moment où elle arrive. Ouais, tout à fait. Donc en fait, si tu fais ça, ça ne donne pas ça. Tout à fait. C'est un truc que tu feras plus tard, ça. C'est donc de la merde. Ah bah surtout vu ton bordel. Et ouais. D'un coup d'un seul, il est beaucoup moins confiant. C'est à chier. C'est pas. J'ai des possibilités. J'ai beaucoup de possibilités. Tellement de cartes, mec. La question, c'est laquelle j'utilise, quoi. Exiler, ça fait pas pop les esprits 1-1 de l'enchant sur ta fac. Non. Non, parce que Récoltos, il compte les cartes de créatures dans les cimetières. Et les jetons, quand ils s'en vont, ils vont pas au cimetière. Surtout qu'ils ont été exilés là. Voilà, il y a vraiment rien qui les sauvait là. Il y a R. Ah, j'ai un. Alors, putain, je crois que j'ai envie de faire ça juste pour le fun. Jérémy a cessé d'exister dans cette partie. Et donc, du coup, toutes ces créatures dans son cimetière ne comptent pas. Moi, j'en ai une. Une deux, aussi. 3, 4. Donc, ça fait 5 avec toi. Et l'autre, Gugus.
Il y en aura un paquet. Combien de créatures sur le champ de bataille? 4. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Il y a 8 créatures sur le champ de bataille. Il y a 8 créatures. Donc 4 cochons. Oui. Prête en découdre. Je veux te dire qu'ils ont qu'une hâte. Franchement, si tu gagnes un coup de cochon, c'est merveilleux. Te lécher le groin, putain, Maxildan. Très bien. On va temporiser un petit peu. Je vais donc faire ceci pour 4. Alors attends, faut que je vérifie que j'ai assez. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, pour 4, je vais faire ceci. Je rase le board. X blessure, X étant... Oui. Je mets 8 à tout le monde. Il met 8 à tout le monde. Mes cochons meurent dans atroce souffrance. Mais ça sent bon. Mais on fait de la... Bon, il y a rien fumé. Il n'avait pas envie d'attaquer avant, juste pour tu l'as dit, pour que ce soit fait. Avant. Écoute, il n'a pas eu envie d'attaquer avant. C'est vrai que j'ai pas attaqué. C'est vrai que tu as pu attaquer. J'aurais pu le finir. Non, mais franchement, ça régale. C'est... Ok. Non, mais c'est bien. J'aime beaucoup. T'es un frère, tu le laisses jouer un tour de plus. Il est magnanime. Il est magnanime. Il t'a laissé un petit répit. Franchement, gagne la partie. Fais-moi plaisir, gagne la partie. Les jetons vont pas dans le cimetière. Non. On va essayer, mec. Ok, ça reste. Donc, le board est vide. Ouais, tape ton mana. Je vais taper 4 mana, donc... Putain, je m'en bats les couilles. 1... 2 mana incolores, non? Tant qu'à faire, jetons au Sol Ring. C'est quand même 2 basiques. Sol Ring de montagne, ça paraît très fort. Ok, ça marche aussi. J'en fous. Sympa. Ça, c'est bon. Une fois que ça s'est tapé, il me reste ça. Et du coup, je vais jouer... Ah, merde. Quel enculé. Quel enfoiré. Il manque un peu de mana. Il manque ça un peu me de mana. Fume. Il me manque un peu de mana. Attends, tu veux faire le malin? J'ai combien de mana? 1, 2, 3, 4. J'ai 4. Ok, c'est pas grave. Je vais le faire quand même. Je vais donc faire ceci. Pour 2, c'est une carte de merde. Voilà. Ancêtre, de la tribu Sakura respecte un peu Papy. Elle a une nouvelle version d'ailleurs. Elle est sortie il y a très longtemps. 1 pour 2, donc en fait, le sacrifice va chercher un long. Voilà. Et je ne le sacrifie pas. Du coup. C'est une puissante. Et je vais du coup pour 2 équiper Récoltos dessus. Et du coup, ce petit Papy de merde devient 11-11. Attends, il y a combien de créatures là? Normalement, je les ai comptés. Il y a bien 10. Dans vos cimetières à tous? Oui, parce que c'était surtout des jetons gros. T'as tué beaucoup de jetons gros. Tu les as comptés? Recomptons, parce que. Moi j'en ai un, ça va vite. Un seul. La quêteuse. Mec, il a une 11 pour 2, il est pas content. C'est ma quête, 3. 4. C'est vrai que pour 2, il a une 11-11 et ça, je suis pas. 4 plus 1, 5 plus 5, 10. Et toi, t'as rien. Mais il est décédé, le point. Je n'existe pas. Il n'existe plus. Quand tu perds la partie, tu disparais. Désolé. Non, tu es vraiment. Il sait exister, quoi. Jérémy n'existe. Bah attends, bah du coup. On va faire la blague jusqu'au bout. Jérémy. Ça calme quand même. Jérémy n'existe plus. Là. Non mais je déconne. Il y a aucun respect. Et le mec a ramené le mec, quoi. Je crois qu'il va chier dans ton lit. Je préfère te prévenir. Je t'ai remis, Jérémy. Je t'ai remis. Il n'existe plus. Donc j'ai 11. Je peux pas attaquer. Fin de tour. Merci. Ok, à mon tour. Par contre, oui. J'ai tout mis. Et je t'ai laissé en vie. C'est vrai que j'aurais pu attaquer avant. T'aurais pu faire un bon duel. S'il te plaît, gagne. Je vais gagner. Je vais gagner. Pour toi. Pour toi, je vais gagner. En fait. C'est parce que là, je suis en mode « Ah, déjà, il se passe un truc, j'ai quand même encore une grosse créa sur le terrain. » Et surtout, j'ai d'autres trucs en tête. Et je te fais confiance. Je paye 2 et je joue... Botte de pied d'agile, qui est une carte qui va lui permettre d'avoir la défense talismanique et la célérité. La célérité pour... talismanique, on ne peut pas le cibler. Exactement. Je vais ensuite payer 1, engager et sacrifier... défausser d'une carte, pardon. Oui. Et je vais jouer, comme tout à l'heure, une carte pour son coup de folie. Donc là, il n'y a pas de bail spécial avec la folie. Non. Attends, non. Je vais aller sur toi. Attaque. Il attaque à chaque combat si possible. À chaque fois qu'il attaque, défaussez-vous de votre main, puis piochez 3 cartes. Ok. Et donc le voici. Voilà. Tac, donc il arrive sur le champ de bataille. Il fait plaisir, ça dégage. Garde-le parce que t'en as sûrement besoin. Merci beaucoup. Ok. Non, on va laisser tomber. On va pas faire ça. Je vais payer. Si je vais faire ça. Non, je vais pas faire ça. Je vais payer 3 pour jouer le capitaine qui est toujours très sympa. Tu as boosté tes petits vampires, puisqu'ils vont avoir à la fois plus 1 et l'initiative. Tout à fait. Taper avant dans un combat. Très fort. Tac. Et je vais payer un dernier 1 pour équiper
tout le simplement dévastateur. Le dévastateur qui a donc la célérité, la défense talismanique et l'initiative au passage. Pouf. Voilà. Tiens, mets pas de marqueur parce que ça va être un petit peu ça va être chiant. Okay. Biaisé. Ça marche. On va s'en souvenir. 4-4 et du coup, tu vas devoir m'attaquer. Exactement. Et j'attaque Olivier Rofello. C'est comme j'attaque, et eh bien je me défausse de ma main. Oui. Donc, un vampire supplémentaire, Max Hildan, dans le cimetière. Ouais. Ok, il gagne plus 1, plus 1, et je pioche 3. Le 6 était déjà. Non. 2. Ah ouais, je passe à 6. Et 3. J'étais à 11, je passe à 12. T'étais à 11 ? T'étais à 10 ? Non. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait 11 créatures. J'étais à 10. Pardon, là. Hopelé. Et puis voilà, donc il y a c'est toi Rofellos qui prend 4, je crois. Tu prends même que tu as pris 4 même. Tu as pris 4. Et je dis fin de tour pour moi. OK. Voilà. C'est à Rof de jouer. Il est dans la zone là, ça y est. OK. Faut que je m'en débarrasse. Oh pas, c'est pas grave, moi si facilement. Beaucoup de mana. Beaucoup de mana, t'as une seule bête qui a pas le piétinement. Compliqué. En vrai, je vais perdre. Ça me ferait plaisir. Parce que je sais même pas moi qui détruis. Ça serait horrible qu'il gagne parce que vraiment il a fait un démarrage, mais nul à chier. Ouais, on l'a tous laissé tranquille. Et là, comme par hasard et comme d'habitude, mais la vérité, à la fin de Magic, si Rofellos il gagne, je refuse. Si là, sur cette game, il y avait eu 1000 balles à gagner, je le tuais tour 3. Et ensuite. Et ensuite on jouait tranquillement entre nous. Clairement. C'est. J'aurais jamais laissé faire ça. Là je suis en mode on s'amuse. Max Hildan. Je prends du plaisir, donc c'est ok. Max Hildan, mon cher Max Hildan. En vrai je prends du plaisir à le voir remonter. Donc ça me va. Est-ce que tu connais beau ce que vous dites. Le Terastodon. Tu l'as défoncé, Jérémy. Non, mais je sens que je vais le découvrir. Il a un nom tout de suite. Déjà, c'est un gros ton qui va être lourd. Pour 7. Le Terastodon. Pour 8. Oh putain. C'est une 9-9. Quand il arrive sur champ de bataille, vous pouvez détruire jusqu'à 3 permanents non créatures ciblées. Pour chaque permanent mis dans un cimetière de cette manière, son contrôleur crée un jeton de créature 3-3 verte éléphant. Ah, je prends. J'ai donc une 1-1 et une. Verte, éléphant, 3-3. Tu as effectivement tout compris, mon cher Maxilan. On n'aura plus besoin de compter. Est-ce que je peux avoir un éléphant, s'il te plaît. Est-ce que tu veux détruire deux autres permanents non créatures. J'ai effectivement deux autres permanents à éventuellement cibler. Par exemple, des bottes de pied d'agile. Ou tes propres terrains pour les transformer en 3-3. C'est dégoûtant. Moi, j'aimerais bien que tu me détruises des terrains, s'il te plaît. Je vais. Ça m'arrangerait. Alors, toi, j'hésite avec ta botte. Tes bottes. Ça peut être où les bottes. De pied d'âge. Franchement, mais vite fait. En vrai, si ça peut être chiant. En 2-2. Pour le goût, Rof. Vous savez quoi ? Je vais pas faire de jaloux. On va chacun tuer quelque chose. Ok. D'accord. Choisis un terrain. Donc, toi, ça va être des bottes. Je peux pas choisir, merde. Et moi, ça va être effectivement un land. Ça va être cette bonne vieille île qui va mourir. Ah ouais, toi, tu te. Bah ouais, moi aussi, je veux bien. C'est avoir une... Ah d'accord. Je veux bien une bête, s'il te plaît. Merci. Un petit éléphant. J'en ai une, si tu veux. Éléphant 3-3. Une bête 3-3. J'en ai. C'est des éléphants, mais ça change pas grand chose. Voilà. Et donc. La partie est pas mal relancée là. Il se passe des trucs. Je vais pouvoir. Mec, très sûr de lui. En vrai. J'ai... Deux. Alors, si les gens se demandent. Je suis un peu en couille vide. Pourquoi j'avais 7 mana à taper, c'est que lui il en ajoute 2. Donc, j'ai bien payé 8 pour le Terastodon. Et du coup, il me restait 2. Et du coup, j'ajoute Idole de l'oubli. Et j'ai une petite carte. Pour 2. Pour 2. Qui dit engagez la, piochez une carte, activez cette capacité que vous avez créé un jeton de sourcil. Ce qui est mon cas. Petit coquin, mon tu vas piocher une carte. Donc je vais piocher une carte tout de suite. Bien joué. Et c'est à toi de jouer, Maxil. J'ai pile de créatures pour Keblo. Alors. Oui, j'aurais pu bluffer. Allez, pas mon délire. Il n'y a pas de jugement ici. Maxildan, toi qui étais plus puissant il y a deux tours, que devient ton ego ? C'est vrai qu'il est descendu d'un cran. Alors, ça cabotine vachement. Il reste encore plein de cartes en main. Il fait le malin. Je suis le nouveau méchant de Shonen et c'est Adi qui gagne à la fin. En fait, c'était moi depuis le début. Fantomas. Et en fait, c'est comme la tête de Rofellos. C'est incroyable, c'est un truc de ouf. Tu vois, je suis content d'avoir laissé Adi vivant parce qu'il va pouvoir servir mon te terrasser. Je vais tout faire pour qu'il te nique ta mère. oh, c'est bon ça. Attends, t'as une 9-9, c'est ça ? Ouais.
Est-ce que Jérém, tu veux jouer mon prochain tour? Étant donné que je t'ai tué, que c'était pas cool, et en fait, je pensais que la partie ça allait s'arrêter vite. Si tu veux, je te laisse ma main pour le prochain tour et tu joues. Franchement, moi, il y a vraiment pas de galère. Franchement, j'ai confiance en toi. Ah non, mais c'est pour le plaisir que tu joues, mec. Moi, ça me ferait plaisir que tu joues. Je peux t'assurer qu'à la place de Jérém, j'aurais passé 5 minutes à me plaindre. De dire, mais putain, tu vas pas me tuer maintenant, il faut qu'on soit avec. Et il était en mode, ok, j'ai perdu. Putain, ça m'impressionne. Moi, dans un jeu comme ça, je peux te dire que le mec qui veut me tuer, avant, je vais vraiment appeler ses parents. Donc ne soyez pas Rofellos. acceptez votre destin. Un vrai conseil. Non, mais là, en vrai, en plus, tu t'es pas défendu, j'ai rien dit, mais il y a vraiment moyen de dire, attends, Adi, c'est pas du tout Jérém le problème. Non, si, il avait un truc, il aurait eu un truc qui pouvait tuer la grosse bête là, qui nous saoulait tous, j'aurais dit. Là, ça lui coûtait rien. Allez, tiens, c'est vrai que ça prends deux. Un point, c'est mais... un coup de fourchette qui m'a mis. Il t'a aidé, ça lui a rien coûté. Hop, terminé. Bon. Donc, à sa place, j'aurais fait pareil. Sûr, tu veux pas jouer mon prochain tour? Enfin, si je suis encore en vie, je dis ça, ça se trouve, il va me fumer. Ça va. Et c'est ma main, c'est mon jeu. Si je propose, il veut. Tu viens de piocher trois cartes, moi j'y crois. Je vais devoir repiocher trois cartes en même. Peut-être pas si bien que ça. C'est pas. Ah, c'est pas, ça n'a pas l'air fou. C'est un peu de la merde là. Ça veut dire que si je fais ça, c'est naze. Ça me saoule, c'est Rof qui va gagner avec son truc. Arrêtez là. J'avoue, ça me rend faible. C'est pas fait du tout. Très loin dans les lignes. Ça me rend très faible. Calme-toi. Personne n'a vu. Y'a quoi ? J'ai plusieurs choix et je réfléchis auquel je fais à ce moment-là. Je crois que j'ai envie de faire. Je pense que je vais pas mourir ce tour-là. Il va peut-être me laisser un tour quand même. Ah, t'es à 20, t'es tranquille. Non, en vrai, il va pas te tuer, il va essayer de me tuer. En tout cas. Et moi, je vais pas te tuer, gros. Moi, je tue pas les gens. Toi, t'es le mec qui fait l'étoile de mer en attendant que ça passe. Et à la fin, t'es le dernier sur la table. Je suis le mec qui gagne à la fin, mais qui tue pas les gens. D'accord, je sais pas qui est là. Pour 3. S'il y a plus lâche que ça. Je joue ceci sur ta ombre changeante. Viens me voir. La créature enchantée a la célérité et, au début de votre entretien, détruisez cette créature. Révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Ok, mettez cette carte sur champ de bataille et attachez-lui l'ombre changeante. Ah, c'est marrant, ça. À chaque tour, tu vas jeter cette carte et tu vas la remplacer par la première créature qui vient. Puis, prochain tour, tu jetteras cette même carte et tu changeras par la première Tous les tours, tu changes de carte. Mais elle a la célérité, donc tu pourras attaquer avec quand même. Et en fait, j'aime bien jouer ça contre Ophelos, parce que Ophelos, c'est un mec, il dit « Ok, j'ai ça. J'ai ça et en main, j'ai ça. » Et dans le cimetière de machin, il y a ça. Là, en fait, en faisant ça, il est zob. Il peut rien prévoir. Il est en mode « On verra. » Et les jeux random, c'est pas trop son truc. Je pense que ça l'emmerde un peu. En plus, ça lui enlève une 9-9. Mais j'aime beaucoup en plus le côté fun de la carte aussi. C'est rigolo. Très rigolo. J'aime bien. C'est pour ça que je vous la montre. Je me dis, allez, ce serait dommage de finir cette game sans vous montrer ça. C'est clair. Du coup, Rof. Bah, ok. Bah, de toute façon, j'accepte mon sort. Au début de ton tour. Ok, on fera. Créature disparaît. Et... On jouera à Random the Gathering. Ça va être cool. Ça va être cool. Bah, c'est génial. Bah, j'aime beaucoup. Ok, et une fois que j'ai fait ça, ça m'a coûté du coup 3. Du coup, ça, je vais attendre pour la faire et je vais quand même jouer des trucs. Parce que je peux. Oui, c'est moins mauvais que tout à l'heure. Je vais jouer ça. Voilà. Oh, je vais jouer ça. C'est joli. 4. 1, 2, 3, 4. La semence de la haine. Il a semencé toute sa haine, le père Maxildan. Elle arrive avec un marqueur plus 1 pour chaque autre créature rouge que vous contrôlez, un marqueur plus 1 pour chaque autre créature verte que vous contrôlez. C'est une de 2. Super. 1, retire un marqueur +1/+1, choisissez l'un, elle affiche une blessure ou tu crées un jeton 1-1, même à l'époque. Donc, si vraiment tu voulais envoyer un caillou sur Adi et tuer, tu pourrais. Tu peux tuer Adi à tout moment, et ça, c'est quand même particulièrement sympa. Parce que je compte bien sur lui pour m'aider à battre ton board dégueulasse. Et ce sera fait. Je ne vais pas le faire. Et je vais. Tu peux mettre le doigt sur la carte. C'est ça. Pour 3. À tout moment. Je vais jouer. Ben non, il peut plus. Ceci. Fureur inextinguible. Mais c'est pour montrer à Adi que je ne vais pas le faire, c'est, je n'ai plus de mana. Je ne peux pas la créature enchantée A. À chaque fois que cette créature attaque, elle inflige X blessures au joueur défenseur, excédant le nombre de cartes dans sa main. Et quand elle est mise dans votre cimetière depuis le champ de bataille, renvoyez-la dans votre main. Donc tu gardes, c'est toujours un truc que tu vas garder. Et tu vas pouvoir mettre des blessures en fait à distance. Sur qui tu vas mettre ça? Je vais la mettre sur mon éléphant.
ton éléphant. C'est la plus grosse. C'est la plus grosse, effectivement. L'éléphant, du coup, maintenant, peut tuer Adi d'un seul coup de corps. De trompe. Il faut que je la... Non, non, il faut que mon éléphant attaque. Ouais. Et quand il attaque, je suis mort. Ouais. Voilà. Il n'y a même pas de bloqueur déclaré. Ça, je vais juste aller me faire ça. Mais je ne vais pas attaquer Adi. Et là j'attaque Adi. Je vais attaquer. Alors Rof, il a quoi? C'est compliqué. Il a la 9, c'est mort. Il a 3-3, c'est mort. Je peux rien faire. Je vais donc passer mon tour. Merci beaucoup. Fin de tour pour Maxilda. Je sais, ça s'éternise un peu, mais je m'amuse. Ah mais donc, c'est le façon le commandant tu as dit pour le plaisir de tuer. C'est pour le fun. On est là pour rigoler. Pour ça, les gens disaient il y a un petit moment, est-ce que vous allez refaire une deuxième? Non. Mais en fait, il est 6h30. Vous vous rendez pas compte que on a l'impression que c'est fini, mais en fait dans une heure on y est encore. Non, peut-être pas quand même. Enfin, ça dépend. Bon, t'as fait quoi? J'ai pioché. Par contre, le pauvre Jérémy qui se fait full chier, j'ai presque envie de lui. T'as quoi? Prends cette carte, reviens. J'ai défaussé d'une carte. Et reviens, a new challenger. Donc, je paye un. Comme au poker, mets 10 balles et reprends cette carte. Je recave. Cette carte-là pour piocher une carte. Yes. Moi, si je peux me permettre, mon cher Adi. Mais va donc. Quand t'as une carte qui permet de piocher, fais-la avant toute chose. Mais c'est trop tard. Pour les prochains jeux de ton sang, t'as tendance à dire je pose un truc, puis je pioche. Autant piocher avant, comme ça tu as un maximum. Ouais, mais là c'était un marais du coup. Enfin, c'était une carte de terrain, tu vois. Joue. Ok. Est-ce que je le fais maintenant? Après, je pourrais plus l'utiliser. Mais après, c'est une 4-4. Ah, je vais devoir attendre un tour. Mais quel enfer. Oh putain. Je ne vais pas. Non, mais c'est plus par rapport à lui. Est-ce que lui il va te tuer? Ouais, je pense qu'il a plus envie de se débarrasser de moi. Tu as dit, moi. Ouais, personne veut te tuer en fait. Personne veut tuer, moi j'ai peur de lui, lui il a peur de moi. C'est magnifique moi, ce genre. Mais t'as pas envie d'attaquer avec lui? Bah ouais, le problème c'est qu'il va me l'exploser, du coup ça fait vraiment last tour. Ah ouais, mais piocher tes 3 cartes ça a l'air vachement bien quand même. C'est surtout que tu n'as pas le choix. Il est incité. Comment ça? Il attaque à chaque combat si possible. Ah ouais, bon bah très bien. Tu vas donc attaquer. Bah Rof. Attaque. Oh, franchement là, 100% attaque max. Rof, mais en fait, moi mon Terrasson va te bloquer. Attaque max, c'est pareil. Mais attends, tu sais pas ce que tu vas avoir, t'as peut-être une dose 12 qui va popper, frérot. Mais, attends. Mais il est en train d'attaquer avec sa 3-3. Tu es en train d'attaquer avec une 4-4. Initiative. Tout à fait. T'as aucun intérêt à m'attaquer moi plutôt que Max et lui faire perdre une bête ou lui faire perdre 4. J'ai pas envie de faire chez Max. Attends, juste un truc, mec, juste un truc. Parce qu'il peut me tuer en claquant des doigts. Ok, donc Adi. Là actuellement, ce que tu es en train pour sa défense, lui aussi, en vrai. Là, actuellement, Adi, tu es en train de me montrer que vous êtes deux contre moi. Oui. Le problème en faisant ça, c'est que dès que je peux te tuer, je te tue. Puisque je n'ai pas de. Si jamais tu me montres. Alors, le problème, c'est si tu me montres un petit peu, au moins de. Là, effectivement, si jamais tu pouvais mettre des dégâts, fallait m'attaquer moi. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas faire autrement. Là, ce que tu fais là. Mais. C'est évident. Laisse-moi finir. Je te laisse terminer. Je viens de dire ça. Il y a deux solutions. Soit tu m'attaques moi. Juste parce qu'il doit attaquer. Tout à fait. Et moi je bloque avec ma 9-9. Ta bête meurt, il se passe rien. D'accord. Ce qui se passe là. Okay. Si jamais tu dis à la place j'attaque Max, d'accord. Ta bête ne meurt pas. Et pourquoi? Parce que c'est une 4-4 initiative. Oui, mais il peut bloquer. Enfin, moi il le fera pas. Mais il le fera pas. En fait, là vraiment, si jamais tu m'attaques moi, t'es en train de me dire, bah en fait là vous êtes tous les deux contre moi. Donc en fait j'ai pas d'intérêt à te garder. Et vraiment, essaie au moins de garder l'intérêt que tu as à me garder. En fait, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que je te garde sous ma main, là je l'attaque, il peut me tuer, j'ai un point de vie. Mais non, en fait, il peut me tuer, il va pas le mais faire. Mais il va laisser passer, il va prendre 4 PV. Il a besoin de et après il va me tuer. Vous découvrez désormais que le t-shirt de Rof n'est pas là par hasard. Il est actuellement dans la vraie vie en train de jouer bleu. Bon, tu attaques qui? Toi. Attends, je repose la question. Non, je t'attaque toi, elle meurt. Voilà, et je vais payer 6. Hop, allez. C'est gentil, Adi. Et avec ces 6, je t'en prie. Je vais jouer un vampire, la sorcière. Ouh, elle est forte, je crois. Elle est ok, tiens. Elle est... Alors, pour contre, le blanc, je joue pas de blanc, mais c'est pas grave. C'est ça. Tu viens sur nous, Max. Quand elle arrive sur son bataille, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de vampires que vous contrôlez. Vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. Donc, c'est pas deux vampires. Ça aurait été intelligent de la jouer avant. Mais ce n'est pas grave. Tu vas quand même nous faire perdre. Bah, en fait, je l'ai chopé en piochant. Ah oui. Ah, sur ça, donc. Ouais. Tu ne pouvais pas le faire. Donc, tu vas nous mettre 2 et tu gagnes 4, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Donc, c'est bien. Vas-y, champion. Alors, attends. Il est de retour. Vas-y. T'es à 5. Moi, du coup, je suis à 16 et toi, t'es à 18. On va avancer. J'y vais? Je peux y aller? Alors, moi, j'ai un effet du coup à faire à mon entretien. Avant de piocher, je vais donc détruire ça.
puis révéler. Je vais révéler ici, de façon à ce que tout le monde ait la surprise. D'ailleurs, vous perdez... J'ai rien dit. C'est bon rien du tout. C'est ma balle là-dessus, okay, comme on dit. Si c'est une créature, tu dois la jouer. C'est jusqu'à ce que je joue une créature. Hein. Dès que t'as une créature, tu la joues. C'est une créature. Voilà. C'est une créature, tu la joues, c'est une 3-4. Ouais, elle arrive sur le champ de bataille. Vous pouvez chercher en bibliothèque une carte de forêt et d'île de base, la mettre sur le champ de bataille. Bon, écoute. On dit pas non. Hein? Donc ça, je crois que ça va en dessous. Et ça s'attache dessus, donc célérité. Et la célérité, je vais aller chercher une forêt de base. Forêt, oui, c'est pas préparé. Même pas engagé, non, c'est propre. Oh, elle est plutôt ok. Ça c'est d'étape. Je t'avoue que j'espérais une carte plus faible. Oui, en vrai, 3, 4, moi quand t'as joué ça sur moi, j'étais en mode bah ok, alors je perds ma 9 bah, sur oui, champ, mais à tous les tours j'ai une carte un peu nouvelle. C'était si je la faisais sur moi, fallait que j'attende le prochain tour. Là j'étais en mode c'est marrant, il enlève sa 9-9 et puis il aime pas le random. Certes. C'était mon entretien, je pioche. J'ai encore 2 cartes dans la main et 3 mana. J'ai encore 2 cartes dans la main, pas de mana. Chacune de ces 2 cartes peut rebattre les cartes. Bah c'est pareil pour moi. Les 2 cartes que j'ai font un peu plus de mana, mais les 2 cartes que j'ai peuvent faire la différence. Bon, on va reparler du concept de bluff dans un instant. Non mais c'est bien déjà d'avoir regagné PV pour pas qu'il puisse te one shot à tout moment. Ouais. C'est déjà bien. C'est vrai. Tandis que Rof se demande ce qu'il va faire. Il va en gagner encore des PV ? Non. Il va rater quand elle arrive. Ah, non. C'est fini. Elle a pas le lien de vie. Elle a juste le vol protection. C'est une 5-5 vol un initiative ETB. Au passage. Je peux quand même le tuer en vrai. Si je voulais. Parce que quand je vais piocher, je vais avoir 3 cartes en main. Du coup, il infligera 3. Non, c'est dans la main du joueur de défenseur. Attends, t'as... Ah, quand il va piocher. Donc, je peux pas te tuer, effectivement. Alors, excusez-moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mana. J'ai 10 mana, j'ai un intérêt à créer un jeton, mais ça va être un peu compliqué pour cette fois. Il va poser des dingues. Et du coup, ce c'est que clair. Je peux faire, c'est juste ça et ça, non? Je vais décevoir. Pour 10 mana, il peut faire des trucs. Avec du vert, tu payes 10, t'as une 40-40. Let's go. J'ai pas grand chose. Est-ce que j'ai un intérêt à faire ça? Ouais, pourquoi pas. Allez. Je vais mettre un Kraken effrayant. Il n'y a d'effrayant que le nom. J'arrive. Je fais ma sauce. Bon. C'est une 6-6 pour 6 à chaque fois qu'un Kraken, un Léviathan, une pieuvre ou un grand serpent que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de créature 9-9. Ah oui. Mais bon, faut qu'il passe hein, l'animal. Hein. C'est quand même une grosse merguez. À chaque fois qu'il touche un joueur, c'est ça? Bah lui-même étant un Kraken, ça marche. Mais du coup, en fait, ce qui est un peu sexy dans le jeu, c'est que si jamais je prends les 9-9 et qu'elle touche derrière, je fais... Parfait des 9-9. Bon, enfin... Et un peu... En gros, si cette attaque la passe, c'est la merde. Voilà. Mais il est là et il se passe rien de plus. Tac. Et donc ça paye 6 mana pour 6. Ouais, tranquille. Merci. Et du coup, je vais payer 3 pour mettre une clavelade prédatrice qu'on connaît bien. Oh, c'est fort ça. Une très bonne carte. C'est une petite 2-3 vol. Enfin, non, et à chaque, fois board, que je... à chaque fois que je touche un joueur, eh bien, je peux détruire un artefact ou un enchantement que ce joueur contrôle. J'ai payé 9 en tout. C'est une fin de tour. Ça commence à être problématique du côté de Rof. Arrête avec ça. Non mais y a pas de... Arrête avec ça. C'est problématique. Je vais donc piocher. Full d'avoir. Ah ouais. Hein. Tension est à son comble. Combien de créatures vous avez ? 3. 1, 2, 3, 4. On va faire ça, c'est marrant. Max, t'as dit 8, c'est marrant. Je pense pas qu'il y a grand chose après ça. Alors, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et
7, je crois. Attends, non, il me faut 8. Vous avez 7 cartes en tout ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je joue tout. C'est ça, hein ? Non, j'ai 9. Donc, voilà, pour 8 mana. Pour 8. Je vous propose cette petite blague. Allez. Aide des esprits de fumée. Donc il a payé X égale 7, c'est ça ? Cibler jusqu'à X créatures. Donc pour chacune d'elles, créer un jeton d'enchantement rouge aura appelé Bénédiction de fumée attaché à cette créature. Ces jetons ont enchanté créature et quand la créature enchantée meurt, elle inflige une blessure à son contrôleur et vous créez un jeton trésor. Ok. Donc tu as ciblé nos trucs pour faire en sorte que si elle meurt, on perd vous un point de vie. Vous allez prendre un point de vie à chaque fois que votre créature meurt et moi je vais gagner un trésor. Trésor qui permet de. Alors, du mana. Tu le sacrifies, tu gagnes un mana de n'importe quelle couleur. Par contre, c'est nous qui allons gagner le trésor. Oui, c'est le contrôleur. Ouais. Ah, c'est vous qui gagnez le trésor. Ouais, bon, après, en même temps, le trésor. Il y a tellement pas de mana. Très grave, là, il y a trop de mana. Mon intérêt, c'était plus. Je vous poke. Dès qu'elles vont mourir, tu vas faire. Quel intérêt. Surtout celle-ci directe, en fait. Qui est intéressant. Je pense que cette carte n'est pas très intéressante. Ah, folle. En fait, ça sert à modifier tes bêtes. Si. Non, ça sert en fait sur un deck comme le mien où j'ai 50 000 tokens. Ouais. Je vais envie de mettre ça sur et quand mes tokens meurent, j'ai plein de trésors. Du coup, je peux ça fait qu'elles sont modifiées, ça fait du boui-boui. Alors le modifié marche, mais le fait de dire, enfin, c'est risqué quoi. Ok. Eh bien, grand bien, t'en as. J'aime fait. Beaucoup le chat qui est magnanime. C'est nul à chier, MDR. Ah mais c'est absolument. on est d'accord, c'est nul à chier. J'ai évidemment d'autres plays, mais. Je prends mon temps. Ça met une sorte d'épée de Damoclès, notamment. À mon tour, monsieur Maxildan. Alors, je vais peut-être Tu peux attaquer qui ? Il y a de la 4-4 là-bas ? Il y a de la 5-5 vol initiative. Ouais, ça paraît compliqué pour lui et compliqué pour moi. Donc, en fait, je pense que. C'est un statu quo. Voilà. Allez ! Ça régale. Ah, on se défend tous jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sorte des 12-12. Moi, j'ai des 10-10. Ça compte ou pas ? Pas mal. Je vais payer, coûte combien 8, c'est ça, 4, 6, 8. Allez, 2. On dit que les trésors sont sur contrôle de Max. Créer un jeton. Tout à fait, c'est toi qui prends le trésor. Ah, c'est beau. Tout de suite, beaucoup plus intéressant. Excusez-moi. C'est lui qui contrôle l'enchantement. Hop là, et je vais payer 8 pour remettre mon stressant. Si vraiment, c'est pas bon. Donc, oui, ces jetons enchanté créature, et quand la créature enchantée meurt, elle inflige une blessure à son contrôleur, donc là c'est nous. Et vous créez un jeton trésor. Vous étant le contrôleur de l'enchantement, bien vu. D'accord. Très propre. Et vous créez ces jetons. Donc, puisque ce sont tes enchantements. C'est beaucoup bon, mieux. Bon, c'est moins pire qu'on pensait. Du coup, je vais le mettre. Ça c'est moins chier. Pas top, mais c'est quand même. J'ai payé beaucoup pour remettre pour la troisième. Il y a que moi qui joue mon commandeur, j'ai l'impression. Ouais, alors, genre, on retire ça parce que là, il nous a mis des trucs qui fait que. Vas-y. Bah, en fait. C'est la troisième fois. J'ai envie de le jouer, mais j'ai pas eu beaucoup de mana. J'ai eu assez de mana pour jouer mes créas. Et du coup, quand j'ai eu du mana, il a fallu que je défausse, j'ai enlevé mon mana. Donc en fait, je suis un peu short à chaque fois. Et franchement, lâcher 6 pour un. Aucun jugement de ma part. Ouais, t'aurais pu. En fait, tu peux commencer à faire monter tes bêtes. Oui, je sais, mais ça me coûtait 6. Et je vais attaquer Oliver Ophelos avec une 5-5 vol initiative. Eh bien, je vais prendre dans mon groin, je passe à 11. C'est mon étape de fin. Hop là. Un petit jeton sang grâce à Stréphon. Stréphon le frère. À moi de jouer! On fait l'ombre changeante. Donc lui meurt. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Attention! Ombre changeante, s'il te plaît. Balabalabalabalabala. Oh! Zimone! C'est pas la meilleure non plus. Une 1-2, c'est bien ça! Zimone! Très bien, une petite 1-2. Je peux mettre sur champ de bataille, engager une carte de terrain de votre main. Ou alors piocher une carte si vous contrôlez au moins 8 terrains. Piocher 2 cartes à la place. Ça va, tu vas te mettre bien quand même. C'est plutôt pas mal. Plus ça, la célérité, t'es tranquille. Ouais, c'est loge. Ok, donc ça c'est en dessous, je crois. Voilà, toi, bon, c'est deux forêts. Et du coup, je pioche. Ok. Et pas si nul, Zimon. Ouais, il va piocher deux cartes là. Et puis au prochain tour, elle va dégager. Olivier, tu perds un point de vie. Oui, Sildan, tu crées un jeton trésor. C'est vrai. Moi qui est là. Oh, pas ça, c'est à moi ça. Il allait me retirer un point de vie. Non, j'ai eu faire. What non, the non. Très bien, j'ai un jeton trésor. Ok, alors, c'est le moment où il va se passer des choses. Il a fait du mana, quoi. Mana usage unique.
Il te reste combien? Il te reste 2, 3 mana, 4 mana et 2 cartes. Cartes en main. Et toi, il te reste du coup 2 mana. Bon. Ça joue préco. Oui, on joue avec les decks préconstruits de, des éditions récentes. On joue avec les deux decks préconstruits de Kamigawa. Excuse-moi. Et avec. C'était quel les Kamigawa? C'était le tien et Kamigawa. Ah, le mien et Kamigawa. Okay. Pilote et modification. Les vampires, c'est Innistrad dans ce cas-là. Est-ce que de Widir dit que. C'est vrai, ce ton deck est plus fort. Pas le mien. Non. Non le mien contient une excellente carte. Okay. Qui est très recherchée parce qu'elle n'existe que dans ce deck-là, qui est le Tortank. Là. Vous en avez vendu un paquet. Ouais, bah, Kamigawa en général a été très très populaire. Les gens ont vraiment adoré. Et en vrai, maintenant ils font. Alors le coût des decks commandeurs a augmenté. Mais en contrepartie, Wizard met quand même des bien meilleures cartes qu'avant dedans. D'accord. Donc ils te mettent des bons petits Planeswalkers qui font plaisir. Et au Mentor Tank. C'est marrant de se dire que la puissance des cartes peut avoir un effet sur le prix du truc, alors que ça n'est que du game design. Tu vois ce que je veux dire, ça reste du carton. Eux, ça leur coûte la même chose. Ouais. À un moment, ils se disent, attends, cette carte, elle est bien, et la boum, attends, ils sont tous en train de se battre avec des canifs. C'est quoi, on va tous leur donner des haches. Et on va tout monter de 5 euros. Ouais. Au lieu d'avoir des 2-2, ça va être des 6-6. C'est juste plus cher. Ok, j'ai mon play. Clairement. J'attaque. Oui, Skulls, le Tortank, c'est le cas par artefact. Ça sur max. Ça sur Adi. Ça vole pas ton Kraken. Non, non. Ah, attends, du coup, ils sont combien tes merguez là? C'est des 4-3, 2-2, 3-3. Elle a l'initiative aussi, du coup, grâce au capitaine. Et ça sur max. Adi, Kraken. Ok. Tranquille. Surtout pour tout ça qu'une bête. Clavlad. Ça vole. Qui vole. Et une 4-4 qui vient te voir. Une 3-3, pardon. Qui vient te voir, mon cher. Donc je ne peux rien faire contre lui. A priori. Non. Il semblerait que tu n'aies pas de volante ni de portée. Par contre, je peux contrer celle-ci. 3-3. Tu peux même faire le play emblématique. Est-ce que. Si je tanque comme ça, est-ce qu'avant qu'elle meure, je peux la sacrifier? Nanana, nanana. À l'époque, oui, maintenant. Tu peux, mais elle fera pas ses blessures. Ah, je peux. Tu peux juste bloquer avec l'ancêtre en fait, et dire et je le sac. Je fais, en fait, c'est comme si je bloquais comme ça. Ou tu bloques juste avec ça et tu le sacrifies en aider. Elle pas fera pas ses blessures, mais elle bloque quand même. Si elle a pas le piétinement, elle fait pas ses blessures. Une fois qu'elle a été bloquée. Ça me va parce qu'au moins elle meurt pas. Ouais. Donc tu mets lui sur lui. Clairement faire ça, ça me semble être le meilleur play. En fait, c'est. Ou sinon. Attends, c'est pour faire quoi? C'est pour piocher une carte? Allez, cherche un terrain. Un terrain de. D'accord. Je vais mettre les deux et je vais bloquer du coup pour la tuer. Adi. Je vais bloquer avec une bête. Évidemment. Avec ma bait. Donc, la bête, elle est 3-3, elle bloque ma 6-6. Et du coup, moi, j'ai une 3-3 qui me fait bloquer par ça et ça. Dans l'ordre, je vais les mettre comme ça. Dans l'ordre de tir. Il va jouer des trucs. Oh, il va manigancer. Regarde, je les ordonne. Il moins 8, moins 0, blablabla. Si je mettais. Plus 3, plus 3 à chaque créature non humain que je contrôle. Ah regarde, merde, putain, ça donne pas le petit signe. Et puis alors en plus, frère. Je sais pas ce que t'as branlé, gros, mais regarde, la caméra, y'a rien qui va là. Vas-y, remets ta carte. Non, parce que je vais pas la jouer. non, parce que je vais pas la jouer. Putain, je pensais que ça filait piétinement, je suis dégoûté. Alors, je crois que t'as bougé en fait. Non, mais en fait, ça sert à rien à foutre là. Non, mais c'est juste pour qu'il fasse son cadre, en fait. Ah oui, en fait, pardon. On a une émission. Mais on n'est pas juste en train de jouer, en fait. Je sais que tu prends du plaisir, mais on bosse, là. Voilà. Je suis très déçu. Je pensais que ce jeu pouvait piétiner. N'est pas Overrun qui veut. Voilà. Eh bien, je n'ai aucun effet. Ah. Ok. Bah, moi, du coup, ma créature meurt, mon jeton meurt et je perds un point de vie. Et tu fais attends. Deuxième trésor. Est-ce qu'avant qu'il meure, je peux pas faire sa capa? Tu peux le faire, mais ça fait que ça tuera pas en face. En gros, c'est si tu décides d'aller aux blessures, tu peux plus rien faire. Pas, c'est là. Oui, tu parles l'autre. Ah. L'autre, si jamais tu dis je vais mettre des blessures, c'est ça de moins. Parce que du coup, tu dois lui retirer des marqueurs, c'est ça hein. Ah. Du coup, ouais, nul. Ça fera baisser sa force. Enfin. Donc. C'est bon, j'étais juste en mode je pense pas que ça faisait blesser. Ta bête mère aussi, Olivier, donc ça fait un troisième trésor. D'accord. Et t'as perdu ton 1? J'ai pas perdu mon 1, moi. T'as perdu ton 1. Et je crois qu'Adi l'a fait. C'est bon, Adi j'ai perdu mon 1. Et Adi l'a fait. Et du coup, le trésor, j'ai Max perd 2.
Parce qu'il s'est pris un coup de Trion. Il s'est pris un coup de Clavelade qui du coup va tuer ton enchantement. Ah oui, tuer les enchantements, j'ai pas vu son effet, ok. Quand il touche, il pète un artefact ou un enchantement. Je le tue. Non, non, c'est il revient dans ta main. Ah, ça fait juste que je ne peux plus. Il revient dans ma main. Oui. Je ne peux plus tuer Adi. Voilà, c'était ça. Tu peux, mais il faudra jouer trois fois. Ouais, je est-ce que c'est à toi de jouer encore? C'est est-ce encore que à moi de jouer, tout à fait. Beaucoup de mana. Je vais donc, du coup, j'ai deux. Alors, je crois que ça vaut le coup de piocher là. Ça vaut le coup de piocher. Ouais, je vais d'abord piocher. 1, 2, 3, 4. Je vais piocher deux cartes avec elle. Puisque je contrôle au moins 8 terrains. 1. Je vais jouer un Balot déchaîné pour pile 6. Chaque fois qu'un terrain est sous mon contrôle, je crée une 4-4. Et donc, j'ai pioché le terrain que je voulais. Donc, une 4-4. Une 4-4. Bah yes, écoute. Hein. D'où le 4-4, hein, d'ailleurs. Yes. Donc il révèle son vrai visage, il va vous défoncer. Non, mais ça va, non mais tranquille, moi je veux qu'il gagne. Donc. Je vais faire ça, et du coup, comme j'ai posé un token, je vais piocher une carte. Ok, eh bien je suis pas mal content d'avoir attendu. Ouais, ça a l'air d'être le moment. Il a mis ses lunettes déjà. Ouais, c'est qu'il y a un truc. Non, il n'y a pas de 9-9 qui pop parce qu'il faut que le Kraken touche et le Kraken a été bloqué. Tout à fait par une bait. Dans ma tête, il y avait le piétinement sur mon boost, mais ce n'est pas le cas. Tiens, pour deux déjà, je vais foutre. Ouais, t'as pioché. Ça va la détruire ça c'est... Créature, c'est bon. Créature. Et ensuite, t'as combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7. Collision de royaume, encore un truc infernal. Chaque joueur... c'est ça qui est très bon. Chaque joueur mélange toutes les créatures qu'il possède dans sa bibliothèque. Chaque joueur qui a mélangé une créature non jeton dans sa bibliothèque de cette manière révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature, puis met cette carte sur le champ de bataille et le reste en dessous de sa bibliothèque. Ok, donc en gros, les tokens ne comptent pas, c'est ça hein? Et bah, ils vont à la poubelle quoi. Donc, les tokens vont à la poubelle. Alors par contre, tous les trucs qui vont crever là, ça me donne des trésors. Non, ça crève pas justement. Comment ça se crève pas? Mais d'accord, c'était bien mourir. Quand la créature enchantée meurt, là elle meurt pas, elle est remélangée. Ça va pas marcher. Ah, c'est pas. Ça fonctionne pas. Donc ça dégage. Bon, allez, hop, on s'en fout. Donc moi, du coup, j'ai 1, 2. Attends. Qui peut être ça? Chaque joueur mélanger. Okay. J'ai rien compris à la carte. Hein. Donc toi, tu mélanges 3 bêtes, c'est ça? J'ai 3 bêtes. Ok, tu vas aller mélanger. Alors, non, parce que. Lui, t'as le choix. Soit tu le mets dans ta bibliothèque, soit tu le remets dans ta zone de commandement. Et pour chaque mec que t'as mis dans ta bibliothèque. C'est écrit pour chaque ou c'est une chaque joueur qui a mélangé une créature non jeton de cette manière révèle les cartes de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il y ait une carte de créature puis met cette carte sur bataille et le reste. Ah non, c'est qu'on, c'est pas pour autant de. Tout le monde va avoir. Hop hop hop. Je viens d'entendre ce que tu viens de dire par contre. Ah. Et t'as tout intérêt à sacrifier ton. C'est pas ça, c'est que du coup, en fait, si je fais ça, moi aussi je dois le faire, oui. Sauf que je n'ai qu'une créature jeton. C'est-à-dire que je ne vais du coup. Ah, t'as pas de créature dans le jeton? T'as rien? Tu vas rien faire. J'ai rien. Donc, pour que la blague aille jusqu'au bout, faut que je pose une créature. C'est pas grave. Je peux juste poser mon commandeur avant de jouer. Si t'avais assez de mana, ouais, c'est ce qu'il faudrait faire. T'as 6 mana de plus, gros? T'as 3 mana. Ouais, ça fait 4 mana. Ça sent le vieux cul, cette histoire. Alors, j'ai. Attends. Il fallait combien? Il fallait 7 plus 6. Ah ouais. En plus, t'as pas intérêt à faire ça, ou Bah, c'est pas ça, c'est que si je fais pas ça, bah du coup, je joue rien, c'est chiant. Ah, bah, t'auras... Et tu sors une créa, et moi j'ai couille vide. Tu viens le board quand même. Ouais. Je suis un peu déçu. Bon, bah ouais, j'ai pas le choix. Je suis déçu, mais j'ai pas le choix. Ok. Bon, ça, j'imagine qu'il va aller dans ta. Et donc, du coup, lui, il va dans mon deck. Non, lui, ça existe. Ah, ouais, non. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ces deux créatures, j'en fais leur mélange. Ça rigole. Tiens, je te rends ça. Dégagez tous les tokens. Bordel. On mélange les bibliothèques, c'est ça? On mélange tout, ouais. Je suis désolé de t'avoir tué. Il a franchement, je pensais pas qu'il y avait aussi Kraken. Non, t'as peut-être t'as touché. Non, c'était il y a longtemps et il s'est trompé. Okay. Faut qu'il touche le joueur et elle a touché le joueur. Donc là, on va jouer à la roue de la fortune. Vas-y, on te si laisse, tu tombes sur la bonne créature, tant mieux. Et j'ai sinon, une seule, je monte jusqu'à ce que j'ai une seule créature et je la mélange, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Et moi, je ne le fais pas. Et tout ce que je révèle qui n'est pas une créature, c'est sous la bibliothèque. Éclaté plein de bêtes. Attention! Vas-y, attends. Zone carte, zone carte.
on est là. En fait, je voulais jouer à la chatte de... Ah, voilà. Et ben, on a une belle 6-6. Hein, oh, le bâtard. Il va gagner. À la fin, il gagne. À chaque fois que elle ou un autre vampire est sur en bataille sur votre contrôle, quoi, elle se bat. Bon, bah, alors... Ça dépasse, ça va le faire. Ça va le faire. Bête, hein. Ouais. Faut voir ce que tu vas avoir aussi. Si tu ressors un terrastodon, c'est pas bien. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous le faites maintenant. Du coup, après, ça va être à ton tour. Du coup, elle aura plus le mal d'invocation. Je pourrais attaquer avec ma 6-6, tout à fait. Attends, je veux bien avoir le. Tu peux regarder Gazer, s'il te plaît. Le mec commence. Je crois pas. Bah, attends. Il y a marqué chaque joueur qui a mélangé une créature non jeton dans sa bibliothèque de cette manière révèle les cartes du-dessus de sa bibliothèque. Je sais ce qu'il avait une carte de créature, puis met cette carte sur le champ de bataille et le reste au-dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est hyper pour clair. Pour moi, non. Parce que pour moi, cette capacité se fait dans l'ordre du tour. C'est d'abord toi. Et bah, lui. Donc c'est lui, parce que moi je le fais pas. Oui. Et donc si c'est d'abord lui. Ah, tu veux savoir quand c'est fait. Tu veux savoir quand c'est fait. Ouais. D'accord. Parce que si c'est simultané, il y a une chance que je puisse tuer sa créature, magique, un truc hein, comme c'est, ça. Tu vois. C'est toujours rien d'ordre. Hein. D'accord. Je veux pas me faire bolos ma créature par une, pour une histoire de règles. Alors, comment elle s'appelle Mais je gruche pas, c'est les règles. Il me semble que c'est dans l'ordre. Hein. Quand il y a un truc comme ça, généralement c'est dans l'ordre du tout. Regarde, Collision of Realms. Qui a un site qui s'appelle Gezara. Ouais. Ça liste les. Parce que parfois, ils changent le texte des cartes. Donc ça te dit la carte, son texte officiel en tournoi, c'est ça. Alors, je pinaille aussi pour les autres, figure-toi. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai essayé de voir si Max pouvait pas avoir plus de points. Non, c'est vrai. Non, je suis impartial. Mais d'accord. Ophelos contre... Oui. Toutes les créatures sont mélangées dans la bibliothèque au même moment. Ça, d'accord. Puis, tous les joueurs qui ont mélangé révèlent des cartes. Toutes les créatures révélées de cette manière arrivent sur le champ de bataille en même temps. Il n'y a pas de simultanéité. Il n'y a pas de simultané dans Magic. Il n'y a pas de. Ouais, allez. Tu veux dire qu'elles ont le même timestamp. Je t'invite à mettre mais si je fais une Blood Moon, qu'est-ce que ça fait. Donc tu vas te faire baiser. Dégage-moi. Alors donc. Donc elle va arriver. Attends, t'as pas le choix ou pas Vampire. Attends. Okay. Se bat, ouais. Se bat juste. Je suis obligé. Non, jusqu'à. Si jusqu'à, tu peux dire zéro. Tu vois là, par ah, exemple. Ah, super. Tu vois bien que je ne cherche pas à niquer. Très bien. Donc c'est-à-dire si t'as une 9-9, bah. Je ne le ferai rien. Ok, ramène ta merguez. Attention, Max. Attention. Excuse-moi. Attention! Et une 9-9. Ok, non. Un verger. Un verger attention. Exotique. Ah, je sens que mon bon mathématicien. Eh ben, c'est. Il fallait faire du sport et pas des maths. C'est pas si mal. C'est pas si mal parce que ça va te faire une bête. Aïe. Créer un jeu. Ah, j'aurais une petite bête. T'as un petit fractal. J'aurais un petit fractal. Et. Mais attends. C'est une 0-0 avec un marqueur plus 1 plus 1. Ben non. Si. Si, ah si. Il arrive. Quand il arrive, du coup, il se prend tout. Bah, effectivement, j'aime pas trop les maths. Mais il va quand même se prendre un coup de gourdin d'argousin. Et du coup, comme elle meurt. Est-ce que je mets mon petit jeton sang aussi? Je crois bien. À chaque fois qu'une créature blessée par l'argousin meurt. Ah bah oui, 100%. Ah bah voilà. Et le petit. Et il est pas beau celui-ci, oh, regarde. Le un deuxième. S'est fait égoumer, mais oh là là, oh là là. Et là c'est son tour, il a deux jetons sang, il va se régaler. Ouais, bien sûr. Il va se régaler. Et moi j'ai couilles vides. Et en vrai, si vous êtes d'accord. Tu peux le faire à tout moment ça. Juste pour, à la fin en du plus, tour. Pour la blague. Est-ce qu'on peut regarder ce que j'aurais eu si j'avais une créature? Après je remélange. C'est moi, juste ça me dérange pour pas, voir si sûr. J'avais eu une dinguerie ou si j'avais eu que de la moi, merde. Ça me dérange pas. Pour le show. Le show. For the show, man. J'aurais eu. Attention, il aurait eu. Pas ça. Non. J'aurais eu. Pas ça non plus, du coup. Ouais. J'aurais eu. Pas ça non plus. Non. J'aurais eu. Un truc à un moment. J'aurais eu. Toujours pas. Il n'y a j'aurais plus... eu ça. Une 0-0. Enfin, c'est une 2-2, quoi, qui arrivait avec. Oui, c'était pas très sensationnel. Moyen. Très moyen. C'était je crois que je préfère ne pas l'avoir tiré. Oh, t'es encore à 16, hein, t'es encore bien. Bien. Mon cher Adib. En fait, je vais, bien vu, Jam, je vais utiliser mes jetons sang en fait avant que ça soit mon tour. Pour piocher deux cartes. Fais-le. Ah oui, d'accord. C'est ce que je veux dire, ouais. S'il me reste, il me reste 4 mana dégagés. Là, tu pioches. Ah oui, t'as pas de gros vampire en main, d'accord. Tac, je me défausse. Ouais. Hop. Je pioche une carte. Et je fais le deuxième. Pour 1. Je me défausse. Ça a l'air décevant. On a connu mieux. Ça manquait d'enthousiasme. Ah, ça c'est mieux. Okay. Dégagement. Putain, il va gagner, il va gagner. Ouais. Vas-y, Adi. Moi, il m'a fait une promesse au tour d'avant qu'il a intérêt à tenir. Il a dit qu'il allait m'attaquer. Maintenant que j'ai les couilles vides, j'ai plus rien, que j'ai tout donné pour la mère patrie. Pour la mère patrie. Elle arrive engagée. Bien vu, bien vu, bien vu. Fais gaffe. Hein. Je t'avoue, j'ai eu un terrain, j'ai même pas lu, frère. C'est lui qui m'a dit. Il m'a dit. Mais quel traître. Qui a dit ça plus, après tout ce que toi, tu m'as chuchoté. Je m'occupe de Max au tour d'après. Mais le mec il essaie tout d'inventer des non, réalités non, alternatives. Non, 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 pas. Adi, regarde-moi dans les yeux. Est-ce et que... dis-moi que tu m'as pas dit que t'attaquais Max autour après. Est-ce que le chat a une preuve de ça? T'as une caméra t'as en passage. Je t'attaque Max autour d'après. On fait ce que tu veux. Ok. Est-ce que tu veux nope. Tiens, que tu il veux a on verra si t'as un marqueur plus en puissant. Je vais payer 3.
Nope, pas preuve, mytho. Tu vois, je vais payer 3, je vais jouer une carte de vampire, 3 pour une 3-1. À chaque fois que cette carte-là ou un autre vampire non jeton que je contrôle meurt, je crée un jeton trésor. Donc celui qui permet de créer des... Enfin, d'avoir du mana, la couleur que je veux. Attends, à chaque fois que machin, un autre vampire contrôle meurt. D'accord, ok. Et tu peux payer un sacrifice d'artefact exilé à carte. Okay. Je pensais pas que la partie continuerait aussi longtemps quand même. Je suis un peu dégueu. Je suis mort, je me suis dit, bon, allez, ils vont tous se rebuter. Lui, avec sa 15-15, il va finir. Et j'attaque Max Ildan avec une 6-6. C'est quelqu'un qui a une parole. Oh, pourquoi j'ai et fait regarde, ça et ils sont trop fiers là. Oh non, danse, danse, marionnette. Non, je suis pas fier. J'ai mal joué en plus. J'ai très mal joué. Je suis très déçu de mon move. Et je vais payer 5 comme un gigantesque connard que je suis dans le désordre total. Ah, il avait un truc. Ouais, j'avais une soif de sang. Ah, j'ai très mal joué. Bah, c'est bien, c'est très très bien, soif de sang. C'est exactement ce qu'il fallait. Ah ouais. Alors, on va regarder la carte. D'abord, tu bah oui, mais non, en fait, j'aurais dû faire lui et ensuite jouer elle. Tu vois, dans ah, l'ordre. Tu veux dire pour qu'elle aussi ait la soif de sang. Oui, du coup, oui. J'ai fait de la merde. Bah, t'as quand même une 6-6. C'est bien. Ouais, mais j'aurais pu avoir mieux. Ça va win. Ça va win. J'ai fait du caca. Et elle, elle vole en plus, incroyable. Hop là. Et c'est à ton tour, Olivier. Là, j'ai rien dans les mains, rien dans les poches. J'ai un play sympa. Ah, je suis une merde, putain. Ne m'inquiète. J'aime pas ce que je vais voir là. Laisse-moi encore un tour, s'il te plaît. J'ai un play sympa, je vais pas te tuer, Max. Ah ouais? Sachant que tu sais ce que j'ai en main. Trigger baston du vampire, on dit. Ah oui, 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 oui. Tu as deux fois des vampires qui sont arrivés. Et à chaque fois qu'un autre vampire arrive sur le champ de bataille, tu peux choisir qu'il se batte. Donc en fait, t'aurais pu péter ça. Je savais même pas que c'était possible, mec. C'est à chaque fois qu'un vampire arrive. Donc ok. Tu peux dire lui et tu lui. Ah, je savais pas du tout que c'était jouable. Est-ce qu'on me l'accorde ou est-ce que c'est trop tard? Je comprendrais que ça soit trop tard. En fait, les deux. C'est-à-dire que je l'avais vu, c'était jusqu'à. Je lui ai rien dit parce que là, jusqu'à. Non mais jusqu'à ça va. Jusqu'à, je peux quand même garder ma fractale de merde. Vraiment une ordure. Mais non. Attends, si tu penses bien. Du coup, avait marqué... du coup, moi, je te l'accorde. S'il y avait marqué vous devez, je l'aurais dit. Mais full aussi. Mais il y avait marqué jusqu'à. Je me suis dit ma fractale, elle résiste. Allez. Hop. Bien vu. Merci et beaucoup. Et le jeton sens. Les cartes personnes à Jérém, les caméras à moi, les micros aussi. T'as perdu. Hop. Et bien, je vais quand même essayer de vous la mettre. Merci beaucoup. Extrêmement profondément. Pour ça, il me faut 9 mana. Deux, j'ai envie de crever, trois, je crois, s'il va quatre, se passer ça, juste me rendre fou. 5, 6, 7, 8 et 9. Ça restera demain. Alors attends, je vais peut-être faire mieux du coup. Je vais peut-être faire même encore mieux. Je vais lander et je vais garder ça. Trop bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, j'ai 9, dont 2 bleus. Et du coup, je peux faire ça maintenant. On est d'accord que ça compte pas? Impeccable. J'ai peur. Ouais, je suis en couille vive. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai 10 PV et je suis mettre... penché en avant, je ramasse la savonnette. Qui est arrivé? Ce sera en réponse. Pour 9 mana! Attends, tu veux pour le copier? Non, c'est pas copier, ouais. C'est. Oh, ça va, ça va, c'est gentil. Je vais faire un play qui m'excite d'avance. Non? Arrive pas. Hein. Rite de duplication. Oh. Crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Si ce sort a été kické, ce qui est le cas, crée 5 de ces jetons à la place. Et si je crée 5 Argousine Markov pour exploser le board d'Adi. Tu donc, peux je crée ces jetons. Oh, putain. Attends, il va faire 5 meufs, 6-6 là. 5, 6-6 qui mettent un coup de gourdin quand ils arrivent. Ça, ce sont aussi des trucs, hein, tant pis. Voilà, et du coup... Du coup, je regrette d'avoir mal joué, puisque... Du coup, les cartes vont vouloir se battre contre les tiennes. Mmh. Et en réponse à leur arrivée en jeu, eh bien mettons-leur un petit marqueur plus 1 plus 1. C'est sur chaque créature arrivée en jeu, aussi. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature. Ah bah non, pas de regret alors. T'es vraiment un seul type. Zéro regret. Je suis vraiment horrible. Et donc, du coup, elles sont 7-7. Et donc, du coup, toutes tes bêtes meurent. Non, mais c'est bon. En fait, c'est des 6-6 avec un. Et tu vas faire 3 jetons 100. Ah non, oui, si, c'est ça, 3 jetons 100. Et du coup, attends, et t'as tout détruit? Il a tout pété, il a des 7-7 et il a des jetons. Comment ça, t'as tout pété? Alors, tiens, mets ici ce que j'ai. Instant triplet. L'avare. Mais la en fait, garde-la cette carte parce que de toute façon, il va falloir qu'on l'ait. Argousine Markov. Donc, j'ai copié ça 5 fois. Mm. Ça dit que quand elle arrive sur champ de bataille, ou quand un autre vampire arrive donc sous votre contrôle, elle se bat contre jusqu'à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. D'accord, donc t'as fait boum, je me bats, boum, je me bats, boum, je me bats. Mais du coup, t'en perds une parce qu'il y en a une qui s'est battue contre. Mais non, parce qu'il a mis un marqueur plus 1 plus 1. Toutes mes bêtes qui sont arrivées en jeu sur 6 ont un marqueur plus 1 plus 1. Je fais donc en réponse à l'effet. Et la partie se passe plutôt bien. Il est infect. Oh l'enculé. On a envie de le baffer. Voilà. Et donc, ça, c'est. Bah, tu sais quoi, mets-la quand même de côté.
parce que on va avoir besoin. Bah, tu sais quoi, je vais même en remplacer une. Et remplaçant une parcelle. Voilà, on sait que c'est un token, mais voilà. Et t'as 3 jetons sang en plus, si ça c'est pas bon. J'ai 3 jetons sang, je veux bien que je les récupère, puisqu'effectivement il y a ça. Bah, il me reste du coup mon petit idole. Et elle, c'est une. Qui va me permettre de piocher une carte. J'ai déjà landé. Bon, c'est à mon tour de jouer. Yu-Gi-Oh. Putain, j'étais si bien dans la game, j'ai envie de me couper les parties molles. Là, il a, il a fait du sale. Après, il y a plein de cartes qui permettent de clean the board. Hein. Je suis pas encore. Ouais, on en a déjà utilisé 2 ou 3, je crois, quand même. Je vais pas faire ça. T'es létal, tu tues tout le monde, mec. Tu tues tout le monde. Oh. Ah, quoique, il peut pas m'attaquer, je crois. Ça va pas marcher. Parce qu'il peut le faire, il est pas obligé. Ah ouais. Je veux pas être défaitiste, top mais. Ils vont faire le tour. Non, je l'ai. Alors, je l'ai pas pioché à ce tour-là. J'ai pioché. Attends, depuis tout à l'heure, je me dis. Ok, ton truc. Ah ouais, j'ai rien pour piocher. Point de règle dans le chat, ça crée des copies, ça n'invoque pas les créas, donc elles n'arrivent pas en jeu. Si on n'est pas Hearthstone. Un jeton, il arrive en jeu, quoi qu'il arrive. Alors, il n'est pas lancé, c'est pas un sort, mais il arrive en jeu. Eh bien. C'est un magnifique fin de tour proposé par Axilta. Ah, j'ai quand même la jouer, hein. Je serais toi, je garderais mon honneur. C'est quoi ce truc? Je vais quand même la jouer, gros. Allez, ah, je vais la jouer. Il joue sa fourmi agitatrice. Une fourmi agitatrice, mince. T'as peur? 2-2. Au début de notre étape de fin, chaque joueur peut mettre 2 marqueurs plus en plus sur une créature qu'il contrôle. Inciter chaque créature sur laquelle ces marqueurs ont été mis. Ça veut dire que je peux mettre des marqueurs, attaquer Adi avec. Ouais. Et comme ça, tu m'attaques pas. Oui, mais sur la bête en question. Sur chaque bête, c'est ça, hein? Ouais. Non, c'est sûr, une créature qui compte. Alors là, puis je vais mettre ça dessus, comme ça j'ai et les mains vides. Et la fureur inextinguible, évidemment, qui, voilà. Qui régale. D'accord. Le mec n'a toujours pas envie de jouer son commandant. Je pense que c'était le bon moment. Ah, ça, bah là, j'ai peut-être assez, du coup. J'ai peut-être assez, parce que j'ai vraiment une chier de mana. Hein, parce qu'en... Il me fallait combien pour faire tout ça? 6. 4 plus 6. Je crois que c'est bon. 10. C'est bon, je les ai. 10 piles, ouais. Allez. Il te faut 12. T'as la taxe du commandant. Ah oui. Oui, mais du coup, en fait, il y a 6. Là, il y a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais attends, là, t'as bien payé 6. Ah oui, pardon, 1, j'ai 2, dit 4. 3, 4 5, excuse-moi. 6. Non, mais c'est bon, tu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon, si tu craques tes trésors, t'es bien. Je craque mes trésors, j'en ai rien à foutre. Et du coup, comme tu contrôles. Alors, c'est quoi cette merguez? Alors, fallait peut-être les mettre dans un autre sens, mais je sais plus. C'était mieux dans un autre sens. Ouais. Vas-y, dis-moi, je mets marqueur sur des trucs. Au début, t'interviens fin, mais crée un marqueur plus 1. Et donc, tu vas mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur. Sur la fourmi. Allez, Rofelos, est-ce que tu veux mettre des marqueurs plus un sur jusqu'à 2 créatures que tu contrôles? Non, c'est d'abord Adi. Il est pas mort. Hein. Il a pas de créature. C'est au début de son étape de fin à lui. Ah, l'étape de fin à lui? Ouais. Eh bien oui, effectivement, je veux bien mettre 2 marqueurs sur elle, et promis, elle ne t'attaquera pas. T'as pas le droit. Ok. C'est à mon tour. C'est incité que pour la bête. Ouais, ouais, c'est que... On va faire le... Oui. Mais, là, c'était j'ai chaque cru un moment. Ça. J'ai cru que j'allais pouvoir gagner un mais moment. Mais regarde, là, avec ça, tu vas clean le board et t'as gagné. Et c'est maintenant. Ah. C'est après. Voilà, hop, je fais donc, je paye mon jeton sang oui. Pour un mana, je sacrifie, enfin, je défausse plutôt. Ce magnifique marais. Et là, par contre, là, il se passe un truc puisque. Et là, bim. Oh, c'est triste. Vas-y, montre. C'est triste. Il y avait un colère d'Olivia, de il y a le mot colère qui fait peur. Chaque créature non vampire gagne moins x-x jusqu'à la fin du tour, extend le nombre de vampires que vous contrôlez. -0, -0. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vais dire, est-ce que je peux jouer mon commandant qui coûte 25? Ça il coûte combien? Coûte 10. Coûte 10. À 10? Bah allez, ouais, je vais payer 10 pour le go. Vas-y, hein, ouais. Histoire d'opposer un peu de résistance à Rofelos quand même. 8, 9, et en plus, quand ce man est dépensé pour lancer un sort de créature qui. Ah bah non, en plus j'ai pas donc non. Allez. Peu importe. Allez, 10, il arrive avec ses valises. Il est intuable le mec, hein, il est revenu 12 fois. Voilà, c'est un vampire en même temps. Hein, à ton tour, Oliver Ophelos. Bon, fin de game en vrai, je pense que là. On va essayer de faire okay, ça de façon propre. Fais ça propre. Mais effectivement. Pardon, excusez-moi. En fait, j'ai fait venir ça. Il y a une modification. Par contre, il y a un enchantement. C'est du ça, coup, quand t'as dit, je l'ai pas fait dans l'ordre, j'étais en mode bah. T'es vraiment un enculé. T'es le pire des pires. T'es vraiment une sale race. Non, mais là, en fait, quand, on est sur je répète, parce que vraiment, les gens vont me chier dessus. Quand c'est des trucs obligatoires, je le dis. Quand c'est pas obligatoire, bah tu. Enfin, surtout à mon moment de la partie, bon. Mais ça me dérange pas. Quand il y a de l'enjeu comme ça. Quand y a... Attends, il y a un truc à gagner. Mais elles sont 7 obligatoires. À chaque fois qu'une aura ou qu'un nananana. Tu l'as joué après. Ah oui, non, mais.
Mais si tu reviens, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, t'es vraiment une sale race. En fait, attendez, on est en train de m'accuser. Alors c'est moi qui ai dit, joue ton commandant, pardon. Oui, d'accord, non. Mais évidemment que s'il fallait le jouer avant, j'aurais joué avant. N'empêche que c'est pas encore fini. En fait, j'ai oublié mon commandant parce qu'il est pas dans ma main. C'est pas terminé. Bon, on va si c'est pas dans ma main, cette partie. Commandant, faut avoir le temps que je mette dans ma main. Allez, on va finir. Je vais faire un portrait caché. Allez, on va finir. Il a dit. Il a que 9 PV, il y a quand même un monde où on le tue. Non. Ah, ouais, là c'est over. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu me tues. Non, mais c'est pas possible de le tuer. 3, 4, 5. À partir du moment là où il attaque, mec, c'est dead. Il suffit d'une carte qui le wipe. J'ai un portrait caché. Je vais donc recréer une Argousine Markov. Oh. Comme l'Argousine Markov arrive en jeu, toutes les Argousines Markov peuvent se battre contre des créatures. Mais donc, non. Que contre celle qui arrive. Je crois que c'est celle qui arrive. Non, à chaque fois que elle ou un autre vampire arrive sur le champ de bataille, l'Argousine Markov se bat contre juste une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc toutes mes Argousines Markov vont tuer tout le monde. Ah donc en fait t'avais 30 triggers au début. Oui, c'est ça. J'en ai fait que 3 parce qu'il y avait que 3 trucs, mais en gros, oui, je vais en recréer une. Ah, oui. Et en fait, chacune de mes meufs se bat contre, donc c'est mort. Et c'est win. Ah, ça veut dire que la première fois que tu l'as fait. Oui, là il y avait que 3 créatures, mais en fait normalement. En fait, t'avais 5, 1, puis 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus. Il 5. Avait 25 triggers, 5 fois 5. Ah ouais, j'avais. Ouais, c'est ça. D'accord. Tirons-nous la main. C'est quand même une belle partie. Attends, et là tu peux attaquer et c'est fini. Oui, c'est fini, c'est fini. Voilà, une fois de plus, une partie détestable. Bon, en vrai, il est fort. Qu'est-ce que je te dis? Ah, j'ai eu beaucoup de chance. Il a chaté. Je regrette juste de ne pas t'avoir tué quand j'aurais pu, parce que j'étais en mode, ah, il passe une mauvaise partie, il a posé 2 cartes depuis le début du jeu, je le laisse tranquille. Et quel manque d'expérience de ma part, alors qu'évidemment, fallait lui lustrer la gueule comme une merde. Et ensuite, c'était bon. Non, mais en vrai, t'as joué de façon faire. Parce que là, ah oui, bah oui, fin, oui. Mais en vrai, j'aurais très bien pu me faire défoncer. Mais oui, clairement, quand j'ai fait, et je l'ai dit en plus, hein, quand j'avais cette départ qui était nul, je jouais en dernier, j'ai rien à faire avant le tour 3 ou 4, je crois. Et toi, tu commences à être bien, machin, etc. Je sais que dans ce genre de jeu, c'est pas très grave. Puisque il y a un peu ce côté, bah, on va pas t'attaquer, toi, t'as rien. En fait, en gros, il y a plus. Au-delà du fait qu'il y a plus menaçant que moi. C'est logique de dire bah, j'attaque celui qui a le plus gros qui a la plus grosse menace. C'est effectivement. Bref, donc t'as joué normalement. Il y a eu effectivement plusieurs je rase le board qui ont été bah, qui sont classiques, qui sont fait pour. Du coup, ouais. Évidemment, j'ai gardé quelques cartes et à la fin ça a payé. Bien voilà. Joué. Good game. Merci, je te rends cette carte. Merci. Qui a été, je vais t'offrir la victoire. Jérôme, GG a dit qui a tenu quand même jusqu'au bout. On a essayé. On a une petite pensée évidemment pour mon voisin qui a disparu. Il a cessé d'exister. Si j'avais su, j'aurais pas. Mais oui. Dommage qu'il soit plus là pour en parler. En tout cas, merci à lui. Je suis content d'être venu vous avoir ramené les decks. Merci d'avoir ramené les decks. Ça, c'est un salaud. C'est vraiment la régale. D'ailleurs, ces decks, hein, si vous voulez les jouer chez vous, vous pouvez évidemment les acheter chez Play-In. Il n'y a pas de code de réduction. Il faut payer bande de rats si vous avez envie de jouer. Voilà. Tout à fait. Mais payer pour de l'amour, n'est-ce pas? C'est pas mal. En vrai, une bonne soirée commandeur avec des potes, il y a que ça de vrai. Tu prends des pizzas, 4 decks commandeurs, 3 potes, et c'est parti. Dibou, c'était ta première expérience au commandeur? Tout à fait. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah, c'est très cool, effectivement. Au début, ça fait un peu mal. Ouais. Là, mais vous êtes allé centimètre par centimètre, tel des gentlemen. Donc c'était cool. Mais en vrai, je comprends l'intérêt d'avoir des decks qui soient de même force ou de même niveau. Parce que sinon, tu t'amuses zéro. Et je comprends aussi le côté négociation avant tout. Clairement. Et je l'ai fait parce qu'il faut le faire, mais je suis pas. Vraiment, je préfère être un one-to-one avec le mec. On n'a rien à négocier puisque le but c'est de défoncer celui qui est devant. Mais à partir du moment où il y a au moins 3 personnes dans la partie, oui, il y aura des petits. T'avais quand même l'air de prendre beaucoup de plaisir à chouiner. Sachant que j'ai vraiment dit à Olivier Rofello, c'est effectivement, je ne t'attaque pas et j'attaque. Ça, c'est il vrai. Il l'avait dit. Ça, effectivement, ça a été fait, mais ça a été chuchoté. Donc ça c'est pas forcément entendu. Je vous rassure, je l'avais évidemment entendu. Ça n'a aucune espèce d'importance. Le but c'est qu'on se soit... Ah ! J'ai raté. Amusé. Sur ce, on arrive bien au bout de cette petite émission. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent moment pendant cette session de Joueurs du Dimanche. La semaine prochaine, évidemment, nous aurons
d'autres joueurs sur d'autres jeux. Et on va se régaler. Ce sera probablement un jeu Yellow, c'est vrai. Car on le rappelle, ce sont les sponsors évidemment de cette émission. Grâce à eux, vous pouvez avoir ce setup incroyable. Sans eux, vous avez des webcams dégueulasses comme chez la plupart de mes confrères, que je salue au passage. Coucou. Mais force est de constater que vous êtes mieux chez moi. Sur ce, sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et moi, je vais continuer à aller farmer du e-level sur Lost Ark. Merci à toutes et à tous. Adi, évidemment, qu'on peut retrouver sur Twitch, sur ses réseaux sociaux. Tu castes pas un truc en ce moment ? Si, PUBG Mobile, très bientôt, dès la semaine prochaine. On va se remettre sur PUBG Mobile avec les potes. Et Inch'Allah, évidemment, l'Overwatch League le 5 mai. Mais le cast français, c'est un peu compliqué cette année. Donc, on est en vrai pour parler. Vraie négociation avec tout le monde. Prof. Moi, j'ai rendez-vous à, je crois que ça va être à peu près 21h30 sur le live de Tarsa, donc twitch.tv/tarsatv. On va tester deux nouveaux jeux de société qui sont sortis récemment, dont un, je crois, de Richard Garfield, oh, le créateur de le Magic. Papa. Il y a longtemps qu'il n'a pas fait un truc correct. Hein. Je dirais. Voilà. Et une actu de ton côté, je sais pas, il y a une soirée événement, quelque chose, un truc que tu veux communiquer sur Paris. Si vous êtes sur Paris, samedi qui arrive là, samedi 19, journée spéciale jeu de rôle. Ah. Avec l'association Ligue Ludique, qui est une asso qui forme des maîtres du jeu pour aller faire des parties d'initiation, pour propager la bonne parole du jeu de rôle. Et donc on fait toute une journée, vous pouvez réserver sur play-in.com, où vous allez être dans plein d'univers différents, vous allez voir du Star Wars, du Warhammer Fantasy, du Donjons et Dragons, pour apprendre les bases du jeu de rôle dans des scénarios de 2h, 2h30. J'ai terriblement envie de me frotter au fait d'être maître du jeu sur un GDR. En fait, je crois que je prendrais beaucoup plus de plaisir à être maître du jeu qu'à être joueur. Ouais. Parce que ça me saoule de négocier avec les autres. Alors que dire, je pense. Ça se passe comme ça. C'est comme ça, le monstre a 18 points de vie, démerde-toi, lance un dé, t'as perdu, nique ta race. Ça, ça me plaît beaucoup. Et en vrai, on en fait une montagne, mais avec tous les guides qui existent et le fait que tu aies de base une certaine appétence à présenter les choses, etc., à faire en sorte que les choses soient le plus épiques possible également. Et bien en vrai, tu peux carrément le faire. Ouais, il y a de plus en plus de kits tout fait où t'as ton aventure, t'as pas mais même, faut pas essayer. En fait, le truc, c'est que nous, maintenant, en plus, dans notre milieu, on a des mecs, genre Fibre Tigre, c'est son métier depuis qu'il a 4 ans, et il écrit des jeux de rôle. Donc, oui, l'incu, c'est pas mauvais aussi. Donc, oui, ce sera peut-être... Y a du monde, ouais. Mais en réalité, prendre des scénarios qui existent déjà, de donjons. Et juste les faire. Et juste les faire. Moi, je l'ai déjà fait, je suis pas un très bon maître du jeu, mais je faisais le taf en accompagnant les gars, et vraiment, c'est cool. Donc, je t'invite à le faire. Et peut-être sur cette chaîne. Peut-être sur cette chaîne, je me pose la question. Je crois que c'est... Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des jeux en Legacy, j'ai envie de faire du JDR, j'ai envie de faire plein de trucs, mais j'ai un vrai travail. Voilà. Donc, si Black Book, parce qu'il y a qui fait du JDR en masse. Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, ils sponsorisent déjà notre très cher AlphaCast. À mon avis, ils vont pas venir me lâcher un billet. Qui ne tente rien. Horaire, en vrai. Je trouve que ça. Et en plus, j'ai un contact. On en parle en off. Pourquoi pas. Rendez-vous la semaine prochaine pour une OP. Allez, salut à toutes et à tous. On vous fait des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette aventure. Et dimanche prochain, 16h évidemment, pour la suite. Bonne soirée. Ciao. Tard plus. Bye bye. Ciao. Bye.